Alors, bon, petit Dawn of War. Alors, attendez, parce que du coup... On commence par Dawn of War ? Bah, je pense, parce que Trauma va nous rejoindre après. Et du coup, il nous rejoindra sur Total War. Il disait qu'il voulait faire du Dawn of War aussi, mais bon, moi c'est pareil hein. As you want. On va faire les deux je pense. Juste on switchera milieu, oui. Milieu de soirée. Oui. Qu'est-ce que quoi? Comment? Oui. Soulstorm. Soulstorm. Pourquoi ça s'affiche bizarrement? Ah voilà. Oui. Il faut que j'aille trouver le mode manager. Hop, il est là. Il est là, start mode. Let's go. Let's go, let's go. Je lance aussi. Let's go. Amen. Tarto. Amen. La Warframe se transforme en War Soirée, oui. Ah, c'est journée full Warhammer. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ouais. Ben, je me souviens, Dawn of War, on avait, j'avais fait mon live de retour en 2021, sur Dawn of War. Ah oui. Presque après un an. Toujours reçu. Même dans le monde des artistes, tu vois toujours The Detail, que tu as soit oublié, soit fait une erreur au moment de poster ou juste avant, et c'est la panique. Ouais, de ouf. De ouf. Ça fait si longtemps. Bah, hier, on y a joué. On s'est fait latter la tronche par l'IA. Et puis, c'était fait. Bon alors attendez, par contre, est-ce que Eventis est là? Eventis, il avait pas l'air giga chaud de jouer ce soir. Eventis, il a un souci avec les pas orcs. Trop d'autres fois. Non mais c'est surtout les orcs qui galèrent de ouf avec le pathfinding, il a du mal Eventis. Ouais bah le pathfinding du premier, bah, c'est pour ça qu'un remake ça ferait du bien, hein, on va pas se mentir. Oui. Sauf s'ils font un remake comme pour Electronic Arts avec... Avec quoi? Command & Conquer, quel enfer! Ah oui! Ils ont fait un remake, le Pathfinding, il est dans alors les années. Il est dans les années 90, hein, le Pathfinding. Il est ouais, resté là-bas. Hein. Oui. Après, c'est un remaster, tu vois. Un bon petit. Moi, je pense qu'un vrai remake serait nécessaire, tu vois. Bah, ça. Alors. Bah, du coup, on peut se faire un 3v3 contre IA ou vous voulez faire quoi? Comme tu veux. Comme vous voulez. Ouais, pourquoi pas, parce que ça ferait un peu chauffe. Ouais, pour se remettre tranquillement dedans, ouais. Oui. Ouais, ça se compte en années, quoi, pour moi, donc. Je regarde qu'est-ce qu'on pourrait jouer. Pavonis. Je te laisse héberger, du coup. Ouais, je suis en train de créer la game. Ouais, mais Eventis, si tu veux le faire jouer à Dawn of War, faut relancer une soirée Dawn of War 3. Oui. Bah, il sera le seul à jouer, hein. Ouais, en vrai, moi ça me dérangerait pas, hein, si c'est juste une soirée. Allez, confrontation, tiens. On va voir ce que ça donne. Petite et catégorie, hein. Merci Lady. Merci beaucoup. Ah oui, on aura les cousines. Est-ce qu'on aura le plaisir de revoir les cousines? Ah oui, oh, ça fait longtemps, c'est j'ai vrai. J'ai créé la game, mot de passe, c'est test. Après, je comprends, hein, les orques dans Dawn of War 3, c'est quand même le fun. Hein. Ils savent s'amuser. Hein. Est-ce que je l'ai toujours, les cousines? Les petites cousines. Oui! Oh, parfait. Ah, c'est beau. Ah, putain, le schéma de couleur qui me brûle les yeux d'ici. Oh oui, déjà là, rien que là. J'adore. Rien que là, t'es déjà pas bien. Quel enfer. On se met en équipe 1, du coup? Yep. Équipe 1. Et en face, on va faire équipe 2. L'IA sera en difficile. Hein. Ah donc, oui. Ça va aller ou en difficile, ça risque d'être hardcore peut-être. Ah, tu crois. On va voir. Ouais. Hier, j'ai fait contre une IA tour intermédiaire et je l'ai trouvé vachement passif. Donc, je sais pas. Bon, bah, on va se faire éclater. Hein. Allez. À Squad Stream, envoyé, Maf. Oui, je valide immédiatement. C'est pas sur celui-là où il y a un gap de difficulté immense entre intermédiaire et difficile. Mais ça, c'est dans beaucoup de RTS. Hein. Ouais. Ouais, non, vraiment, je crois qu'elle est passive de ouf dans l'intermédiaire, mais hyper violente en difficile, quoi. Attends, vous savez quoi? On va leur mettre des.
On va éviter qu'il y en ait un qui tombe Nécron. Ah oui, oui, oui. Ça, ah, oui, oui, oui. On va en mettre un KO. Tu joues Space Marine aussi, Melkor? Ah, c'est un peu tout ce que je connais sur Dalafor. Ok. Ah, j'avoue que... Allez, sort de bataille. Voilà. On va voir ce que ça donne avec ça. Ah, quand tu veux, Maf. Yes. Tant que c'est pas KO au Nécron, ça ira. Ah bon, KO, c'est cheaté? KO, c'est si dur à affronter. Ah, j'avais pas le souvenir que c'était ça. Eh, quand même. J'ai pas assez joué sur celui-là. On se débarrasse. La bataille. Moi, je suis parti sur le sur Vior là, le set un petit ah peu ouais, de base. Ah oui, c'est vrai que c'est le design des Eldar Noir, mais avant la refonte. Oui, 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 le design moche. Ouais, c'est pas clair là, les designs. Tu as trouvé comment Rocket League? C'est pas trop pour moi Rocket League. Pas trop mon truc. Rocket League, ça a l'air rigolo à faire de temps en temps. J'aimerais bien essayer une fois, moi. Le problème, c'est que les gens sont trop forts, en fait. Ah j'ai oui, pas, oui, ça, pas ça, le temps ça, pour, ça doit être l'argent. J'ai pas le temps pour tryhard Rocket League. Et du c'est coup, un peu tard, ouais, de s'y mettre. Tous mes potes qui y jouent, ils sont trop forts, la flemme. J'avoue. C'est vrai que c'est le genre de jeu, vu le nombre d'années qu'il a, si t'as pas pris le train en marche, ouais, c'est dur, quoi. Ah, oh, c'est trop dur, je pense. Au secours, comment joue à ce jeu? Au secours. Tellement ça. Au secours. Caserne. Ouais. Oh là là, les... Ah. Musique. Les cousines. Non, ça je veux pas voir. Les chasseurs solitaires sont là. Les technologies Tau nous renforcent. Ah là là. Il a pas pris une ride. Presque. Oh non. Il en avait déjà pas. Ah oui, ouais. La map est gigantesque. Oula, mais non, mais je suis là, moi. Oh. Eh, en même temps, c'est difficile de te louper quand même. Oui. Avec ta bannière en plus. Ah, il a une belle bannière, Maf. Ah ouais, là, attention. Ah, moi, j'ai pas ma bannière à moi. Ah, j'ai rien fait, moi. Mais tous mes schémas custom sont sur le 2. Attends, non, mais moi, je vois dis, la bannière de Maf. C'est un côté pratique parce que franchement, je les repère tout de suite sur le champ de bataille. Le pire, c'est vraiment l'épaule des scouts, elle est cursed de ouf. Oui, le poisson blob. Ah, c'est vraiment ça. Dégueulasse. C'était tellement magnifique. C'est vrai que ça aurait été dommage de pas y retourner. Hein. Ah oui. Je pense que oui. Est-ce qu'on avait vraiment envie de se passer de ça? Je suis pas sûr. Ouais, non. Franchement, pas possible. Pas sûr, sûr. Nous chassons patiemment. Les tassibles et tâteaux nous renforcent. Bon, moi je me développe tranquillement. Je vais build d'écho, c'est ça? Ouais, je pars sur deux forums là. Nous chassons patiemment. Deux petits forums d'entrée de jeu là, moi ça me paraît bien. Ça fait tout ce qu'il faut. J'ai mon arsenal bientôt. Un nouveau jeu stratégie Star Wars. Ah, il y a des fans de Empire at War. Ah oui. Il était bon. Ah, moi, je l'avais pas trouvé ouf. Hein. Ah, j'étais pas ah, fan ouais de Empire. Ah non, moi, Empire at War, j'étais là. Je sais pas. Et ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en redire. Quand même. Oh, je sais pas, j'ai beaucoup joué à celui-là et j'ai beaucoup aimé. C'est marrant, des fois, t'entends la VO. Ouh, déjà. C'est Melkor. Ah bah oui, il est pas rose. Je suis de nature agressive, tu sais. Ouais, je sais bien. 75 d'énergie. J'ai déjà joué à Age of Empires contre toi, tu sais. Oui, effectivement. Ah, c'est un euphémisme en plus, agressif. Ah oui, il y a beaucoup de guerres impériales. Peut-être sortir une escouade de guerriers de feu, moi. Ouais, il a pris cher. Hein. Je saisis votre plan. Après, c'est de la garde impériale, ça casse pas trop de câbles. Ça fond bien, oui. C'est quoi ça? Des sorts de bataille par contre là? Ouh là là, avec un perso. Je recule.
Ouais, les batailles spatiales étaient limites, mais même les batailles terrestres, c'était pas clair. Enfin, il y avait beaucoup de trucs qui étaient pas clairs. En vrai, je trouvais que les batailles spatiales étaient beaucoup mieux que les batailles terrestres. Et c'était déjà très limité quand t'avais joué à Homeworld. Oh putain, la prophétesse. Moi j'aimais bien. C'était l'époque de l'innocence. C'était mon petit plaisir coupable, j'avoue, hein, mais il y avait des choses à dire. Oh, j'ai une escouade de commandement garde impériale. Oh bah les cons, ils ont pris ma mine. Attends, il va die. Oh, je vais tuer le lord comme ça. MDR, j'ai tué le lord. La vache, c'est balèze. Hein. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah si, je l'ai eu. Incroyable. Oh, les escouades de commandement, elle a pris cher. Oh, il y a des gardiens. Okay. Je vais avoir vraiment besoin. Pour le bien suprême, prospérez comme tôt. Oh là là là. Cible, la caste du feu sert avec fierté. Prospérez comme tôt. Je vais commencer à mettre des pity bunkers, moi. Les technologies en biscade la force. Oh. Comment ça, on subit des dégâts? On subit des tirs! Ça se passe pour vous là? Oh, on essaye. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que. Quoi? Qu'est-ce que. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je clique quoi? De la merde. Ah, j'ai. Oh là là. Dites-nous où nous devons aller. On va se détendre. Quitte à combattre, finissons-en vite. Exo-armure XB22. Putain, mais il est où le. Mais ils se construisent tout seuls, les bâtiments des sœurs, là? Quelle idée, jamais joué. Oula. Ouah, la vache. Mais c'est les squads de commandement, encore, ça. Ils sont nombreux. Oula, 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 bombardement. Je recule. Ah, c'est pas un bombardement, c'est leur détecteur, ça, je crois. Comment on fait encore pour aller chercher? N'oubliez pas d'améliorer vos listening posts. Ouais, c'est un choc. Ouais. Ah putain, il me faut vraiment plus de ressources, là. C'est terrible. Ouais, là, c'est chaud. J'essaye de me battre pour en avoir un petit peu plus aussi. Pas évident. Voilà oh la tempête dans la gueule. Nous ne vous laisserons pas tomber. Que voulez-vous ? Équipe de tir prête. Tellement résistant et bâtiment la garde. Ah ! Comme tôt, comme le feu l'eau ne va pas. Je saisis votre plan. Une belle manœuvre. Ok. Tout ce que demande le bien suprême. Oh putain, c'est dur là. Ouais, c'est pas évident. Je crois qu'il faut vraiment les push tout le temps. Ouais. Moi je vais prendre une autre escouade de guerriers de feu parce que là on en chie. Ah, les sœurs qui arrivent dans la gueule. Oula. Ouais. Voilà mon croûte. Le croûte. Attention, j'ai failli perdre mon croûte. Barrez-vous. Oh, si mal les sœurs, c'est incroyable. Ouais, les sœurs, c'est costaud, je trouve. Ah bah c'est relique, hein. Une nouvelle faction, un nouveau mode de jeu, forcément, elles sont un peu broken. Ok, je leur pique un... On va voir comment elles digèrent les lance-flammes. Ah, il me faut tellement d'énergie. Plus en tout cas, d'énergie. Elles digèrent pas trop les... Apparemment, elles digèrent pas trop les épées tronçonneuses. Oh, mon... C'est déjà ça. En général, il a... Un HP. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Arrêtez. Vite. Il faut que je mette le mode voilà. Tenir position quand ils sortent. Alors. Oh, l'espèce marine, au secours. Qu'est-ce que quoi? Ah non, mais l'espèce marine de maf quoi, c'est quel enfer quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, les couleurs. Ah, ils sont beaux. Alors, quel est ton point de vue de peintre officiel, Melkor, sur ce schéma de couleurs? Putain. J'ai perdu la vue.
Envie de mourir. Je le vis bien, envie de mourir. Ah, j'ai un petit générateur à thermoplasma là. Mais il en est. Mais par contre, au secours, l'IA sort de bataille, elle fait que des unités quoi. Ouais, c'est l'idée, bah, je pense. L'IA, l'IA globalement. Non, mais les autres, j'ai l'impression qu'on les voit plus, ça y est, quoi, ils sont partis. 75. Ah non, mais il me faut d'autres. Oh, c'est terrible. Il me faut 1 million de générateurs là. Ah, des cibleurs, ça va m'aider. Ah, mais là, il y a eu des morts. Normalement, je peux aller les bouffer. C'est vrai qu'on mange, nous. Ah oui, vous êtes un peu les dégueulasses. Non, mais c'est nos troupes. C'est culturel, tu peux pas comprendre. Non, mais on accepte toutes les différences. C'est aussi simple que ça. On est très tolérants, nous. Non, pardon, Marines. Waouh. Complexe. Non. Balise à véhicule. Ah, le PC de Montka. Ah ouais, là c'est compliqué là. Ouh. Ah non, là c'est sérieux. 350. Ah oui, je peux la faire stop grade. Let's go. Non, mais on va se barrer hein. Vous voulez que je vous aide? Oh, ça va le faire. Oh, je les défonce. Ouais, ça ouais, va. Ouais, mais broken. Comment ça, broken les taux? Oui, parle lui. Oui, parle. Ah oh, putain, c'est un. Ah, oh, ça casse les couilles. Mes cibleurs. Je sais plus quelle tech prioriser, c'est pas grave, je les fais toutes. Il faudrait peut-être le... J'ai pas les jetpacks, je suis un abruti. Ah, j'ai les Zeldar, bonjour. Ah oui, oula. Ah, t'as les Zeldar sur toi? Ouais, il est venu me dire bonjour. Tout ce que demande le bien sont vos yeux et vos oreilles. Maintenant, nous en prions pour servir. Nous vaincrons comme des taux. Aïe. Les mentors nous ont envoyé. Ah, mais. Oh là, les. Eh. Tout le monde a fumé, eux. Ah, mais j'ai la garde aussi! Tout ce que demande le bien suprême. Oh là, je viens de. Je viens de prendre un sale coup là. Oh putain! Ça va de l'autre côté? Alpha. Ouais, de ouf, ouais. Ça tapote un peu, mais ça va. Ah, oh putain. Chasse-la, prêt à agir. Champ furtif, pleinement actif. Nous vaincrons comme des les cibleurs ouvrent la voie. XV25, prêt à agir. Des Red Notes, ça va être pas mal, ça. Ah la vache, j'ai tellement de ressources que ça. Ok, il faut manger, là. Il faut manger, les gars. Ça ira mieux après avoir mangé. Population max. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce système avec. Avec l'espèce marine, merci de me le rappeler. Oh, j'ai tellement de ressources à l'aide. Pareil, oui. Je suis réveillé. Nice. Je suis réveillé. Putain, allez. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié leur truc. Mieux vaut vivre pour l'empereur que vivre pour soi-même. Il le fait très bien. Mourir. Il est trop fort. Il vaut mieux vivre pour l'empereur que mourir pour soi-même, hein. C'est ça, oui. Ah, mais c'est la merde. Quoi, c'est la merde. Moi, je trouve, vous tenez vachement bien. Je vais essayer d'avancer là. Oh putain, mais il y a des sentiers. Oh là 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 là.
Oh, c'est pas clair, hein. Ah non, c'est pas clair du tout. Oh là là, la tempête. Comment on fait? Oh, j'ai pas vu, mais je peux prendre la deux. Oh oui, viens, mais je peux prendre la sauce, là. Mais non, mais attaquer à l'arme au point, bande de connards. Un de connards. À l'aide. Ouais, bah à l'aide, moi d'abord. Enfin non, en vrai, moi ça va. Ah non, ça moi, pourrait, ça va pas. Ça pourrait être... Ah, dommage. Non, les sœurs, elles ont l'air motivées du cul. Bien sûr. Ok, bon, eux ils se sont renforcés. Ok, bon, en vrai ça va. Moi je stabilise à peu près là. Je sais pas vous ce qu'il en est. Si c'est la... Bah, pareil de mon côté, c'est. J'essuie quelques pertes, mais globalement ça roule. Bon, j'ai mon commandeur. Ok. We good. Oh là là, j'ai même un emplacement pour faire un générateur de ouf là. Ah oui, les optiques. Ah ouais, les optiques. Indiquez-nous nos cibles. Ouh. Nous vaincrons comme des taux. Oula, oula. Servir est un plaisir. Bon, on a calmé les bordel. Ce sera une honneur. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que tu dis, Melkor? Non, on essaie de calmer les sœurs. Ça a l'air motivé. Ah. Bah putain, les araignées spectrales. Ah, saloperie d'araignées. Ah, ça picote, hein. Je me souvenais pas que ça faisait aussi mal, les araignées spectrales. Hop. Indiquez-nous nos cibles pour le bien suprême. Putain. Oh, j'en chie là, les araignées spectrales, je pensais pas que ça faisait si mal. Ça tient, ah ça non, tient. Mais je m'en suis pris quelques-unes tout à l'heure dans le pousse museau. Melkor, pousse Melkor, pousse Melkor. Dégage. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on va ramener un éthéré. Allez, le pathfinding là, allez. On y croit. Oh, les dégâts. Les dégâts. Oh ouais, non, mais... Quoi? D'où ils l'ont eu celui-là? Aïe. Ça irait plus vite si j'avais des raccourcis. Hein. Pourquoi mon dread il bouge pas? Allô? Il n'est pas réveillé. Bah... Je suis pas réveillé. J'ai pas envie de participer. Je veux pas participer. C'est un collègue de ta souris. C'est ça, oui. J'ai pas envie de participer. Tellement bon ça. T'as Jones, quel génie. Ok. Toujours pas de leçon. Voilà, on push la sort. Ouais, moi je pense qu'on peut push. Hein. Faut pas le laisser respirer. Hein. Si on tue une IA, on est bon. Hein. Bon, moi j'ai bien ma position qui est là. Broadside en déploiement. Ah, c'est beau ça. Oh le bordel! Allez, je lance l'offensive moi. C'est pas des apothicaires en fait. Hein. Ouais. Bah bon, est-ce qu'il me reste des unités hein? Oui, oui. Là, le scout est mort, bon, c'est pas grave. Bon, moi tout a été full upgrade. Enfin, peut-être que je fasse des véhicules un jour. Ah, les dreadnoughts ils font du bien quand même. Hein. Je suis à 28 sur 30. Ah, une autre escouade de croûte. Hein. Ouais, par contre, ce que j'ai pris quand. Ah, oui. Ah, il est caché là lui. Ah, je pensais qu'on en chierait beaucoup plus contre une IA en. Contre le full IA en difficile, vraiment. Moi j'ai des souvenirs d'IA en difficile où juste tu manges tes dents toute la game, t'es là à l'aide. Ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué. La caste du feu sert avec fierté pour le bien suprême. La caste du feu sert avec fierté.
Nous servons le bien suprême. Allez, les lance-roquettes. Voilà. Bon. Bon. Allez, petit tir de broadside dans la gueule. Oh putain, le conseil des pressions, à l'aide. Pousse. Oh le saut. Ouh là là. Ouh là, les Zeldars avancent fort. De ton côté ? Ouais, chez moi, là, j'en vois qu'ils sont en train d'avancer. Ouais, c'est la merde. Ok. Jamais. Oh putain, le bombardement! À l'aide! Oh le bordel! Je dois... Ouah, je dois back! Je dois back. Ok. Faudrait qu'on se regroupe... Ouais, je suis en train de refaire des forces. Mais les sœurs font tellement mal, je trouve. Ok, ouais, un... Oh là là, moi c'est la guerre. Hein. Allez, la prophétesse, let's go, elle est morte. Ah, chevalier gris, allez. Ça va faire mal, ça. Elle va se faire ratiboser la gueule. C'est quoi ça? Il faut que je fasse. Ah, il me meule la tête! C'est dur! Pas une bonne reprod! Ça fait... Ah oui, il y a des avions! Oh! Tu vas en faire. Ah. Aïe aïe aïe, ma garde d'honneur. J'ai perdu mon éthéré ou pas? Non, je l'ai pas perdu. Très bien. Ah la vache, putain, ils sont en train de m'envahir là. Ouh, aussi. Ça pousse, hein, ça pousse. J'ai une invasion Eldar là. Ouais, non, mais moi. Ah ouais, par contre, oui, j'ai. Ah oui, j'ai tout le monde sur la gueule là. Non, j'ai beaucoup aussi là. Moi j'ai de l'eau green là sur la gueule. Ah mais... Cours, hein. Ouais, mais Skyrim... Oh, je dois back, hein. Ouais, moi je me back. Oh, la guerre de fou, là. Putain, laisse tomber. Je peux pas sortir le grand... Le Knarlock, là. Ah si, putain. Mais si, je suis trop con, j'ai Koyon. Je suis un couillon. Je peux faire le grand Knarlock. Je peux faire un annonciateur. Ah oui, annonciateur de drone, c'est trop utile ça. Ah, j'ai mon commandeur qui est mort. Ok, j'en profite pour tech un tout petit peu. Je tech aussi. Hein. Oh putain, ils m'ont pris ça, les salauds. Le chasseur passion attrape. M'énerve ça. Ok, je vais essayer de sortir des Terminators. Ah mais j'ai plus de... Ah j'ai plus de stealth. Oh bah alors là... Merde. J'ai pas envie. Voilà. Bonjour à tous, au revoir à tous. Voilà. Petit barrage, ah, mais, là. Mais il a combien de blindés, là, en face de... Secours, beaucoup quoi. Trop. Oh, oh la non, musique. Non. Oh, je prends en cher. Ouais, moi, je prends très cher, hein, c'est la guerre. Envoyez-nous vers l'ennemi. Ils ne nous verront pas. Le chasseur passion attrape sa proie. Drone prêt au lancement. Le chasseur passion attrape sa proie. Oh là là, oh là là, c'est la merde. Ah, y'a vraiment beaucoup, moi. Oh, oh non, mais pareil, hein.
Mais attends, t'as la sœur de bataille aussi, toi? Ah non, c'est la garde impériale. Oh putain, y'a un avatar de Kane! Au secours! Putain! Oh là 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 là, il me... Toutes les armes contre l'avatar! Allez! Oh merde! Oh putain! Oh le sbeul chez toi! Non! Après, Alpha, c'est celui qui a la plus grosse arme, mais là, actuellement, je suis 2 ou 3. Ouais, ouais. Oh bordel! J'arrive pas à les repousser non plus là. Ah ouais, non, c'est terrible hein. Ils sont. Ok, j'ai une grosse poule qui se bat contre l'avatar de Kane. Tu dois cliquer et les faire apparaître sur le champ de bataille. Ah oui. Moi je les ai battus, je crois. C'est bon, l'avatar va canner. Je suis dans la merde. Fumez-le, mais il arrive. Ah ouais, pareil, là je suis en train de perdre mes chars prédateurs. Fumez-le! C'est bon, il est tombé! Allez, je fais! Mais moi je vais leur rentrer dedans aux Zeldar là, j'en ai ras le cul. Vas-y. Moi ils sont quasiment dans ma base. Ah, j'ai Land Raider et deux Predator, ça va m'aider un peu, je crois. Mais putain, attends, mais mes Terminators se sont fait ouvrir à ce point? Oh! Ah, quelle c'est merde! De la Camelot impériale, ça, on connaît. Et là. Et là, et oh! Bah, je peux plus prod là, hein. Ils sont chez moi. Ah ouais, toi t'as les sœurs, Melkor. Ah ouais, elles sont du genre tenace, hein. Wow. Elles sont du genre chiante. Ah, j'ai un Croutox, lol. Rigolo le Croutox. Par contre, le Seigneur Fantôme, c'est chiant. Hein. Voilà, dégage. Ouah, comment il m'avoine. Terrible. T'arrives à les push, Melkor? Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je fais ce que je peux. J'avoue que c'est compliqué. Bon bah écoutez, moi, ils sont trop nombreux chez moi. Hein. Oh la garde. Bon, je suis en train de mourir. Voilà. C'est bon. Non, ça y est, ils se sont finis par se réparer. Essaye de le sauver. Je vais essayer de tuer l'Eldar, moi. Ah bah j'ai plus de constructeur. Oh l'armée quoi. Oh le conseil des pressions là. Ah ouais, l'Eldar il est vénère aussi hein. Ouais, l'Eldar il fait vraiment masse. La garde impériale c'est un truc de ouf. Ils sont ultra nombreux. Je sais pas ce qu'il aurait fallu contre eux. Je connais pas. Et ben voilà, je suis mouru. Oh non! 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 Ah bah si, ils étaient en train de rentrer dans ma base. Nonze! Ah oh, c'est nul! Oh, c'était la première, hein. Moi je pense que je peux les tuer, les Eldar là. Je pense que je peux les buter, mais ouais, c'est. Ils sont pas d'accord pour mourir en fait. Oh bordel, la tempête dans la gueule. Ah, l'IA, elle vise bien hein, sur les tempêtes, hein. Ouais, oui, ouais, quand même. Pas de problème, hein. Ah bah, en plus, il micro-gère de ouf, hein. Comme si vous voyez bien les choses. C'est ça. Oh putain, ils ont même des bombardiers maraudeurs, garde impériale, là. Ouais, oh, mais ça attention, tombe, garde impériale, ils arrivent sur toi, là, Alpha. Ils sont très, très, très nombreux. Ouais, ah bon? Ouais. Ils garde sont impériale, en train de foncer, très, très nombreux, quelle surprise. Putain, le conseil des pressions, j'en ai ras le cul. Vas-y, mets le corps, pousse au nord. Il y a une grosse armée qui est en train de se diriger vers Alpha. Si tu les interceptes tout ça, ils vont mourir. Ah, ça y est, j'ai la garde impériale sur la gueule, moi. Moi, je veux bien, mais les sœurs de bataille, c'est quoi cette prod? Je sais pas combien de bâtiments de prod, disons. J'aurais dû en faire plus, d'ailleurs. J'en avais qu'un. C'est pas une bonne idée. J'ai pas fait le bon bâtiment, ici, je suis un abruti. C'est quoi, démoralisé? Mais vous avez pas le droit d'être démoralisé, là, les gars. Venez là, viens là toi. Je dirais à nos efforts. Il en sera fait selon la volonté de l'autre. Oh putain. Ah, un arlequin.
Oula, oula, il a pris cher lui. Ah, il m'emmerde les gars, Napao là. Mon Crotox, ouais, c'est bon. Oh les Kassarkins. Ah ouais, là j'ai la garde impériale sur la gueule. C'est pas rigolo. Oh putain. Ah oui, c'est perdu. C'est perdu là. Là j'ai la garde impériale qui me marche dessus en même temps que les Zeldar. Moi j'ai la garde impériale. Enfin, j'ai pas la garde impériale, mais j'ai les sœurs de bataille qui refusent d'abandonner. Ouais, non, mais là, l'IA est prod, est prod, est prod, est prod, elle s'arrête jamais, c'est usant. Ah ouais, c'est la guerre du jeu. Je crois qu'on aurait dû... on peut dire GG, je pense. Ouais, on aurait dû établir une ligne de défense qu'on tenait à 3 et... Non, et tech un peu plus game, pour les pousser, quoi. Ah non, ils étaient chauds, hein. Ils étaient chauds. En termes de... C'est vrai que les Zelda, en fait, j'aurais peut-être dû essayer de les push plus tôt, je sais pas trop. Est-ce que l'IA cheat sur Dawn of War? Ah putain, bonne question. Je sais pas. Je sais qu'elle le faisait sur Company of Heroes 2. Bah yes. Je me souviens très bien que l'IA, alliée avec les Américains, était capable en très difficile de te sortir un char Sherman que toi, t'avais même pas passé le second âge technologique une connerie du genre, tu vois. Ouais, bon, on va en lancer une. Attends, c'était la bataille de chauffe. Moi, j'ai pas joué depuis 6 mois à ce jeu. Oui. Ah, de ouf. Bon, j'ai pas de réponse de Sansou. Ah, c'est dommage. Bah ouais, parce qu'il m'avait dit chaud, mais pas de réponse. Ouais. Pourquoi ne pas produire plus de véhicules? J'ai du mal avec les véhicules tôt dans nos fois. T'as pas, en fait, à part le Hammerhead, t'as pas de véhicules où, tu sais, tu peux un peu les avoir et en mode... t'es en mode, bon, allez, maintenant, ils font leur truc, tu vois. Putain, ce jeu, il a quand même toujours autant le... Genre une game. Cette épicness, quand même, hein. Ah, de ouf. Quand t'as des grosses batailles comme ça, où t'as des grosses armées à 3 contre 3 ou 4v4, c'est juste trop bien, quoi. Vous voulez essayer en mode FFA sur Mortalis, avec deux IA intermédiaires? Oui, c'est vrai, ouais. Sur les rues de Vaughan. Ouais, en FFA. Peut-être marrant. Allez, détruisez-moi le Benblade, allez. Alors, putain, le Benblade, j'avoue qu'il y a le... Non, il va réussir à se barrer. Ah ouais, il se barre. Il s'est barré, l'enfoiré. Putain, le Benblade, ça veut rien dire, c'est gigantesque. J'ai mis difficulté IA standard. J'arrive, allez. Chacun pour soi. Chacun pour soi, vraiment. Oui, ça va bien se passer. Aïe, attends. Chacun pour soi. Oula, Monseigneur Fantôme qui vient de se casser la gueule. Toujours le même mot de passe? Ouais, test. Salut Arnard. Arnard. Arnard qui vient vérifier qu'on joue dans les règles. Le Baneblade. Meilleur mème. It is the Baneblade. Quel enfer. Ok. Alright. Bon, moi je... Oh bah merde, j'ai crash. Bah super. Ah voilà. Mince. J'ai crashé. Crashed. Bon bah retour alors. Connexion perdue, oui. Perdue. C'est un perdu. Je relance mon jeu. T'as pas peur que les viewers débarquent en masse avec le mot de passe montré sur le stream? Non, parce qu'ils ont besoin d'avoir le même patch que nous. Et le même mode. Pas évident. Ah, y'a Sansou qui m'a répondu. Ah, y'a Sansou qui arrive. Ah, un petit 4v4 contre l'IA. Ah, let's go. Bah, si Sansou arrive, on peut faire un petit 2v2 à la limite ou un truc. Ou un 2v2, oui, allez. Un truc dans ce goût. C'est juste que l'IA dans les Dawn of War, elle est vite chiante en fait. Je trouve ça. Ouais. Attends, je l'ajoute. Je l'ajoute. Hop. 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 Ah, greetings. Et allô. Oui. Ah, ouais. Salut Sansou. Coucou. Coucou, allié. Comment ça va? La forme, la forme. Imhotep. Tu es prêt à nous rejoindre dans la bataille, dans la bagarre? Ouais, faut que je retrouve comment lancer le jeu avec le mode. Mais tu l'avais désinstallé ou pas? Non, je crois pas. Ben, faut que t'ailles dans ton folder du jeu où tu l'as installé. Normalement, t'as le DAW Mode Manager 1.52 dedans. Ah, c'est dans le folder du jeu. Dans le folder. Yeah. Le folder. It's in the folder.
Alors. Pourquoi tu up pas ton commander plutôt dans ta game tout à l'heure? Bon, je sais pas, le commander tôt, je le trouve pas insane, moi. Enfin, genre, en early, il est bien, mais là, en late, c'est pas ça qui aurait fait la diff, je pense. Tito ST Mechanicus. Parfois, j'y repense. Parfois, j'aimerais un Mechanicus 2. Ah là là. Mechanicus 2, bah, le 1 était déjà fort bien. Bah ouais. Mais justement. Ouais. T'aimerais bien une suite? Non, ouais, mais je veux dire, il y a des trucs que tu trouves qui manquent dedans? Non, mais j'aimerais bien, tu sais, éventuellement un autre jeu 40K par ce studio. Ah ouais. J'avoue, c'est il cool. Était quali. Je suis pas allé assez loin dans le jeu, faudrait que je le reprenne. Ouais, et puis peut-être avoir un peu plus de budget, tu sais, pour des meilleures animations, etc. Quoi. Ouais, c'est vrai. En vrai, ils avaient fait un boulot de ouf, quand même, avec le budget qu'ils avaient. Ouais, de fou. Non, clairement, des virtuoses. Imagine, tu pousses le même concept, mais avec une force d'expédition du Mechanicus, et du coup, t'explores plusieurs mondes et peut-être plusieurs civilisations. C'est start mode qu'il faut faire? Ouais. Moi, je dirais oui, quoi. Explorer plusieurs planètes, des ruines Eldar, des ruines Necron. Petit Battlefleet 3 aussi, éventuellement. Je dirais pas non, moi. Ah, c'est pas faux, ouais. J'ai un peu de mal, je t'avoue, avec Battlefield. C'était pas ouais, des mauvais moi, jeux. Ouais, moi, c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup. Le seul souci du jeu, c'est qu'il est assez vite répétitif, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Les campagnes sont un peu trop... J'ai créé la game. Partie de Alpha, ouais, mode passe, je la vois. Test. Yes, les modes rajoutent quoi? C'est juste des bug fix. C'est des modes qui rééquilibrent vite fait et qui bug fix. Mais c'est globalement et l'expérience vanilla. La caméra aussi. Ah, bravo, Minéral. La gargouille est morte. Comment ça se passe, d'ailleurs, ta run Dark Souls 3, Maf? Comment? Je sens qu'on attend des difficultés. Parle-nous-en. L'entièreté du chat qui ne sait pas que j'ai repris Dark Souls 3 en secret. Oh merde. Oh merde, mais c'est pas grave, mais c'est juste que je le fais dans mon coin. Ah merde. Oh, c'est pas grave, c'est ban quoi. Ah, je suis désolé, et là du coup tout le monde va te saouler en mode « Ah, qu'est-ce que j'en fais en stream ?» Bon bah, ils peuvent bien, vous n'avez qu'à se b. Se b. Il vous faut simplement se b. Je ne pouvais pas, enfin je sais pas, quand j'ai rage quitté le jeu, je me suis dit, après, à froid, il s'est passé un truc que je n'identifie pas mais qui ne va pas. Et je peux pas rester sur cette idée du jeu. Du coup, je l'ai relancé dans mon coin, sans stream, sans chat. Oui, je fais juste une petite modification de skin vite fait et j'arrive. Okay. Et l'expérience fut radicalement différente. Eh ben, moi en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça. Ça me rend heureux. Sache-le. Et là je m'amuse vraiment dessus. Hein. T'en es où, là, du coup? Bah, pas plus loin que la dernière fois, parce que j'ai plus le temps d'y jouer depuis, mais il faut que... Enfin, c'est le jeu que je fais un peu... Dès que j'ai le temps, je lance une petite partie. Je joue une heure, 40 minutes, une heure, allez. Par petit bout. Je m'amuse bien. Ah, pour le coup, ouais, le jeu a beaucoup à offrir une fois que tu passes le cap. Il faut persévérer. C'est bien que t'aies persévéré. Ah. Ouais. Il fallait que j'y retourne sans a priori et sans backseat. Ouais, le backseat, c'est relou. Et en fait, le truc, c'est qu'après, faut pas avoir peur de se faire aider hein, si vraiment t'en chies de ouf. Bah, finalement, je fais pas vraiment avec des tutos ni rien. C'est surtout que bah, je suis patient et je progresse tranquillou et... sans me prendre la tête, et en fait, en étant vraiment prudent et en prenant vraiment mon temps, je me remets même pas tant que ça. Ouais, mais de toute façon, c'est l'imprudence et l'envie de vite retourner là, à un endroit où t'es mort qui te fait mourir le plus souvent dans Dark Souls. Hein. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça. Moi, je t'avoue que c'est Demon's Souls vraiment que j'ai envie d'essayer, surtout parce qu'il y a l'update graphique aussi qui joue énormément là-dessus. Ah bah, l'update est incroyable. Le feeling est fou, hein. Vraiment. Le feeling est dingue. les couleurs de map, je m'en remettrai jamais, quoi. Ah oui, t'es pas prêt. Ah oui, mais Sansou, il les connaît. Oui, Sansou connaît. Ouais, les cousines. Bah, les cousines, le retour des cousines. Les repères sur la map, quoi. Les bonnes vieilles cousines, quel plaisir. Ah, surtout sur map de neige, là, c'est... On a mis quoi comme équipe, là? Maf, Melkor. Ah, là, c'est chacun pour soi, je crois.
Ah, t'as fait Free for All, hein. Ok. Free for All. Comment ça, chacun pour soi? Bah, à la fin, c'est le Necron qui gagne. Comment ça, chacun pour toi? Comment ça? Comment ça, à dire? Je suis là, va me faire casser la gueule. Va pas me faire casser la gueule. Bon, c'est qui c'est qui a gagné, tu vois, c'est pratique. Non, mais tu rigoles, ça va être un hôtel à la barbarie de ma base, là. C'est nous qu'on met du pain sur la planche, on ne respecte pas. Mais pourquoi qu'on gueule, déjà? Pourquoi qu'on est mort, déjà? C'est les Necrons, tu sais. Tiens, il neige bien. Ah oui. Putain, il neige bien. Comment il neige? Oh, la map est pas gigantesque. Ah, j'ai pas de son. Comment ça, t'as pas de son? J'ai pas de son. Ah, par contre, sur cette map, les flocons à l'aide, hein. Non, mais là, c'est bien, j'avoue. C'est peut-être bien, du coup, que j'ai pas de son. Non, mais en vrai, attendez, on va remake parce que là, à l'aide, hein. Attends, c'est partout comme ça? Il a fait un mauvais start. Non, mais à l'aide, non, mais c'est 10 fois trop. Non, mais attendez. Ah, mon BO était parfait. Ah, ouais, non, mais les flocons à l'aide, là, c'est pas la bonne map, hein, au secours. Le BO 15 secondes, là, il était nickel. Attendez, je recrée une game. Mais les flocons de toi, ils sont si gigantesques. Ah ouais, les pixels, les flocons, mon gars, putain. Ouais. Ah, ça tombe. Sur mon clavier directement. Ah putain, mais laisse tomber, quoi. Bon, en vrai, on va faire une map un peu plus grande, histoire d'être tranquille. Ouais, c'est vrai que... Avec deux cool. Emplacements de plus, comme ça, on sera peinard. Allez. Hop, j'ai recréé la game. Putain, mais tu te prends un flocon comme ça sur la gueule. Mais j'ai craché encore, putain. Dès que je change mes couleurs, le jeu, il est en mode non. Non! Ah, j'étais promis aux ressources, voilà. Ouais, bah, on n'a pas lancé la game. Mais ah, j'avais gagné quoi. Ouais, c'était win en fait. Ouais. Les Necrons premiers en ressources en plus. Non, mais 100% win rate ce soir, ça me va. Hop, je recrée la game. Les rues de Vaughan. Moi j'aime trop cette map. J'avais beaucoup joué au début. Les rues de Vaughan. Vaughan. Putain, on va jouer à tout à l'heure, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Oh bah Dawn of War, Total War en multi, ça faisait longtemps. Ça y est, oui. La game est recréée. Total War multi, moi j'ai pas rejoué à Total War en multi depuis Shogun 2. Ouf. Ah oui. Ah oui, mais... Big ouf. Ah oui. J'ai joué beaucoup sur Medieval et Napoléon, un peu sur le Shogun. Je me souviens de cette map. C'est tout. Tout le monde est là, c'est incroyable. Chacun pour soi, ready. C'est parti. La Bega. Là, les Command and Conquer, je connaissais pas ce jeu. Ah, c'est encore différent. C'est encore différent de Command and Conquer. Là, c'est plus énervé en termes de nervosité et c'est des combats d'escouad. Oui, alors le Necron qui est là, ça dépend. Alpha. Très mais peut-être en placement. Énervé. Tu pas. Hein. De quoi Necron? Les emplacements, mais il est peut-être aléatoire, non? Mais je peux pas. Bah. Parce que là c'est marqué fixe, mais comme ça, là si c'est aléatoire, on serait peut-être un peu. Ah oui. Ah oui, donc c'est ça. Là c'est bon, c'est emplacement. Ah non, emplacement initial. Ah oui, non. Fais de la merde. Emplacement. Aléatoire. Voilà, comme ça va être vraiment rigolo là. C'est ça. Allez, c'est parti. Ouais. Qui sait, il y en a un qui sera au milieu de deux. Ah, il va être vert. LOL. J'ai hâte de vivre cette situation. Il va être vert. Ah bah c'est les Necrons, c'est vert. Quoique non, les Necrons de Sansou, ils sont pas verts, ils sont... Oui, pas du tout. Ils ont l'air charbon. Ça y est, ça blâme le lag. Les chasseurs sont là. On peut faire tourner de l'uniforme. Envoyez-nous vers l'ennemi. Exo-armure stealth prête. Les chasseurs silencieux sont prêts. Exo-armure stealth prête. Et merde. Ah ben voilà, j'ai foiré mon BO, ça y est, alors qu'il était parfait avant. C'est loose. C'est perdu, dommage. Fin de game. Merci à tous. Ça manque de flocons. Non, c'est très bien. Arrêtez avec vos flocons. Ah, j'avoue que les flocons. On a vu assez de flocons là.
Ah mais les flocons de tout à l'heure, je sais pas, t'en prends un sur la gueule, t'es mort quoi. Oui. Alors c'est des flocons 40k quoi. Ouais c'est ça, c'est... Ça rigole pas les flocons 40k. C'est-à-dire que... Oui, très bien. Les chasseurs silencieux sont prêts. Mon BO hein, est pas idéal. Mon BO, hein, je me souviens plus de mon BO. Hein. Ouais, ah, je l'ai jamais eu moi donc. Mission accomplie. C'est des imprimantes 3D géantes. Quoi donc? Ah oui, les bâtimentaux. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ils font spawn une imprimante 3D et elle se transforme en bâtiment. Eh, en vrai, ils avaient de l'avance, Relique, sur leur époque. Exactement. Les technologies d'eau nous renforcent. L'avant-gardisme. Trop fort. Pour le bien suprême. Bon, je suis pas certain de stop-opening. Stop-opening, il est pas clair. Bon, vous êtes où du coup hein? Oh, j'en ai jamais eu moi de BO précis dans le jeu. Oui, non, mais moi non plus, pas vrai. Enfin, je crois que j'en avais un quand j'avais pas mal joué au jeu avant de reprendre. Mais ça s'arrête là. Oh putain, il est là l'autre. Oh, il m'emmerde. C'est pas de quoi tu parles. Non mais t'es pas obligé de combattre sans sou. Non mais sans sou là. Sans sou, non mais. Non mais sans sou, va-t'en. Laisse-moi taguer. Mais sans sou, il emmerde tout le monde hein. Comment ça je vais perdre des FPS? Non, j'ai 30 FPS, c'est horrible. Quoi? Je sais pas pourquoi. What the fuck? Fais ton rush. C'est très très dur. Je comprends pas, elle a commencé à prendre trop. La caste du feu, c'est un mais non. Laisse-moi, mais laisse-moi. Je nous mènerai à la victoire comme des taux. Exo-armure XV-22 prête. Spectre. Les chasseurs silencieux. Ah, je vois du rose. Du rose. Je vois pas de quoi vous parlez. Moi non plus. J'avoue que j'aimerais mais ne pas savoir de quoi je parle. Ah mais si je te laisse tranquille, c'est que tu me laisses tranquille aussi en fait. D'accord. D'accord, je m'en vais, j'arrête. Nous renforce. Ils ne nous verront pas. XV-15 stealth en mission accomplie. Pour le bien suprême. Personne ne résiste au bien suprême. Comme le feu l'eau ne va. Je sens qu'il va me balancer. Il va aller chercher le blind là avec son Seigneur Necron. Je vais pas jouer. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Merde, j'aurais pas dû lui dire. Merde. Ah, elles sont là les cousines. Très bien. Mais en fait, tout le monde a pris les coups. Quoi? Quoi? Bah quoi? Attends, c'est tout cette affaire là? Non. Enfin. C'est pas réglementaire. Comment ça c'est pas réglementaire? C'est tôt dans la partie tu veux dire? Voilà, il y a d'autres cousines ici. Non mais c'est tôt, c'est un truc tôt. Quel truc tôt? Je viens de voir quelque chose s'envoler de ma base. Non mais c'est rien du tout. Les réglementaires chez les tôt. À plus tard. Allez, salut, moi j'y vais. Hein. Salut. C'était juste pour casser les couilles. Il sera à nous. Au revoir. Au revoir. Prêt à construire en route. Matrice de construction en agente d'ordre. Grue en approche. Pardon. Exo-armure XV-15 stealth en attente. Excusez-moi. Par les croûtes nous renforce. Nani. Allumage propulseur. On aurait dit du croûte. Équipe XV-15. Bon, c'est non, pas du tout. Allumage propulseur. Non, c'est du simple taux familier. Oh, c'est tellement résistant cette merde en plus. Oula, ça se tape dessus, je sens là. Ça s'échange des amabilités. Avec une personne formidable, absolument pas tanky. Ah ouais, ah oui, non, d'accord, je vois le genre. Non, mais il est trop fort, sans sou. Personne ne résiste au bien suprême.
Personne ne résiste au bien suprême. Exo-armure XV-15 stealth. Il y a des snipers, j'aime pas ça. Arrête avec tes snipers, c'est dangereux. Maf, t'es pas obligé, hein. Y a... Non, y... Alliance. Comment ça, Alliance? Allié, quoi? Tu sais que c'est connerie, là. Allié. Ça dégoûte. Vous avez entendu ça, cher? Ouais, allié. J'ai entendu ça. Allié, ça dégoûte. À quelle heure il y a des alliances? Qu'entends-je? Qu'ouis-je? Qu'acoustiquais-je? Non, mais oh, laissez tomber, hein. Jamais je m'allie avec ce malandrin. À n'importe quel moment, il met toute sa base sur roulette et il se barre. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est bizarre, j'ai des flashbacks de quelque chose aussi. Personne ne résiste au bien suprême. Envoyez-nous vers l'ennemi. En attente d'ordre, matrice de construction. Ah non, hein. Prêt à construire. Il y a quand même beaucoup de nécro, ouais, je trouve. Besoin de mes services. Mais je peux pas le détruire. Prêt à construire. Vos ordres. Nous chassons pas. Déjà, il s'occupait des cousins. Besoin de mes services. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Rien. Ouah. Dites donc, les alliances, ça se fait et ça se défait très vite par chez vous. Hein. C'est choquant. C'est des fonctionnements impériaux, rien de choquant. Nous, dans notre alliance, ça marche pas comme ça. Hein. Oui, nous, on est plus fidèles. Ah, j'attends de voir à la première rencontre. Il y a beaucoup de respect, nous. Mais on verra allié, quand il y aura qu'est-ce un que vous faites là, allié. Oh, je ne fais que passer, excusez-moi. Mais enfin, allié. Pardon. Mais allié, vous cassez les couilles. J'essaye de récupérer des frames et je pars. Voilà. Alors, on n'a pas la même vision des frames, je crois. Voilà, non mais attendez. C'est bon, ouais. On part. Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein. Mais pourquoi tu lags? Comment ils sont Je crois que c'est bon. Comment ils sont aussi tanky, les Space Marines d'assaut? Ils sont pas vraiment. Comment ça, ils sont pas vraiment? Non, ils sont pas vraiment. Je sais même pas où est Melkor. En fait. Mission accomplie. Furtif. Pas là. XV-25 prêt à agir. Melkor est occupé. Envoyez-nous vers l'ennemi. Mais putain, tu m'as défoncé, je sais même pas comment t'as fait. Bah, j'ai attaqué. Mais pourquoi tu m'as battu? Mais je t'ai pas battu, t'as baigné des renforts là. Bah, attends, tu m'as écrasé mes troupes. C'est comme ça dans la vie, tu sais, on se barre et puis on perd quand même. Bah, disons que j'ai fait de la micro-gestion quoi. Waouh, putain. Comme cela raconte, insupportable. Waouh. Non, en vrai, j'ai vu que je me suis dit. Envie de le baffer quand tu parles comme ça? Ah ouais, je sais, mais je peux exprès. Mais je suis plus moi. Non, en fait, c'est simple, les snipers sont très efficaces, du coup, j'ai snipé les scouts. Il est bien dans les vieilles. C'est le seul truc que j'ai retenu des Space Marines, hein, donc faut que je cherche pas plus loin. Ouais, je commence à le connaître, Melkor, quoi. Il dit, oh non, je sais pas jouer en fait. Ouais, très Ardus Maximus. C'est ça. XV25, genre là putain, elles sont où mes armes lourdes? Mais j'en ai encore, bien sûr. Ah, c'est une bonne idée ça. Pourquoi je les ai plus? Je sais même plus pourquoi. Manque quoi? Ah ouais. Ah. Indiquez-nous nos cibles. Ah oui, non, pas ici. Quand même. Tout ce que demande le bien suprême. XV25 prêt à agir. Ah ouais, mais il envoie ses spectres partout là. Un plaisir. Ouais, lui fais pas confiance. C'est où les armes lourdes, je deviens fou. Dans l'arsenal. Mais où? Indiquez-nous nos cibles. Pourquoi j'ai tout gris? De quoi? Qu'est-ce que tu veux faire, Marc? Bah avoir mes armes lourdes, je sais plus comment on fait. Il faut que tu construises l'arsenal et que tu passes H2. Ah putain, c'est ça. Oh là, je me souviens plus. Ça se passe bien. Live info quand tu veux, qu'est-ce qui se passe? Sans soi, une toute petite voix. J'adore Discord.
dans 20 ans, il n'y en aura plus. Vraiment, ça me casse les couilles, Discord. Les gens qui me disent « On n'entend pas !» Moi, dans mon oreille, j'entends extrêmement bien. C'est juste Discord qui fait n'importe quoi. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Mais putain, mais... Après, c'est surtout qu'ils parlent pas très fort. Prospérez comme tôt. The target is c'est on. Comme si c'était fait. XV-25 prêt à agir. Affirmatif. Bien sûr. Hop. Chasse-la prêt à agir. Matrice de construction engagée. Oh, on y va là. On clique. Oh. Sûr ? Oh, on clique. On clique fort. Pas obligé, mec. Non, mais je clique pas. Je clique comme ça, tu vois. Genre. Tout bien, tout honneur, quoi. Oh, tu cliques pas vers moi, quoi. Ah non, non, je clique pas vers moi. Tu cliques vers la gauche de la map, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est bien la gauche de la map, t'inquiète. Ouais, ouais, ouais. Tout bon, ce que demande le bien suprême. Nous ne vous laisserons pas tomber. Propulseur, feu ! Ah, par contre, les sergents fous de la tronçonneuse, là, ou les marines d'assaut, là, qui font tourner la tronçonneuse en boucle, là, ils me fatiguent. Alors, Maf ? Tout ce que ouais. Demande le bien suprême. Pas d'accord. Jassoui. Ouais, ouais. Je me doute. J'aime bien le... Ouais, ouais. Nous sommes les premiers sur le terrain. Exo-armure XV-22 prête. La caste du feu sert avec fierté. Nous sommes là pour faire notre devoir. Putain. Ça va. Ça va être pas mal niveau incom. Oh, c'est long à faire ça. En vrai, c'est pratique, ils sont roses, on les voit facilement. Moi, je sais pas ce que vous. Ah, mais ça... tu vois, ils cassent tout. Quoi? C'est fort à ce point, les Space Marines d'assaut. Champ furtif, pleinement. Putain, ils me niquent tout quoi, j'arrive même pas à faire un truc. Le corps. Ouais. Ouais non mais oubliez hein, mais le corps c'est il est PGM hein. Au secours. Non mais tout de suite. Ouais il veut. Écoutez-le comme il veut qu'on lui foute la paix là, genre oui non je suis un petit chiot boiteux. Donnez-moi du lait s'il vous plaît. Saloperie va. Un peu vous, franchement je suis adorable. J'allais dire ça y est j'ai des FPS mais. T'as cru? J'ai cru, mais non. Hein? Ah? Ah d'accord. Bonjour. Ouais, pas la bonne guerre, je crois. Je vois comment ça se passe par chez vous. Mais ça va, arrête de faire pendre ta langue là, c'est bon. Il me chase avec tous ses marines d'assaut, putain. Je me repliais, moi je savais pas où t'es parti en fait, je te voyais pas. Mais regarde-le, ce gamin là. J'essaye de participer à l'effort de guerre. L'effort anti-Melkor là, faut y aller là. Exactement. Putain, j'ai pas si ça fait des dégâts en vrai les grenades quand je te vois pas. Normalement si. Un plaisir. Oh putain. We have learned the lessons of Montka. Oui, avec leur accent. Hein. Quoi? Voilà. Racisme ou non? Non, juste de la xénophobie anti-créature. Mmh. Ouais, racisme. c'est le mot. De la définition. Ouais. C'est un peu le mot quoi. On y est. Ah, c'est ça. Pas ça, hein, pas ça. Hein. Ah ouais, mais il est en train de me péter mes générateurs. Non. Ah ouais. Quel monstre. Mais non, comment ça qu'elle monte? Pas du tout, mec. Je participe à l'effort de guerre anti-Melkor, c'est différent. Tu mélanges tout? Ah oui, je vois ça, il y en a un autre qui participe fort aussi.
T'étais trop chaud, Melkor, fallait pas. Alors qu'on notera qu'il y en a un qui est paisiblement dans son coin. en train d'écho comme un sac. Hein? Je... Comment? Allô? Ouais, moi, pas de coup. En vrai, moi, je suis mon petit coin, j'ai mes trois générateurs. X-V25 prêt à agir. Affirmatif. Prospérez comme tôt. Nous allons monter une mort. Personne ne résiste. D'être prié de faire demi-tour, monsieur Maf. Tiens, mais c'est hallucinant. Je comprends même pas pourquoi je perds. Quel que soit ce que je lui envoie, il m'en repousse. Hein. L'effort de guerre, en tout cas, était payant. C'était des tours. À l'aide. Ranger tout là-dedans. Ah voilà, là on va discuter avec ça. Besoin de mes services. On ok. Alors. La caste des éthérés dirige pour le bien suprême. Dites-nous où nous devons aller. Je guiderai nos efforts. Que voulez-vous? Les Krulls sont avec vous. Exo-armure prête pour l'action. J'y vais tout de suite. Il y a une touche pour sélectionner toutes les unités militaires. J'arrive même pas à... J'aimerais bien. J'ai juré de me battre. Chasse-la prêt à agir. Déplacement pour le bien suprême. La voix de la raison. Dès le point de mon devoir, je demande le bien suprême. Nous vaincrons comme des okay. tours. C'est l'heure de se battre. Je nous mène. Ah, je sens les dreads arriver là. Mais le corps est en train de préparer des dreads, vous avez entendu? Mais il est toujours là, lui! Matrice de construction engagée. Nous avons appris les leçons la caste des éthérés dirige pour le bien suprême. En fait, le problème, c'est que je peux pas attaquer Melkor. J'aimerais, hein! Mais je peux pas! Pourquoi? Je peux pas participer! Pourquoi? Mais parce que t'es sur le chemin! Ah! Oh putain! A l'aide! Ah! Ok, mais mes stèles sont explosées. Non, 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 non. Mais si, tu peux passer à droite! Mais à droite, y'a 100 sous! Ah! Bah oui, à droite! Je suis ravi, laissez-moi tranquille! Va chez 100 sous! Tout système prêt! Putain, c'est infernal. Ouais, ça va de me sniper alors que je te vois même pas? Quoi? Au secours! Ah oui, il y a une bonne portée sur ces unités-là. Ouais, mais c'est ma garde d'élite, ça. Ah, j'ai tellement plus de ressources. Les ressources, c'est difficile, c'est compliqué. Hein, je n'ai quand même jamais une occasion de se faire passer mes pour faible. De mes guerriers du chaos face à Eventis. Bah, je sais même pas où il est. Pendant que t'étais occupé là, à m'embêter, il y avait un certain Alpha qui était en train de tout corser chez moi. C'est vraiment très frustrant à jouer. Vous êtes vraiment bien très frustrant. Je vois juste des pioupiou. Ouais, il faut un truc pour pour voir en fait des unités. Non 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 non, mais en fait c'est pas ça le problème. C'est, ouais, c'est juste que je suis tellement loin. Il a le double de ma range, quoi. Ah oui. C'est juste ça le problème en fait pour lui là. Ah oui non, Maf il est énervé là. Ok, au revoir Maf. Ouais, ma tour là. Tour système. Excusez-moi, monsieur Maf. Soyez gentil. Bon, je sors. Hein. Bonjour à tous. Je crois que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Oh putain, il a un monolithe. Ah oui, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, on va pas se mentir. Voilà, ça commence. Ah là là, les problèmes. Ah, les problèmes. Mais c'est pas un push en fait. Ah.
C'est juste que t'es sur mon chemin. Ah. Ah, c'est un push, mais ça dépend pour qui. Voilà. On me passe ailleurs aussi. Mais j'essaye, frérot. le Knarlock qui passe. La marche des éléphants. Ah bah, barre dans tous les jeux, on peut, hein. Tu vois ça? Une espèce de passion, en fait. Exactement, passion éléphant. Passion pachyderme. Passion pachyderme, exactement. Pourquoi ils sont planqués à l'autre bout de la map, eux? Non, mais Marines qui ont pas envie de se battre, en fait. Ils ont pas envie de participer. Tu sais, les mecs, ils sont restés de l'autre bout de la map, là, tranquille. Ouais, bon, bah, c'est terminé. C'est quand qu'on push contre Melkor, du coup? Franchement. Alors, je regarde mon écran, mec. Viens, en vrai, hein, tranquille. En vrai, viens, tu peux participer. J'ai pas envie de participer. Attends. Ah, mais t'inquiète pas, Alpha a participé pour toi, je crois. Vas-y. Tu peux venir participer, j'arrête de participer. Chacun son tour. Non, mais écoute, moi, je vais continuer de faire une jolie ville au milieu. Et putain, il est en train de faire un truc insane, là. Il va nous raser. Par contre, il va nous raser sans sou. Non, mais je dis ça sympa, cette game, hein, j'ai bien aimé. Attends. Ah, j'ai vu l'armée d'Alpha. Ah, ça fait mal. C'est bobo. Écoute, y a bien au moins une version de 40k où on peut mettre la piquette à des Space Marines avec les taux. C'est celle-ci, on en profite. Bon, attends le prochain codex, en vrai, ça va le faire. Hey. Bon courage avec mes drones. Oui, je vois ça. Ça fait beaucoup de drones, je sais. Tu arrêtes de bouger le Dreadnought. Hop là, tu arrêtes de bouger. Ah, il y avait beaucoup de drones quand même, on va pas se mentir. Écoutez, les drones, c'est... Ah, ça pique, hein, les seins de drones. Ah, c'est avec ça qu'ils piquaient, je t'avoue. C'est la mort par A Thousand Sting. J'avoue, le nombre de drones que j'ai, c'est débile. Oui. Ah non, Mohammeret, tu touches pas. Tu touches pas. Tu touches pas. Tu touches pas, tu touches pas. Oh, mais tu la nuée, quoi. Ah, et puis en plus, ces drones-là, ils ratent pas leur tir. C'est ça qui est bien. Je vais faire backstab par sans sou, c'est sûr. Sanssou, il fait des murs, là. Oh, je suis pisse, hein, les gars. Tranquille, les mecs. Tranquille, les mecs. Il va me raser la gueule. Mais on sait tous qui va gagner sur FFA, de toute façon. Ah non, non. Là, pour le coup, moi, je pense Sanssou, il m'éclate. Hein. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, mais moi, je pense que... Il joue l'écran, donc pour moi, de mon point de vue... Vous vous rendez pas compte, je pense. Vous vous rendez pas compte, les gars. Non mais vraiment, j'ai genre 3 pylônes, j'ai 32 pop. Bah oui, mais on a tous 32 pop. Ah bah c'est bon alors. Bah alors venez que je vous éclate. Ah ouais. Non, on a changé le dialogue. Non, c'est une blague, hein. C'est une vanne. Ah. En fait, il dit ça, mais il est un monolithe, là. Hein? Ouais. Ah mais ça fait une heure qu'il a un monolithe, en fait. En fait, on est limité à 3 de monolithe. Ah, c'est chiant, du coup. Ah, c'est problématique, hein. Putain, mais... Oh là 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 là... Oui. Par contre, Alpha, t'as laissé plein de cadavres chez moi, c'est pas cool. Bah écoute... T'es mort, la Melkor, ou pas encore? C'est à toi de les réparer, hein. Ouais, bon, vas-y, Maf. Mort, non, mais... Je t'envoie des target practice, Maf. Disons que si tu viens me dire bonjour, Maf, oui... Target practice, Maf, vas-y. Qu'est-ce qui est bon là-dessus? Piu. Attention, les target practice répondent. Putain, en vrai, ils massacrent les Space Marines. Mais ouais, mais de ouf. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tuer ces trucs? Ah, il faut plus de Space Marines. Oh là là. Pourtant, il y en a qui ont des bolters lourds, mais pas assez, je crois. Oh la vache. Putain, mais c'est vrai que ça fait mal, les drones. Mais ouais, mais à fond. Je parie que ça coûte rien en plus, ces trucs. Eh, le Vrace là. Hep. Hey, tu fais quoi là? Hey, tu fais quoi? Ah ouais, mais l'enfer, quoi. Putain, mais comme il trace, j'ai envie de mourir.
Quel enfer! Mais pourquoi tu viens avec qu'est-ce que tu fais là? Oh la vache, je suis vraiment en train de te raser ta base avec tes trolls là! Ah oui, bah de toute façon j'avais plus rien, hein. Tu m'avais wipe tout ce que j'avais. Attends, bah attends, il faut aller voir Melkor du coup. J'ai perdu 100% de mes combats, moi. Attends, il faut que j'aille voir Melkor avec ça. Je reviens, hein. Je reviens. Melkor, tu veux faire un target practice? Ah, j'avoue, il y a beaucoup de cadavres dans ta base, Melkor, putain la vache. Alors, c'est l'Astral Claw que t'as fait? Pas vraiment, j'ai fait un schéma de couleur rapide au pif. Il y a un serviteur qui fait un avant-poste, on peut pas laisser ça. Hein. Adorable. Putain, mais j'avoue. C'est débile. Piu. Attends, t'as 0 unit? Oh, j'ai pas refait, ouais. C'est Sansou, il en a marre. Il en râle le cul. Moi, je m'attendais à avoir un Sansou. Attendez. Non, mais non, pas full fufu. Mais quoi? Comment ça, full fufu? Bah, je sais pas, j'ai vu des unités fufu. Non, mais vous êtes pas obligé de venir là, hein. Vraiment. Tiens. Roller orbital. Non, mais c'est intéressant. Je prends des infos. Je vois ça, oui. Mais c'est résistant en plus, ces petites merdes. Ah, c'est blindé, hein. Mais tiens, ouais, ça. La vache. En fait, j'avais pris bolter lourd, mais c'est du plasma qu'il faut en fait contre ces trucs-là. Je pense, hein. Mais de la caste au secours est là pour servir. C'est l'heure de se battre. Piu. À casser. Quel enfer. Je vais me prendre un retour de bâton dans la gueule, ça va me faire très bizarre. Engagement des cibles. Les générateurs, détruisez les générateurs. C'est ça pour le paralyser. Putain, ça a des PS bien en plus, hein. Putain, tu m'as même niqué mon arsenal. Ah non. Oh, c'est pas drôle ce que t'as fait là. Ça y est. Mais par contre, t'es vraiment en train de détruire ma base avec trois merdes. Bah, il faut bouger. Bienvenue dans mon monde. Faut bouger ton armée. Bah oui, allez, bougeons l'armée nécro. Ah ouais, mais il y a beaucoup de générateurs. Il y en a trop, hein. Il y en a trop, sans souci. Il faut que ça disparaisse. Attends, mais... Mais comment tu gagnes contre ça? Je sais pas. Tu gagnes pas. Je crois que tu gagnes pas. Attends, mais du coup, là, parce qu'en vrai, si je focus ça... Mais attends, en vrai... L'impression... En vrai, si je focus ça, c'est gagné, là. Mais quel sale gosse. Ouais. Mais au secours, par contre, là. Attends. Oh putain, truc. Oh mais non, il a une Nightmare... Quoi? Attends, tu peux le reconstruire? Ah ouais, c'est fort, hein. Mais attends, mais c'est gigatanky. C'est intuable. J'ai un Nightbringer sur sa tête, il tue. Attends, mais je vais tuer ton Nightbringer. Non, tu m'en as tué beaucoup là quand même. Ah oui, non, mais le Nightbringer il est intuable par contre. Oh là. Au secours. Si fort que ça. C'est quoi? C'est toujours tes drones? Je dors avec ça, mais moi je peux pas faire revenir mon armée. Oula. Mais c'est quoi Alpha? C'est toujours tes drones là qui fait de la merde? Ouais, c'est des drones de merde. Il a rasé tout le spam drone quoi. Mais le pire c'est... Mais quel gamin. Ah c'est costaud. Mais ouais, je pensais pas que ça allait être si fort. Putain les mecs. C'est vrai que c'est pas mal. Là il va revenir me voir. Attends, mais c'est lequel ton monolithe? J'ai plus rien, moi, mon armée elle est morte. Eh, t'as défoncé ton armée et tout? Ah, ben oui. Bah, je les push en même temps que je les. J'ai attaqué. Mais ça, en fait, je comprends pas. Ah, oui, non, c'était un faux monolithe? Non, c'était. J'avais 3 monolithes. T'avais. Ah, tu peux faire plusieurs monolithes? Ah, je savais pas. Ouais, mais tu peux pas en activer que 1 à la fois. Oui, si, je peux faire qu'un seul. D'accord. Et on voit que c'est efficace, hein.
Ah là, après, je t'ai grillé ton Nightbringer et ton blind qui aurait fait que t'aurais... Ah, parce que... Ouais, mais Maf, il s'est refait aussi. Ouais, le backdoor de drone, j'avoue que c'est fort. Je me suis refait, j'ai 5 unités. Ouais, bah, c'est toujours une de plus. Mais même contre son seigneur, il gagne. Mais what the... Ouais, j'avoue, les drones, c'est trop pété. Bouge pas, Maf, j'arrive, je vais dire bonjour. Comparé au drone dans le jeu de plateau... Non, je suis sur Alpha. Quoi? Comment ça, je suis sur Alpha? Mais il est partout! Hein? Ah oui, non, mais c'est mes drones. Brave, ça ne coûte rien, il va rentrer. Mais c'est plus bébé, putain! C'est allé, non? Écoutez, c'est la première fois que j'essaye ça, je referai plus. Hein. Parce que c'est pas trop le fun, je pense, pour les autres. Non, on peut pas dire, non. Ah bah là, tu. Mais au moins, on sait. Comme ça, tu vois, on est au courant. Quoi. Oui, c'est sûr. Déjà que se faire outrer. Qui a été mis au courant? Ah ouais, d'accord, ça sent les termites. Bon, écoute. Mais en plus, vous continuez de vous foutre sur la gueule. Les deux impériaux qui se foutent sur la gueule. Alors qu'il y a l'annihilation qui les attend. Vraiment, typique à l'impérium. Dans le doute. Moi, je suis plus. Je crois plus en l'empereur que toi. Mou, mou, mou. J'ai à vous parler. Attends, mais on va cesser de vous taper dessus, bande d'abrutis d'humains, et rejoignez l'Empire. Rejoignez l'Empire tôt, au lieu de vous tabasser, bande de débiles. On peut même pas lancer de grenades sur tes saloperies. Quelle saloperie? Les drones? Ouais. Bah si, normalement. Ah non, c'est un véhicule, peut-être pour ça. C'est volant. À mon avis, c'est parce que c'est volant, non? Non, c'est pas volant. Hein. Ah bon? Je sais pas, mais je crois pas. Hein. Oui, bah complètement. Putain, mais regarde ça, combien il y en a, c'est n'importe quoi. Non, Alpha, non, bon. Vraiment, t'es pas obligé. Oh, si, allez, tu vas prendre ton missile, toi. Oh là là. Ah, mais c'est infernal, ce truc. Ils sont 6000. Mais c'est résistant, quoi, c'est ça qui est horrible. Ouais, non, mais il tanque de ouf, quoi. Attends. Bon, ton prédateur là, ça suffit. Et il bouge plus. Bon, bah, de toute façon, vu ce qu'il restait à faire. C'est vraiment fort les Exo-Armure Stealth. Ouais, c'est très puissant. C'est un peu broken, je trouve. Genre, c'est un anti. Oula, mais qu'est-ce qui. Putain, mais Maf. Maf, je me débarrasse de ton adversaire. Il saute sur tes machins, tes guerriers de feu, ils disparaissent en 6 secondes. Bah après, là, moi, j'ai vraiment beaucoup, là. Oui, mais... Ouais, je vois ça. Moi, je cherche même pas à reprod, là. Ouais. Faudrait checker le swarm de drone versus buveur de sang, pour voir à quel point c'est pété. Ah, mais je pense qu'il le défonce, en fait, parce qu'il y en a tellement. Oui, mais c'est ça. En fait, ça, là, on l'a vu, ça a défoncé le seigneur Necron, ça a défoncé... Ah non, mais 2600 PV! Les drones? Les drones, ouais, 2600 PV en full squad. Prêt à faire notre part. Ouais. Exo armure XV22 prête. Ah oui, il y a la. Ouais, ça se forme tellement que c'est. Ah ouais, j'en ai un milliard. Ça se déplace ultra vite en plus. Ouais, c'est très rapide. Et en fait, le truc pété, c'est que tu peux les mettre tu peux les renforcer en fait. Pendant qu'ils se battent. Mais ils prennent zéro dégâts en plus avec les tirs de munitions, mais c'est horrible. Mais oui. Ouais, c'est de l'anti-véhicule. Mais en fait, ça compte comme un véhicule. Ça compte pas comme une infanterie. Donc c'est pour ça que tu peux en plus les swarm. Tu peux swarm plus infanterie. C'est des lance-roquettes en fait qu'il leur faut. La vache. Ouais, j'imagine. Ça fait si mal. Oh putain. Oh, il y a le swarm de Sansou. C'est quoi ça? Scarabée d'attaque. C'est aussi efficace. Hein. Ah oui, non, c'est moins efficace que les drones. Oui, c'est beaucoup moins efficace, en effet. Ouais. Ah, ils sont classe, tes Nécros, en sens. Pour le bien suprême. Je les ai pas vus de la partie, mais ils sont classe. Ils ont le mérite d'exister, au moins. Nous serons vos yeux et vos oreilles. Ils sont pas aussi broken. Acte de présence. Non, mais ils sont broken, hein. Mais c'est juste que là, le... Qui est mort? C'est moi, c'est pour pouvoir voir ce qui se passe sur la map.
Ok, ok. Non, parce qu'il ne reste plus rien, hein, c'était fini. Ouais. Parce que là, j'avais le swarm de drones qui arrivait chez ma... ouais, non, non, mais j'ai plus rien, j'ai plus rien. Le swarm de drones arrivait chez ma... J'ai plus de prod. Quel enfer, il y en a partout. Il a recouvert la map. Ah, il y en a un petit peu. Sansu qui fait... Le dernier rempart. Attention, ça va aller très vite. Le rempart, il va fondre en 30 secondes. Nommez nos cibles et nous les détruirons. Je guiderai nos efforts. Il en sera ainsi. Attention. Il y a juste rien à faire en fait. À la portée. Mais ouais, mais les drones, mais ils sont en train de maraver les carrés. Ils sont en train de débolosser, quoi. Ouais, j'avoue. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que... Ils font du dégât contre tout. Ils font un peu de dégâts oui. contre tout, du coup... Ouais, c'est ça, quoi. Une fois qu'ils sont en nombre, en fait, bah, ouais, ils roulent sur tout, quoi. Et ils ont une cadence de tir de malade, en fait. Mais moi, je pense que le truc le plus pété, c'est que tu peux les renforcer pendant qu'ils se battent. Genre tu peux leur dire de renforcer squad bah comme n'importe quel squad tu vois pendant qu'ils se tapent. Du coup c'est un ils peu... Ils peuvent pas tous faire ça. Comment si, tout le monde ils peuvent pas tous faire ça. Bah en fait non mais pour un véhicule je trouve ça fort quoi. Oui oui. Ah ouais ouais. Ouais pour un véhicule. Mais sachez, fort, sachez que ça peut être encore plus débile en plus le spam que je fais parce que je peux faire l'annonciateur de drone qui lui juste en gros te permet de prod des drones en boucle constamment. Qui sortent du véhicule. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, oui. Mmh. Est-ce que je peux en faire un, là, tiens, pour... Et ça coûte combien, là, ton escouade de drone? L'escouade de drone, ça coûte 105 et 195. Ça coûte pas mal d'énergie, mais... Ouais, c'est pas... Oh, le Nightbringer, ah, c'est Deceiver, ça. Ouais. Il essaye de s'en sortir, mais... Oh le monolithe, mais il s'est fait arracher la gueule. Non mais le deceiver en fait il est invulnérable. Ah ouais. Ah d'accord. Les Croutox. Ah non les Knarlocks. Les Knarlocks c'est rigolo. Eh ben GG ouais. GG Alpha, GG les drones. Ouais, j'ai les drones, j'avoue. En fait, c'est vrai que contre les Nécrons, j'avais jamais été dans le cas de figure où je pouvais juste backstab. Et ton armée, elle est tellement lente que... Ouais, c'est vrai que c'est dur. Après, t'aurais pu vraiment me push pendant que j'étais chez Maf et Melkor. Mais nous, on se foutait gentiment sur la gueule. Non, ah, mais c'était vraiment la guerre de l'Imperium côté... Genre, ils se fumaient entre eux, quoi. C'est cher le spam drone, mais tu contrôles toute la map, donc c'est pas un... Ouais, un peu, ouais. Après, moi, là, pour être honnête avec vous, que je joue tôt ou non, je pense que ça aurait été compliqué pour vous, parce que j'avais la moitié de la map où j'étais peinard, en fait. Vous étiez tous les trois dans un coin, et moi, toute ma moitié de map, j'étais... Ben, j'étais free. Ah, t'étais tranquille. C'est vrai que j'avais Sansu et Maf en voisin, quoi. Ouais. Eh ben, oui, forcément, forcément, c'est compliqué, quoi. Ouais. Enfin, attention à répartir correctement les spawns pour la prochaine game. Ouais. Vous voulez en refaire une en 2v2 ou... Ouais, un petit 2v2 pour changer le... 2v2, ouais. Du FFA. Petit 2-2. Petit 2-2, là. Mais j'avoue que ouais, le fait que la map avait deux emplacements vides, ça... Bah, en fait, ouais. Le joueur qui spawn et il n'y a personne à côté de lui, ça, c'est un énorme avantage. Ouais. Oui. Bah, c'est pour ça que... De toute façon, le FFA, c'est jamais équilibré. Hein. Mm. Le... C'est plus pour le fun, quoi. Là, t'étais niveau ressources, tu devais être trop bien quoi. Bah ouais, en fait, direct, j'ai tout capturé, bah, j'ai tout upgrade. Genre, il était à 91 000, j'étais à 51 000, Maf était à 27 000 et Melkor 20 000. Donc, à nous trois, on est à 98 000, il est à 91 000. Putain. Désolé, mon manque de culture, mais 40K, c'est pas dans un univers Medieval Fantasy. La version 40K, c'est science-fiction, mais très inspirée Moyen-Âge. Mais quand même dans le futur, c'est la version Warhammer Battle dont tu parles, qui est en univers... Il y a deux éditions en fait, il y a 40K qui est dans le futur, science-fiction, et Warhammer tout court, Age of Sigmar qui est Heroic Fantasy.
Bah, du coup, maintenant, Warhammer Age of Sigmar et Warhammer The Old World. Ah, on l'attend celui-là. Hein. Ah, on l'attend. Ouais, 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 on l'attend. On fait quoi comme équipe? Bah, on peut faire Maf, Sansu, Melkor, Alpha ou. Non, peut-être plutôt Maf. Enfin, je sais pas. On fait. Parce que je pense alors que. Alors, faisons Imperium contre Xenos. Allez. Ah bon, vous deux contre Sansu et moi? Bah, pourquoi pas? Non? Bah, si vous voulez, moi je suis chaud. Mais ça va peut-être. Je sais pas si ça va être équilibré, vous pensez ou ça... Alors là, je t'avoue que j'en ai aucune idée. Je suis éclaté. J'ai pas joué au jeu depuis la dernière fois et... Ah, en vrai, je suis chaud, hein, moi, et ça... Si j'ai pas de FPS... Vas-y, on va essayer comme ça. Je vais essayer, hein. En équipe 2, Melkor? Ouais. Ah. Bah, équipe 1, sans saut, ouais. Ah, on va peut-être mettre les emplacements fixes. Oui, oui. Ah oui. Sinon, ça va être compliqué. Oh, la map couloir. Attends, 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 par contre. Ah oui, mais non, attendez. Parce que là, on va pas spawn côte à côte, je crois. Comment ça? Bah, il y a que 4 places. Ah oui, mais parce que moi, je suis en slot 4. Ah oui, il y avait cette histoire-là. Faut rejoindre dans le bon ordre. Attends, je sors. Alors. Sansu rejoint, ça... du coup. Sansu rejoint, ouais. L'Empire Tau avec des auxiliaires Nécron. Plutôt l'Empire Nécron avec des auxiliaires Tau. Ah oui. C'est plutôt ça. Clique sur la map pour changer l'emplacement. Hein? Je peux pas, hein. C'est bon, là? Là, tu peux venir, ouais. J'arrive. Ah. Nickel. Les cousines. Ok. Alors. Eh ben, je suis ready. Francis, aléatoire. Allez, go. Ah, vous voulez que je joue autre chose? Ah, en vrai. On est pas Xenos contre Empire, du coup. Bah ouais, non, mais allez, on va garder. Pour le lore. Pour le lore. Du coup, on se switch. Attends. Ah oui, pour le vocal. Bah, viens, Melkor, on a qu'à aller sur un canal sur le Discord Warhammer. Oui, oui, on fait ça, allez. Ou sur le Age of? Comme ça, on... Le ah ouais, ok. Vas-y, go, sur, go sur le Age of, Sansu. Ok. Ouais. Hop. Voilà, on a Sansu. Ah bah, c'est pris. Allez. Hop. J'ai décalé Maf. Manque plus que Sansu. On va pouvoir lancer. C'est quoi, Dawn of War? C'est quel Dawn of War? Soul Storm? Ouais, c'est Soul Storm, ouais. C'est des petites games. Heureux allié. Allons-y, allié. On était aussi vrai, allié. C'est vrai, ça, allié. Quel plaisir. Ah, deux chiens de l'Imperium, là. On va leur faire comprendre que, bon, y a pas que l'autre sur son trône, là. As-tu testé Gladius? Non, j'ai pas essayé Gladius. J'ai vu Maf y jouer. Putain, mais je l'ai encore. Et attends, tu veux pas essayer de voir s'il y a un fixe ou... Bah je sais pas, je sais pas. T'as 0 FPS? Tu veux qu'on fasse un truc? Tu veux qu'on remake ou... Tu veux reboot ton PC? Je suis à 10 FPS. 10 FPS, mais l'enfer. Bah non, mais c'est... si c'est mec, c'est injouable, attends. Non mais quand tu joues Necron, dis que en 10 frames sur 6, t'attendais pas un peu. Yes. Ça servait au même. Je tourne pas sur son... Bah ouais, j'ai l'impression que mec, limite, il tourne sur autre chose ton jeu là. Il tourne sur ta carte mère. Je sais pas. Mais ça doit être ça, je pense. Hein. Ben, on va changer un peu config. C'est trop chou. Le même setup que là. La caste du feu qui s'est fierté pour la prochaine tâche. Notre lien est fort. Nous le voyons vers l'ennemi. Nous allons le prendre sous leur nez. Nous chassons patiemment. Une nouvelle victoire pour le bien suprême. Envoyez-nous vers l'ennemi. La caste du feu sert avec fierté. C'est pas comme s'il y avait besoin de heavy micro. Nous allons nous en emparer pour le bien. Bah quand même. Nous renforce. Il sera à nous.
Alors en écran, je t'avoue que la micro elle est... Comment dire... Rude. Rude, lente. Ah, en vrai, à part micro ton senior pour le TP, c'est la seule chose que t'as à faire. Tu lags un peu quand tu parles. Ah. Ah, ton PC il est en train de fondre, mec. Ah non, hein. Ça va aller pour Total War. Ah oui, je vais jouer cet après-midi. Ok. Tu ferais peut-être bien de reboot après qu'on fasse cette petite game. Ouais, je vais peut-être redémarrer. Ouais, peut-être redémarrer, mec. Oh, sécurité. Ouais, mec. Faut plus safe. Les chasseurs silencieux sont prêts. Ouais, je te laisse la relique. Hein, nous avons répandu le méga super-feu. Serre avec fierté. Personne ne résiste au bien suprême. Ils ont des scouts, donc en early, je pense pas qu'ils vont me foncer dessus au corps à corps. Je commence à fortifier tous les points. Prospérez comme tôt. Guayla, Space Marine spotted. Je saisis votre plan. Space Marines. Il a un petit scout, ouais. Je vais lui tuer son scout. Hop là, ça dégage. Il va prendre la mine, je crois. Ah, il le contrôle pas ? Il a pas micro. Dommage. Ah putain, le pauvre, il arrive pas à capturer le point, je suis déjà dessus. Ok, j'ai du Space Marine sur la gueule. Il me chase mon... Ouais, je ramène mes guerriers de feu au mid. J'essaye de l'intercepter avec mes guerriers de feu. Allez, il prend cher là. Ah là, on lui défonce la gueule. Oh la vache. Ah, il a pris le giga tarot là. C'est pas si on peut lui tuer son dernier Space Marine, c'est trop bien. Les chasseurs silencieux sont prêts. Je vais porter le coup mortel. Let's go. Oula, 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 il y a beaucoup de... Il a une grosse escouade là-haut. Ouah, va-t'en petit. Va-t'en petit scarabée. Moi, je vais un peu... Je vais équiper les avant-postes. En masse. Ah c'est... Putain, j'ai cru que c'était un point de contrôle, c'était juste un guerrier Nécron. T'as une relique à prendre. À droite. Envoyez-nous vers l'ennemi. Elle t'a échappé. On va faire des croûtes. Voilà, on est bien là. On a la bonne partie de la map. Là. Un lance-flamme lourd, ça va être pas mal. Ouais. Besoin de mes services. Je vais avoir besoin de ce bâtiment vite. Ah là, moi, niveau ressources, mec. T'as combien d'incom... Ah oui, ton incom, j'avoue, c'est comment ça marche l'incom Nécron quand t'es en multi? Ah là, je comprends, j'avoue que je sais même pas. Tu poses des générateurs. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est... Il n'y a pas un bail de... Les ressources sont partagées en multi? Parce que vu qu'on capture des territoires en commun... Je crois non pas.
Tu penses pas? Ok. Ouais, je pensais. Ouais, moi je crois que j'ai mon income uniquement en fonction de du nombre de générateurs que j'ai. Ok. Parce que j'ai qu'une seule ressource pour moi. Oui, c'est vrai. Le T2. Le T2 qui passe. Dirigez-vous vers la viande. Nous chassons patiemment. Les technologies tôt nous renforcent. J'ai hâte d'avoir mon Path to Enlightenment. Ça me permettra d'aller Arras un peu avec les... avec les XV-15. Besoin de mes services. Notre chasse commence. Je nous mènerai à la victoire. Chasse-la prêt à agir. Hop. Oula. Oula, ça pousse, ça pousse. Prospérez comme d'eau. Les chasseurs silencieux sont prêts. Nous sommes là pour faire notre devoir. Envoyez-nous vers l'ennemi. Ah, ils m'ont shooté ma mine, bien joué. Bien, ah, ils ont des détecteurs. Ouais. Nous complètement. Indiquez-nous nos cibles. Contrôle 1. Contrôle 1, contrôle 2. Oh, les upgrades. À l'aide. Le malaise, les upgrades. J'ai mes broadside qui sortent. Oh, j'ai un problème d'énergie là. Malaise niveau énergie là. Je suis honoré de rejoindre. Faut-il de mon essence de feu? XV-25 prêt à agir. Nous servons le bien suprême. Les mentors nous ont payé pour servir. Pour le bien suprême. Mais on aurait dû limite, je te dis, remake. Hein. J'ai eu des tags sans point là. Ouais. Ouais, ça pousse là où je suis. Je vais aller à contest avec Mega Hitf. En attente d'ordre. Le seigneur. Nous vaincrons comme le seigneur. Il va me détruire mon point, le salaud. Oh là, oh là. Oh, les marines d'assaut, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Notre lien est fort. Nous le faillirons pas. This prey has teeth. La caste du feu sert à des... Mauvais engagement de ma part. Nous trouverons vos souffles. Allez, je les ai marqués, là, on va les fumer. Voilà, ils vont prendre la max là. Voilà, avec les guerriers nécro corps à corps. Ah, ils vont se faire détruire les marines d'assaut. Oh putain, les cousines ont pris trop cher. Ah, plus de cousines. Ouais, ouais, je vois ça, je vois ça. Ça va le faire. On a assez de puissance de feu. Là, je leur fume leur... Je leur fume leur marines là. Indiquez-nous nos cibles. La caste du feu sert avec fierté. Ah, il m'emmerde lui. Il y a son commandeur qui m'emmerde là sur le côté. Ah, ils sont toujours là. Ah, il est bugué lui ou quoi? Ah, j'ai un carnivore croûte qui est mort. Enfin, j'ai un carnivore croûte qui était bloqué. Voilà, mais il a fumé là par contre. Il a fumé du mauvais shit là avec son commandant lui. Prêt à agir.
Ça va pas là, qu'est-ce qu'il nous fait? On se défuse, victime. Victime, bolos. Ok, les upgrades. Groupe de tir déployé. Ah non, combien il faut? Quoi? Ah ça va là. Ah ils font... Putain, j'ai tellement besoin de ressources là. La caste du feu sert avec fierté. La caste du feu sert avec fierté. Tu peux m'aider à retake à droite? Nous vaincrons comme des taux. Indiquez-nous nos cibles. Ah oh, je vais avoir besoin de croûte là. Chasse-la prêt à agir. La caste du feu sert avec fierté. Pour le bien suprême. Équipe de tir prête. Grenade. Oh le con. La caste du feu ne vous décevra pas. Saloperie de Marines d'assaut. Il me fait massacrer la gueule. Pour le bien suprême. Notre lien est fort. Nous le faillirons pas. Équipe de tir prête. Pour le bien suprême. Ils veulent vraiment ce petit poste avancé là. Équipe de tir prête. Chasse-la prêt à agir. Vos ordres, besoin de mes services. Grue en approche, prêt à construire. We need some fire support here. Besoin de mes services. En route. Oh, on l'a bien défoncé là. Chasse-la prêt à agir. Il va sûrement nous push sur le côté. Oh là, en plus il est... Oh là là, les Marines d'assaut qui arrivent sur moi. Là là, les problèmes. Les problèmes. Nous vaincrons comme des taux. Nous allons les tailler en pièces. Nous vaincrons comme des taux. Ah, ils aiment bien me faire des poutous, hein, au corps à corps. Hein. Ils aiment beaucoup. Ils aiment bien, mais là, là... Là, ça ne marchera pas. Pop Max, mais comment ça? Comment ça, Pop Max? Ah, j'ai fait le PC de Koyon. Non. Faisons la recherche ici plutôt. Ah, let's go. Putain, ils ont pas détruit mon. Ah, c'est cool ça. Ah, je pense qu'ils vont nous sortir des véhicules là. Sortir du Devil Fish. Voilà, voilà, voilà. Oula, oula, oula. Oh, il y a des. Il y a des. Il y a du. À l'aide. Il y a du. Il y a du Dread. Il y a du Dread, ça va piquer. Exo-armure XV-15 stealth en attente. J'aurais peut-être dû sortir de l'immortel. Nous chassons patiemment. Nous allons bien. Moi ça va aller hein. Niveau des dreads. Non mais ils sont buggés mes croûtes. Eh par contre c'est quoi cette map où mes les croûtes sont buggés full là? Position prise. Les mentors. Indiquez-nous nos cibles. Non, c'est super. Voilà. Eh mais qu'est-ce qu'ils foutent? What the fuck? Transport de troupes prêt. Dirigez-nous vers la viande. Le Devil Fish nage en silence. Moi je comprends pas là. Nous amènerons nos hommes là-bas. Tir immobile prêt à agir. Comprends pas. Bon, j'ai mes broadside aussi qui peuvent aider. Hein. Oui. Pour le transport des fiches prêts, ordre reçu. Ouais, ils sont buggés. Cette map elle est cassée. Bien suprême. XV-25 prêt à agir. Ok. Moi j'ai 3 escouades de stealth là qui peuvent défoncer le moindre. Le moindre. Le moindre mec un peu vénère au cac. Je vais faire des Skyray. On va faire les recherches. J'ai pas assez d'énergie. Taking fire. Artillerie mobile prête à agir. La caste du feu sert avec fierté. Nous chassons patiemment. Champ furtif pleinement actif. Allez, je stun le dread. Oh là là. Ayez confiance. La
Allez, le dread là. Faut focus le dread. Ah putain, j'ai pas du tout mon infanterie qui est en train d'aider à l'aide. Oh, la guerre de fou là. L'annonciateur de drone. Oh, j'ai waste mon annonciateur. Oh, c'était extrêmement moche. Gros play de merde. Nous ne faisons qu'un. Les chasseurs solitaires sont là. Il en sera ainsi. Allez, allez, pour les push, faut les push. Pour les Xenos. Les chasseurs solitaires sont là. Il faut que je fasse la recherche. Vous aviez besoin d'appui sur armure XV15 stealth en attente. Les technologies TO. Allez, on peut avancer là. Quoi ? J'ai peut-être un peu surréagi sur les images. Ah oui, ça, ça fait beaucoup d'immortels quand même. Ouais, je vois ça, ouais. Là, 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 je crois que c'est ouvert, là. Where do you need firepower? Hop. Nous vaincrons comme des taux. Ils font une seconde ligne de défense. Désignez une cible, nous l'anéantirons. XV25 prêt à agir. Hop. Les immortels, c'est tellement OP. Ah, c'est balèze, hein. Ah, c'est pas mal, hein. La caste du feu sert avec fierté. Alors, j'ai mes drones qui scoutent là-bas. Je sais pas si tu vois. Il y a du Dreadnought qui arrive, là. Nous allons le prendre. Le chasseur patient attrape sa proie. Nous servons le bien suprême. Là, j'ai placé mes broadsides. Place les broadsides. La voix de la raison. Ils ont le fusil plasma. Moi, j'ai tellement de réquisitions, ça n'a genre pas de sens. Tirez pour tuer. Toutes armes en ligne. Où vous faut-il de la puissance de feu? Voilà, c'est le flow. Hein. La voix de la raison. La caste du feu sert avec fierté. Toutes armes. Boum. Indiquez-nous nos cibles. Nous vaincrons comme des taux. Tout ce que demande le bien suprême. Propulseur, feu! Vroom. Affirmatif. Propulseur, feu! Tellement bien le jetpack, n'empêche. On garde la formation, Jasui. C'est juste trop bien sur les... C'est vraiment fort comme unité, hein, les stealths. Hein. Putain, tu, vraiment, tu te balades sur la map, tu fais des gros dégâts contre les bâtiments. C'est vraiment hyper fort, quoi. Nous vaincrons comme des taux. Ouais, c'est pas mal, hein. Nous l'anéantirons suprême. Que voulez-vous ? Je guiderai nos efforts. Je vois qu'on a besoin de moi. Allez, hop, petit bombardement. En attente d'ordre. Drone prêt au lancement. La bannière des drones prêt au lancement. Ouais, non, putain, je me suis détruit mon propre truc, je suis un abruti. Putain, le bombardeur. Oh, le barrage Skyray, il a tellement... Il l'a fait des pop. La vache. Les barrages Skyray, ça rigole pas. Eh bien, ma foi, belle domination alliée. Belle victoire, cher allié. Très belle victoire. En effet. Ah bah hein, mais Team Xenos, hein, faut représenter. On est pas assez nombreux. Oui. Eh oui, non, ils ne verront pas la mort arriver. Il faut
Il faut que le sachisme. Et oui. Il faut qu'il sache. Il y a pas assez de sachoirs. Il faut plus de sachoirs dans la vie. C'est pratique pour que les vêtements soient secs. Oui, aussi. Aussi, oui. Double fonction. Tout à fait. Non, tu peux faire une illusion de, des squats de croûte. Ah ouais, ça c'est fort, ça n'empêche. 4500 HP. Ah putain, en plus ça a des bons PV. Hein. Eh bien, GG. Ma foi, GG. Bon, la map était un peu... Il n'y avait pas trop de mouvements possibles. C'était un peu un couloir. Il n'y avait pas trop de place. Pas des masses, non. Pas des masses. Bon, là, maintenant, on va aller prendre notre fessée sur Total War. Let's go. Aïe. Ah, GG. GG. Vive les Xenos. Ah oui, oui, oui. Ah, putain. Au secours. Deux chapitres, Space Marine exterminé. C'est... Ah, une belle journée. What a lovely day. Ah, c'était si dur. What a lovely day. Aïe, aïe, aïe. C'était si dur. Ah bah là, le early, on a été très très vite bien set up au milieu et c'était dur pour vous de venir nous chercher. Oh putain, les tirs de plasma, tellement beau. Non, mais on était tous les deux en PLS en train de se demander mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on sort pour les contrer. On se faisait ouvrir. On a rien fait en fait. Mais en fait, c'était bon, les Play Marines d'assaut, c'était bien contre mes métaux, mais le problème, c'est que les guerriers Nécrons, c'est genre pas lui. Ouais, mais c'est ce que je disais à Melkor aussi. En fait, le souci, c'est que nous, on était double Space Marine et vous étiez deux trucs complètement différents. Bah, on se complétait bien, ouais. Sur la front, ouais. En fait, c'est simple, c'est sans sou, ils vous engluent. En fait, nos infanteries se complétaient bien parce que si vous nous sautiez dessus, les guerriers Nécrons de sans sou, ils vous engluaient et moi, je courais. Et du coup, c'était l'enfer, quoi. Ah ben j'ai... Non, et puis moi, à un moment, je suis tombé dessus, je me suis dit, allez, ça va, ça se passe pas trop mal, je me fais pas trop ouvrir. Et là, il y a Sansu qui arrive, bon, bah allez, c'est terminé, quoi. Donc. Ouais, mais en fait, aller chercher le. Enfin, je dis ça, mais en même temps. Mais aller chercher le véhicule early, ça peut changer la donne. Bah, un peu comme dans Dawn of War 2. Mais bon, en même temps, ouais, les taux, les équipes XV15 stealth, c'est insane hein, en anti-véhicule, ça stun, tu peux plus bouger. C'est vrai que c'est fort. C'est fort. Mais en fait, c'est surtout, faut vraiment être hyper, hyper rapide sur la prise des points au début pour pouvoir vraiment accumuler les ressources. Ça, moi, j'ai vraiment été comme un bon. Et encore, je les ai pas tous upgrade, mais dès que tu captures, tu mets un poste avancé parce que ça augmente ton income de ressources, tu sais. Ouais. Genre, si tu mets un avant-poste sur un point de ressources, ça augmente l'income. Si tu upgrades l'avant-poste, ça augmente l'income. Donc en fait, il faut vraiment faire ça le plus vite possible. Et tout en tenant un peu le mid avec vraiment une compo des squads où tu sais que ça pourra à peu près répondre à tout. Moi, typiquement, au début, je fais 2-3 stealths, une escouade de guerriers de feu et mon commandeur. Et après, je rajoute une escouade de croûte pour tanker. Mais je me tiens à ça. Et après, je fais full upgrade et je produis pas d'armée. Quasiment. Mise à niveau d'unité. Je guiderai nos efforts. De quoi ? C'est les upgrades, je pense. Parce que vous êtes tous autour de 20, je suis à 0. Oui, c'est parce que t'as pas de customisation de. Ah, c'est un truc que j'ai pas. Ils ont pas ça, les Nécrons ? Je crois pas que tu peux choisir d'upgrade tes unités, toi, en Nécron. Moi, je peux juste renforcer les escouades. Je connais pas ces Nécrons. Non, je pense pas. Je suis passé à côté. Eh bien, messieurs, est-ce que ça vous dit de décaler sur un petit Total War, là, pour des belles batailles? Ah, j'avoue. Allez, allons-y. Allez, moi, là, cette fois-ci... Je vais le PC. Ouais, ouais. Je reviens, hein. J'avoue, parce que là, ça va prendre la rousse. Ah, on a eu mal. On a eu bobo. Là, ça va être à nous de prendre la rousse. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Warhammer 2. Non, ouais, moi, pareil, hein, le multi... Comment ça, moi, pareil ça fait longtemps. Bah, le multi, j'en fais pas. Oui, c'est vrai. Bon, après, j'ai plus mes réflexes de jeu sur Total War Warhammer 2 que sur Dawn of War, ça c'est sûr. Bien mais sûr. D'accord, hein, zéro mode. Hein, a... Oui, oui, oui. Ah oui, il faut que je désactive des modes, moi. Oui. Bah ouais, sinon il va falloir. Il faut un S temporel de 40 000 ans dans le passé, le coup. Ouais, plop, plop. Après, techniquement, mode caméra, c'est pas la même époque. Techniquement, c'est deux univers différents. Oui, ils ont toujours dit ça.
Ouais. Techniquement, Warhammer 40 000, c'est notre futur, et Warhammer Battle, c'est un autre univers. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, d'ailleurs. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Pourquoi pas avoir dit, la planète de Warhammer Battle, c'est un truc plus ancien. Il y a les mêmes dieux du chaos. Pourquoi faire genre ces deux trucs complètement séparés? Parce que je pense qu'ils avaient pas envie de s'emmerder à faire des trucs cohérents au niveau des démons. Bah pourtant les démons sont vachement similaires. Oui non mais je pense au niveau des personnages et par exemple pourquoi les Space Marines du chaos ne peuvent pas débarquer par le warp sur la planète de Battle quoi. Bah parce que c'était pas la même temporalité, il suffisait de dire que les démons sont un peu à l'image des technologies de leur époque et c'est parti quoi. Oui après il y avait peut-être sûrement un truc à faire hein, mais... Les rues. Oh. Après ça n'avait pas vraiment l'intérêt tu vois de dire que c'est dans le même univers si ça se passait genre 20 ou 30 000 ans avant quoi. Ouais. C'est pas séparé du tout. Non, mais il y a le truc avec le Skaven qui intercepte des communications Eldar, qui connecte les deux univers, voilà. Il y a ça, je crois. Des easter eggs, plus qu'autre chose, mais ouais. Ouais, mais ça, je trouve ça marrant, quand même. Comme, Oui, mais voilà, mais ils ont voulu garder ce petit côté easter eggs. Allez, j'ai lancé un méga débat, ça y est, j'avoue. Les univers sont-ils connectés ou non? Ah non, mais c'est simple, officiellement, ils ne le sont pas. Moi je trouverais ça rigolo. Ouais. Ce serait mais, fun. Mais apparemment. Mais officiellement ils ne le sont pas, donc fin du débat. Des dragons et phénix style fantasy dans 40k, bof je trouve. Ouais, en vrai. Il y a des dingueries dans 40k déjà. c'est pas ce qui serait le plus chelou hein, en vrai, hein, franchement. C'est ça quoi. En fait, t'as déjà vu la variété de Xenos qui existe. Tu mets un dragon au milieu, voilà, il y a un dragon quoi. Voilà, ouais. C'est une espèce Xenos. En forme de dragon. Ça reste que Space Marine, il voit ça, il est en mode ça change rien du tout en fait. C'est ça. Ah, il se dit, c'est un bon truc à tuer pour prouver que je suis un bon Space Marine. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, ça doit mourir ça, faut que ça meure ça. Ça brûle bien ça. La violence. Bon. Ah, ouais, bah. La game. Moi je suis connecté au jeu. Je suis à votre disposition. Allez, je vais héberger. Enti, je sais pas s'il est dans le coin. Il me semble qu'il voulait potentiellement jouer. Attends, je vais lui envoyer un message. Et Trauma, du coup, peut-être aussi. J'ai ouvert une game si vous voulez. Ah ouais, Trauma, oui, il a dit qu'il allait venir. J'avoue, go. Elle s'appelle comment? Cousine. Cousine? Ouais, le mot. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Oui. Confiance à la communauté. Bon, je les jarte, hein. Pas de problème, hein. C'est vrai que ça marche. Et vous êtes banni du chat aussi. Dommage. Ah, on fait la revanche Maf Melkor contre Alpha Sansou. Enfin, sauf si Trauma ou Eventis arrive. Effectivement. Vas-y, on joue Xenos. Attends, j'envoie un message à Eventis. On joue Xenos, alors Xenos, elf. Elf et homme lézard. Bon. Bonjour monsieur Lentis. On joue vraiment à ça? Bah ouais, oui. On joue vraiment à ça. Comment ça à ça? On jouerait pas à ça en fait. Attends. En fait, c'est juste le meilleur jeu donc. Attends. Tu m'as bait par message ou c'était vraiment ça? Quoi? Attends. Ah non, on joue vraiment à Total War, mec. Pourquoi Eventis, il parle comme un robot. Ouais, tu lag, Eventis. Ah. Tout le monde lag aujourd'hui, c'est terrible. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ah oui, on est sur le Discord de AO, c'est pour ça qu'il vit, là, on va... Ah oui. Moi, j'ai cru que vous avez joué à Fortnite, j'étais en mode, oh, let's go. À Fortnite, bah oui, let's go. Eh, vous avez, avez vu le patch Age of, là, aujourd'hui? Il y a eu un patch aujourd'hui, un hotfix. Il y a eu le hotfix. Franchement, moi, ça me dérange pas. Qui hotfix quoi? Qui hotfix pas Deli. Du coup. Ah. Déjà. Ça, c'est bien, ça. Ça ne hotfix pas du tout Deli. Hein. C'est pas lui m'en fout, Deli. J'adore. Pas une seule mention de Deli avec les moult bugs. Tu sais que sur Reddit, il y a le mec Fitzbro, là, le gars qui fait beaucoup de BO sur Deli. Il a fait une vidéo... Tier liste des bugs de Sultanat Delhi. Il y a genre 20 bugs. Il y a 20 trucs buggés. Genre, franchement, c'est un truc de ouf. Tu hallucinerais de voir tous les bugs qu'il y a.
La faction fait mal. Hein. La faction est injouable. Parce que le problème, c'est que c'est que des bugs qui tirent la faction vers le bas. Le seul qui, pas bu- le seul qui tire pas vers le bas, c'est le cancel d'animation pour faire des attaques plus rapidement avec les éléphants. Mais bon, le truc, c'est qu'avant que tu sortes des éléphants, tu meurs en général. Donc, ouais, non, c'est dur. Hein. C'est dur d'aimer Daily actuellement. Là. Pitié. Ouais, c'est dur d'être un fan de Daily. Alors qu'un fan de Mongol, il n'y a pas trop de soucis. Non, vous, c'est la belle vie. Ouais, vous, c'est des bugs, mais plutôt... Non, mais même plus, maintenant, il n'y a plus de bugs, je crois. On attend Eventis ou Trauma, il répond J'ai envoyé un message à Trauma. Ou on en fait une en 2v2 en attendant de voir si les autres reviennent. Moi, je veux bien cast au pire la première. Ça me ferait plaisir de caster la première. Si on est 5. J'envoie un message à Trauma. Hop. Quelqu'un peut rappeler la marque de Audi. C'est ARK8. ARK8. Merci Iridium pour les 6 mois de soutien. Ekerimbor pour les 8 mois. Gedej, merci pour les 14 mois de soutien. OulipoGP, 7 mois. Ironique pour les 11 mois. Dulanoc, merci pour les 18 mois. Loller pour le Prime. CT501 pour les 21 mois. Autour du boulot, oui, un dimanche. Ça fait plaisir de voir du Dawn of War. Ouais, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. Merci Erwan aussi pour les 7 mois. Plus le temps de regarder les streams, je viens d'acheter une maison, donc masse petits travaux, mais je soutiens mon streamer. Bonjour et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Eosfell aussi pour les 27 mois et Shells Live pour les 16 mois de soutien. Ainsi que Caramel Pork. Merci pour les 4 mois de soutien, Caramel. Merci mec. C'est adorable. Merci à toi. Heureux. Heureux. Bon, j'ai envoyé un message à Trauma. J'espère. Nous espérons. Mais Eventis, t'es là du coup? Oui. Oui. Ça fait peur. Ouais, mais j'avoue, ta voix cramé les oreilles. Ta voix bug. Oh, la vache. Vous voulez qu'on réessaye TS? On peut essayer. On peut, ouais. Ouais, go réessayer TS. Vas-y. Genre, en espérant que je ne bug plus. Que t'as un truc sur TS? Bah ouais, c'était bizarre. Et bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez ou pas? Aïe. Ça lag? Ouais. Ok. Bon, bah, ça lag, TS. Trop bizarre, ça lag. Bah, je me suis remis sur le Discord, du coup. Hop. 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 Ah, mais je vois les trucs buggés, là. Bon, on va lancer les batailles, les copains. On attend que tout le monde soit prêt. Ok. Allô ? Melkor, tu peux leur dire de revenir sur le Discord ? S'il m'entend. Et ils m'ont pas bougé, donc je ne peux pas leur dire. Ah bah merde. Bah c'est con là, ils sont stuck sur le TS, mais moi je peux... Bah l'aide. c'est trop con ce qui se passe là, genre ils sont pas au courant. Ça bug toujours. Ouais. Téléphone. Et revenez, ça bug. Revenez sur Discord. Ah, d'accord. Je suis banni de TS aujourd'hui. Je suis banni de TS. Pas qu'est-ce que TS. Je sais pas pourquoi, je suis banni de TS. Ils veulent pas. Bizarre. Bah ouais, je sais pas, c'est chelou. Tu lag sur... Qu'est-ce que c'est que t'as fait? Encore une connexion Xenos, ça. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, c'est bon. Tu vas prendre un coup de plasma dans le front, toi, tu vas voir. Oui, non, c'est bon. J'ai eu assez de coups de plasma pour aujourd'hui, hein, ça suffit. Oh, putain. En parlant de plasma, là. Comment ça en parlant de plasma? Je vais jouer Skaven là. Oh putain, c'est... Ah. Tu vas manger mon plasma. Tu vas manger mon plasma. Oh putain, à l'aide. Oh le roster qu'ils ont. Oh bah y'a de quoi faire. Hein. Ouais. Moi je sais pas trop encore. Beau, Skaven. Eventis, tu. Attends. Tu nous rejoins du coup, Eventis? Il est là.
Ok. Bah oui, j'ai pas le choix. Mais comment ça, j'ai pas le choix? Mais attends, mais what the fuck? Qu'est-ce que ça veut dire, choix? Oh là là, pauvre Eventis quoi. Oh, pff, je vais devoir jouer à un jeu ouais, vidéo pour me détendre ce soir. Non, vraiment, pff, vous faites chier quoi. J'ai une rentabilité que j'aurais bien voulu faire. Essaye de rejoindre, ouais, rejoindre la bataille, Eventis. Moi, je vais caster. Bah oui. Bon, ouais. La bataille s'appelle... Il a l'air si blasé. C'est ça. Insupportable. Non, j'ai eu un pic d'adrénaline là. Je me suis dit, oh putain, j'ai joué à Prompt Night et non. Mais mec, j'ai jamais dit qu'on allait jouer à Prompt Night, je sais pas ce qui t'arrive. Je sais, je t'ai envoyé, j'ai dit, merde, j'ai mal lu tes messages. Dommage. Dommage, dommage. Attends, comment je fais pour rejoindre... Ah oui, regardez. C'est cousine, hein. Allez, regarde. Ouais, il y a bien une... Il y a une place spectateur qui est ouverte. Tout à fait, je suis de dingue. Nickel, tu prends... Toujours des batailles dans ce jeu, déjà. Multi, la bataille s'appelle bataille cousine. Bataille multijoueur, voilà. Ça fait une... Mot de passe 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. Comment le dire, les cliques ? Comment on va mettre comme map ? Hop. Ah, c'est Skaven contre Skaven, alors. Non, attends. Pareil pour les maps. T'as, ouais, t'as une liste de maps, toi, que tu prends tout le temps, qui est bien? Ouais, je joue plus en multi ou très très peu, donc je suis pas très regardant là-dessus, mais disons que je connais encore les anciennes. Celle-ci est... Ah, quoique, elle est en pente. Oh, mais c'est chiant, les histoires d'équilibrage. L'équilibrage, ah oui, des maps, ça, ouais. Bon... Il y a des bas, mais... Il y a des maps qui sont clairement désavantagées pour l'un ou pour l'autre, mais elles sont pas si nombreuses que ça, et pour le reste, c'est surtout... il faut essayer de tirer parti des avantages qu'on a de son côté, quoi. Les compositions d'armées, là, qui sont... Pour Eventis... Eventis, indécis. Quoi? Bien sûr. Oh, si, si, il sait. Hein. Il sait ce qu'il va prendre. Allez. Oh, si, si, il sait bien. Je vais prendre ça. Vous prenez ça? Ce double-là? Oh, je vais pas prendre Skaven alors. Enfin, quoique. Melkor, tu restes sur Elfe Sylvain? Écoute, oui. Je n'ai joué que les elfes sur ce jeu. Donc. Ouais, bah alors je vais pas prendre. Et comme je vous campelin. Pas prendre ça. Comme je vous campelin. Alors je vais prendre. On va quand même pas faire une alliance. Kevin Elf Sylvain quoi. Quand même pas. Regarde sur le stream de Marineland pour son classement des cibles sur AOE4. Oui bah doit y avoir un tiers d'élite en fait. Doit y avoir genre toutes les cibles qui sont classées plus ou moins bien et puis il y a un tiers d'élite. Juste deleted. J'imagine que c'est ça. Non mais en vrai c'est grave hein. Je trouve ça grave à quel point, genre, ils en ont rien à foutre. La faction est injouable, ils sont en mode « Non, mais c'est un hotfix !» Et oui, on va faire le cast, mesdames et messieurs. Nous allons assister à Melkor Maf contre Sansushi Eventis. Sansu Eventis, le duo des enfers. Ouais. Le duo infernal. À chaque fois, quand ils sont ensemble, c'est un coach. Hein. C'est vraiment un coach. Là, en plus, on va avoir... Putain, Eventis, on voyait sa compo, là. Je me demande ce qu'il va nous prendre. Je me demande. Ils ont les éléphants, oui, oui. Ils ont les éléphants, techniquement. Bon, comment ils sèchent, eux, là? Tiens, je regarde un peu, là. Ah, ils ont bien séché. Ah, ils vont être beaux, hein. Ils vont être bien beaux, là, une fois qu'ils seront terminés, eux, là. Ils vont être bien, bien beaux. Ah, nickel. Nickel. Qu'une hâte, c'est de les fignoler, là. Petit Agraxor Shade, là. Petit brossage en Sylvanette Bark et puis c'est bon hein. Avec des petits teufs ils seront parfaits, ils seront nickel. Limité unité d'artillerie, ouais en général elles sont limitées hein. Alors messieurs, quelle va être votre stratégie? Campé. Hein? Campé à la vache. Réapprendre à taper... Quoi? Attends, t'as pris quoi comme compo? Je sais même pas ce que t'as pris en plus.
Par contre, Eventis, tu rames. Enfin, genre, ta voix fait des trucs bizarres. Ouais, mais c'est Discord, c'est de la chiasse. T'as essayé de reboot Discord ? Je crois que ça le faisait sur TS aussi. Je dis ça, tiens. Oui, non, mais moi, ça me le faisait sur TS, mais... Parce que sur TS, Baf, il m'a dit aucun problème, c'est parfait. Ah ouais ? T'entends, mais c'est avec les idées. Il a disparu. Ah bah, il est super. Il a juste... Vraiment... Adieu. Ah, les vocaux sont en PLS ce soir, en fait. Ça dégoûte. Maf, je vais jouer Bretonnie, ça sent la grosse cave. Eventis, re. Allô. Ouais, non, c'est pareil. Allô. C'est grave. Ah, allô. Oui. Ça va? Tu as passé une bonne journée? En même temps, je vois, genre, Discord, il a 400 MS, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est bizarre. On de la crap, hein. Crap. Oh, crap. Oh, attends, c'est un Bone Giant que je vois là, sans sous. Oh, des petits souches à petits arcs longs là. Boup, boup, boup. Boup, 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 boup. Est-ce que c'est mieux là? Allô, ouais. Ouais, allô, ouais. Ouais, c'est bien là. Insane, ouais. Putain, t'as fait quoi? C'est bien là. Ah, c'est bien. Bien là. Oh, ah, le crack. Bien, t'as fait quoi? Eh ouais. Ah. Secret Technology, j'ai juste changé de couche. J'ai juste changé de couche software d'audio, c'est tout. Ok. Oh, Trauma m'a répondu. Oh, jure. Oh. Non, on n'est pas full. Il dit, il peut pas, il a donjon ce soir, et puis après il va faire de l'arène, et puis après... Arrête de dire ça, il va pas venir du tout. Ah ouais, il faut qu'il passe son cinquième gladiateur, ensuite... Qu'il mette de l'huile sur ses custodes. Faut qu'il les prenne en photo et qu'il invoque un nouveau lore sur chacune. Mais putain, arrêtez, la vache. Il nous regarde en plus, il vous entend, bande de chiens. Arrêtez, il viendra pas. Si vous continuez comme ça, il viendra pas. Il faut qu'il aille sur Wikipédia et qu'il trouve une histoire où il y a un moment dans l'histoire de Warhammer, un custodes. On est sur le Discord Age of, si tu veux venir nous engueuler, Troma. Il faut qu'il lise les trois lignes de lore de Hermann Dinger sur LOL. Voilà. Ah, il a du boulot, hein. C'est vraiment les enfants. Les problèmes. Bon, par contre, ils foutent quoi, les autres, là? Ah, je sais pas. Il faut qu'il commente le patch de New World, comme quoi New World est toujours vivant. Putain. Tiens, jouer toi sans sous à New World? Ouais. Ah, et alors? Ah, ouais, je suis monté niveau 18, je crois. Ah, ouais, d'accord. Ok. J'ai coupé des arbres, ouais, c'était une scène. Ok. Quelle surprise. Non, mais il a mis plus de temps à comprendre, Eventis. J'y suis allé vraiment par manque de MMO. Ah oui. T'as dit quoi? T'as mis plus de temps à comprendre que c'était pas pour toi que Sansou. Ah non, moi j'ai arrêté avant Sansou. Hein. J'ai plus longtemps joué à Sansou, mais en termes de période, j'ai arrêté. Moi j'ai joué moins d'une semaine, quoi. Ouais, mais t'y as beaucoup joué. Bah ouais, j'ai claqué un petit 20h, quoi. Oh, ah là. Que c'est ce que j'avais. Je me demande comment est la population serveur de New World. Ah, ils sont prêts! Go! Dead meat. Mais apparemment, ils ont bugué encore plus le jeu depuis le dernier patch. Ils ont fait une relique, lol. Yes. Pardon. Ils ont fait une délit. On va appeler ça comme ça maintenant. Tu sais, avant sur Overwatch, il y a des nouveaux persos qui sortaient. Maintenant sur Age of, c'est les civs qui partent du jeu à chaque patch. Ouais. Il n'en restera qu'une. Il n'en restera qu'une. Les Français. Putain. Ah bah j'ai la chef, messieurs. Qui? Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, les amis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas un petit peu observé de superbes games en multijoueur sur Total War. Un délit de sale gueule. Bien joué. La vanne est valide. Les joueurs sont en train de charger, nous allons avoir Eventis et Sansushi opposés à Maf ainsi que Melkor. Ça va être incroyable. Je joue à New World et j'aime bien perso, je joue pas de façon normale. Ah ouais, non mais tranquille. Hein. Moi je dis pas qu'il faut pas aimer. Hein. Tu sais mec, en vrai, si t'arrives à kiffer quelque chose que beaucoup de gens aiment pas, en vrai, tant mieux pour toi. Hein. Tant mieux pour toi. Hein. Parce qu'il y a rien de pire que de rien kiffer et d'être aigri et d'être blasé de tout, tu vois. Vaut mieux être pas difficile et kiffer des trucs où la plupart des gens sont en mode né. Clairement. Vaut mieux être ça plutôt qu'un mec aigri qui aime rien.
Ah, ça y est, mesdames et messieurs, nous sommes en game. Ça va être du 2v2, hein. Oh putain, il y a de l'artillerie. Hein. Ah, c'est du canon à flamme. Canon à flamme côté Eventis, mesdames et messieurs. Qui va jouer les nains, comme d'habitude. Oh, il a les héros éthérés, quel enfer. Du côté de Sansushi, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de lanciers squelettes. On a un géant d'os. Une très 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 belle unité à distance qui permettra de faire un bon travail. On a Kalida, la haute reine Kalida. Qui est plus, je crois qu'elle a du poison, des trucs comme ça, du support. Oh, alors ça c'est une unité qui rigole zéro. Hein. Le Sphinx 12 Kep, Nécro-Sphinx de renom extrêmement puissant. Oh, on a des... c'est quoi? C'est des chevaliers? Non, des harceleurs sépulcro. Unité considérée comme de la cavalerie monstrueuse, très rapide. Très très bonne pour flanquer. Très bien, ça va être la compo. Du côté, mesdames et messieurs, de Maf ainsi que de notre cher Melkor. Beaucoup d'archers, beaucoup de pécores. Ça va être la ligne de front bretonienne. Ligne de front de merde, hein, comme d'habitude, on peut le dire. Et on va avoir de la cavalerie, je pense, qui doit être planquée quelque part. Oh, elle est ici, mesdames et messieurs, la cavalerie. Oh, on a carrément de l'hippogriffe. Chevalier hippogriffe royaux, ici. Ah, c'est pas souvent que je la vois en multi, celle-ci. Je me demande si ça a été up ou quelque chose dans ce goût-là. Mais en tout cas, on a du chevalier hippogriffe royal. On a aussi du chevalier du Graal, bien évidemment. Nous avons aussi un... Alors, c'est un seigneur bretonien ou c'est loin? Non, c'est un paladin. Paladin bretonien aussi, posté ici. On va avoir des chevaliers errants. Ah, donc de la cavalerie lotière. De la petite cavalerie bretonienne. Voilà, quelques chevaliers errants. Donc, on va vraiment compter sur ces hippogriffes, hein. Les chevaliers hippogriffes royaux vont être essentiels par rapport à la stratégie de Maf. Si on perd ces unités, on va être dans de sérieux problèmes. Oh, ça tente un petit sneaky, cheeky flank. Oh là là, ça j'ai déjà fait, ça pue. Hein. Ça pue, mais Melkor qui veut surprendre dès la première game avec un move un petit peu backstab. Putain, c'est la première de la soirée, en plus c'est rude. Hein. C'est rude. Hein. Il y a un patch cavalerie, mais c'est tout. Et c'est déjà pas mal, bien sûr. Ça coûte la peau du fiac, les hippos. Bah ouais, les hippogriffes royaux, c'est un enfer. Ça coûte super cher. Mais évidemment, on va être sur l'agression, hein, du côté Bretonnie et Elfe Sylvain. Tandis que du côté Roi des Tombes et Nain, évidemment, on va être plus sur la défense. Même si côté Roi des Tombes, on va plutôt peut-être essayer de rentrer dans le lard. Rentrer dedans et mettre du dégât. Je pense qu'on va cependant... ouais, ces harceleurs sépulcro, ils vont peut-être servir à contrer cette cavalerie, je sais pas trop. Là, je dirais que le plan de jeu, il est hyper agressif du côté de la composition, on va dire, de la composition de Maf. On va avoir un dragon... ah non, Sœur du Crépuscule. Oh, on a ramené les Naestra et Aran qui vont être là. Les Sœurs du Crépuscule, héros très puissant, qui peut se soigner full life quasiment si on le laisse assez longtemps tranquille en étant low PV. On va avoir du garde Sylvain, voilà, bonne unité d'archers. De la garde éternelle, donc vraiment là c'est du tir 1, c'est de la merde, mais ça fera le travail. Et on a quelques lémures, tiens donc, des lémures, curieux de voir ce que vont donner les lémures dans cette game. Les lémures qui sont bien pour fixer l'infanterie, pour tanker, mais alors là le problème c'est que les lémures c'est des unités arbres qui contre les unités de feu sont merdiques, hein. Et qu'est-ce qu'on a en face? Du canon de feu, bonjour à tous. Canon de feu, à mon avis ça va être compliqué à gérer. Les joueurs sont prêts et la bataille est lancée, mesdames et messieurs, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le flanc de cavalerie, malheureusement, va pas être idéal. Ça commence à tirer du côté du géant d'os qui va essayer de focus les bonnes unités. J'arrive. Donnez-moi une seconde. Pardon. Excusez-moi. Putain. Il vise qui, là? Il vise les lémures ou les sœurs du crépuscule? Oh, on passe à l'attaque du côté des rois des tombes. Première flèche qui est tirée sur les sœurs du crépuscule. Oh, de plein fouet, ça fait mal. Ça fait mal, on a perdu un peu de points de vie, mais pas non plus énormément. Mais ce premier tir, ces tirs de géant d'os, va falloir s'en méfier. Va falloir s'en méfier. Alors, on s'éloigne un peu. Est-ce qu'un autre tir du géant d'os va avoir le temps de se décocher? C'est la question. Je me demande. J'ai pas l'impression qu'on a eu le temps de tirer. Non, on n'a pas eu le temps de tirer avec le géant d'os. Les sœurs du crépuscule qui sont en train de reculer. Le flanc de la Bretonnie qui est en train de se dessiner, mesdames et messieurs. Avec ses chevaliers royaux... Ces chevaliers royaux hippogriffes, là. Chevaliers hippogriffes royaux. Dans cet ordre-là, c'est mieux. On essaie de trouver un angle. Du côté des Ventis, on essaye d'avancer sur les elfes sylvains.
Mais on recule. Pour le moment, on recule énormément. On veut pas affronter cette ball de face. Ça va être compliqué. Gros projectile anti-large, en effet, de la part du géant d'os. Et deuxième tir qui va arriver. Oh, de plein fouet. Oh non, c'est raté. Ça a été raté. Oh là là, putain, pourtant, on avait l'impression que ça passait dans la hitbox. Oh, attention, les premiers tirs de canon de feu. Oh, ouf. Oh la vache, les dégâts. Putain, c'est violent. Hein. Attention, ici, on va avoir le roi lune marteau de fer. Qui est donc un héros éthéré. Qui, du coup, de ce fait, va prendre beaucoup plus de dégâts des attaques magiques, mais très peu des attaques physiques. Oh là là, on a déjà perdu une escouade de garde éternelle, ça fait mal. Hein. Les canons de feu, ça rigole zéro. Qu'est-ce que ça fait très mal. Et attention, ça y est, l'affrontement, mesdames et messieurs. Les forces bretoniennes qui arrivent au contact avec les rois des tombes. Les chevaliers hippogriffes royaux qui vont tenter d'aller chercher une cible à supprimer. Mais pour le moment, on ne trouve pas vraiment de proie à attaquer. Chevaliers errants qui vont arriver sur le flanc éventuellement pour se débarrasser d'artillerie. On a des arquebusiers. La formation fer de lance qui arrive en plein dans ces longues barbes. Mais ce sont des longues barbes, ils tiendront sans aucun problème. Pour le moment, en tout cas, l'avancée est plutôt violente. Et c'est un avantage pour l'équipe de Sansushi Eventis. Attention, là, ces mineurs nains qui vont prendre très très cher. Voilà, ils vont se faire complètement supprimer par ces unités d'archers. Et attention, mesdames et messieurs, parce qu'on a des forestiers qui sont en train d'arriver en flanque, là. Qui n'ont pas encore été vus. Qui sont cachés. Regardez, on les voit, là, ils sont accroupis. Ils sont pas encore vus. Et là, pour le moment, on a bon DPS de la part des archers, là, contre ce géant d'os. Géant d'os qui continue de focus, cependant. Les sœurs du crépuscule. Oh, c'est raté. C'est raté. Les sœurs du crépuscule qui sont plutôt bien pour le moment. Et là, pour le moment, oh là là, les dragues de fer. Les dragues de fer qui sont en train de complètement carboniser ces gardes éternels. Voilà, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. La prochaine salve, elle va nous cramer une bonne partie de ces gardes éternels. Oh, alors, le problème, c'est que ça crame aussi des nains. Mais je vais pas m'en plaindre, très honnêtement. Oh, les canons de feu qui font toujours aussi mal. Mais par contre, les sœurs du crépuscule qui vraiment prennent très très cher, c'est vraiment dommage parce qu'elles bougent pas beaucoup, elles esquivent pas trop ce géant d'os qui vraiment a le DPS gratuit. Les chevaliers hippogriffes royaux qui sont dans la tourmente, mesdames et messieurs. Les deux escouades sont en fuite. Elles ont été complètement annihilées par le sphinx d'Usekp, qui est vraiment une unité de renom terrifiante. Oh là là, il y a une météore, une comète de Cassandra là, qui vient de tomber, je crois, là. Vient de s'écraser sur ses arquebusiers nains. C'est bien joué de la part du bretonien. Mais là, pour le moment, c'est difficile. Hein. Là, la coalition Maf-Melkor qui est vraiment en perdition, qui est dans de beaux draps, là. C'est difficile. On a la fée enchanteresse hein, qui a été choisie par Maf ici, qui est dans la mêlée, qui pour le moment va bien. Ah, mais putain, j'arrive pas à orienter, c'est relou. Ah là là, ce sphinx là, le nécro-sphinx, il fait tellement mal. On a intercepté les éclaireurs des bois profonds. Ça risque d'être compliqué pour eux. Hein. Je veux pas spoil, mais à mon avis... Oui, ok, très bien. Très bien. Ça risque, mesdames et messieurs... Voilà, hein, y a pas de problème. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais pour le moment, c'est compliqué. On a quelques hippogriffes là qui vont essayer de tenter d'attraper des unités en fuite. Mais là, ça me paraît très, 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 très délicat là, la situation pour l'axe du bien. L'axe du bien, on va dire que c'est l'axe du bien. Ce sont les elfes sylvains et les bretoniens. L'axe de la forêt. Les murs au contact. Oh, la belle roulade. Contre les dragues de fer. Une petite interception là de la part de la cavalerie. Ici, c'est bien joué. On a encore des archers qui font du bon dégât. Oh, par contre, là, les dégâts sur les gardes sylvains avec les mineurs, avec les sacoches explosives. Ça fait très mal. On a un héros au corps à corps, là. Ouais, on a le héros d'Eventis, là, qui pose tant de problèmes face à ces gardes éternels. On fait fuir ici. Ça fuit en masse. Du côté bretonien, c'est la Bérésina. Très difficile. Cependant, on a quand même une bonne présence sur ce front du côté de Melkor. Est-ce que ça suffira cependant? On a des points de frisson vif. Alors, je sais pas si c'est de la pointe. Non, c'est pas. C'est malheureusement pas. Ah, si, ce sont des munitions magiques. Ça pourrait être bien du coup pour focus Belégar. Ah non, c'est Belégar. Putain, c'est pas un héros éthéré. Quel enfer. Ah, c'est dur là, c'est dur. Hein. Mesdames et messieurs, nous n'avons que peu d'options pour le moment. Là, il va falloir trouver un moyen de revenir dans cette game. Et là, putain, on a tellement en plus le géant d'os qui n'a plus de munitions, qui maintenant va stompi-stomp. Regardez-le, il arrive. Bonjour. Yeet. Ah la vache, putain, le géant d'os, il fait mal. Hein. Le nécro-sphinx, c'est full HP. Voilà, pour le moment, ça se passe très très bien. Ah, le Nécro-Sphinx qui va faire un carnage du paladin de Maf, là.
Oh la vache, putain. Quel carnage. Quel carnage. Là, je pense pas qu'on peut revenir. Est-ce qu'il y a vraiment un endroit où les dégâts peuvent revenir éventuellement? Là, pour le moment, bon, on a ce petit flanc là, c'est pas ouf. On a encore les archers, hein, les éclaireurs de bois profond de Melkor, qui font le travail, mais regardez. On a Kalida là, la haute reine Kalida qui est dans la mêlée. Qui va faire un carnage. Et qui va pas du tout être inquiété au corps à corps face à ses archers. Donc là, ma foi, ça va être je pense, le GG. On voit pas comment ça peut vraiment revenir à partir de là. Oui, 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 oui. Voilà, là, c'est le GG. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Je maîtrise le jeu, là. Putain de lance-flammes qui sont là depuis 3 ans avec un putain de lance-flammes et des coups de poing. Pourquoi tu t'énerves? Vous gagnez. Unité de merde. Pourquoi tu t'énerves? Parce que ce jeu, je comprends rien. Mais comment ça, je comprends rien? Tu viens de les latter? Non. Comment j'ai ça, des lance-flammes qui sont en train de mettre des claques à des mobs alors qu'ils ont des lance-flammes. Pourquoi ils tirent pas? Là, aïe, aïe, aïe. Tire. Oh, attendez, je reviens. Je vous laisse avec Eventis Kira, je reviens. Ah, ça, c'est toi, ça. C'est moi, je vais te voler. Des chances, ouais. Non, t'en fais pas, c'était pas volontaire. C'est bien. Non, je te jure. Là, il y a le piaf, là, l'unité de merde que je joue trop mal, là. Ah non, c'est Jeanne. Putain, j'en ai qui sont partis là-bas, l'autre où tu... J'ai un piaf à bec qui me casse les couilles dans le bac. Mais pourquoi? Là, les F, tire. Fais du feu. Pourquoi je fais pas du feu? Ça m'énerve. Pour. Lâche, vos guerriers fuient. Au bon qui se casse. Je vous laisse après. Hein. Yes, ouais. C'est cool. Ah, ça a craqué. Yes. Moral. J'ai rien compris. GG. J'ai passé une game à cliquer sur des trucs, je comprenais R. T'inquiète pas, tu cliques sur un truc, les nains ils font le reste. C'est oh bah. Et heureusement que je joue une armée qui est pas chiante à jouer, hein, parce que putain. J'ai rien compris. Oh ouais. J'ai pris mes archers, j'ai cliqué et puis j'ai. Et puis pouf. Et là. Puis j'ai vu les canons à feu tirer, puis j'ai vu pouf les elfes. Mmh. Ah mais c'était pas. C'était Ah je croyais que la Bretonnie c'était Melkor. Non. Ah c'est moi. Pourquoi? Fou du père. Ah mais moi j'étais pas dans la game, hein, frérot. Moi j'étais juste en train de pester parce que j'ai des putains de lance-flammes qui préfèrent mettre des tartes à la place d'utiliser leur arme. Ils ont pas une range minimale pour tirer. Non, c'est qu'ils étaient au corps à corps. S'ils sont accrochés par ne fût-ce que 2-3 pélos, Le pire, c'est qu'ils étaient même pas au corps à corps. Il y a un moment, je donne un ordre, c'est Mongol, il court dans les piquets. Je fais, mais non, t'as un lance-flamme, frérot. Si t'as cliqué légèrement derrière, ils vont courir dessus. Eh ouais. Non, mais c'est vrai que parfois, les unités de tir sur les Total War, ils en chient un peu. En tout cas, je suis ravi du travail qu'ont fait mes arquebusiers avec 5 kills. Let's go. Ah, mais les monstres de 100 sous derrière étaient durs à gérer. Ah bah le sphinx, il a... Ah ouais, mais le sphinx, il aurait fallu qu'on se focus dessus, mais il y avait un petit peu trop à gérer côté nain dans les unités dangereuses. T'es juste chez Aptia Arc, ils ont été bien tranquilles aussi. Ouais, ils ont fait le... Ah, j'ai trop de mal à repérer les unités aussi, genre chilou. Qu'est-ce qu'on fait? On garde les mêmes équipes? On change? On tourne? On fait quoi? Bah, je sais pas. Si fait, y a Alpha. Qui déboule.
Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Re, excusez-moi. Re, excusez-moi. Ouais, alors, c'est ce qui fait, Romain ? Bah, je lui avais envoyé un message tout à l'heure. Mais vous avez dû le faire fuir. Mais pourquoi ? Rien fait. Ça fuit pas comme ça, un trauma sauvage, ça va. Mais non, surtout quand il peut jouer la Bretagne. Il a dit qu'il était devant le stream. Attends, je regarde s'il est dans le chat. Bah, il peut venir dans le stream. Pour être encore plus proche de l'action. Oui, il est là. Il a ce pouvoir. Ah. Il est dans le chat. Il est là. On sait que t'es là. Philippe. Ah putain, à l'aide. On sait où tu te caches. Philippe. Mais bah pourquoi, oui, pourquoi il répond pas? Il rend fou. Il est en train de jouer, c'est sûr. C'est sûr, il est en train de jouer. Il est sur New World. Alors, voyons voir. Non, je crois que maintenant il a quitté New World. Maintenant il est de retour sur World of Warcraft. Ah oui. Évidemment. Oh, je crois qu'il y a une arrivée. Attendez, je reviens. Merci beaucoup, Antoine. Bienvenue à tous. bienvenue. Enchanté. Bienvenue. Nous sommes, mesdames et messieurs, sur une journée, une soirée de stream de type extrêmement nerd. D'Azone, monsieur le maire. Bravo. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. J'espère que ça s'est bien passé de ton côté, Antoine. Toujours sur FF. À fond sur FF. Attendez, je vais leur dire. Elles sont beaucoup mieux. Vous voulez faire une petite... Il y a une revanche, là, qui se met en place? Bah, on peut, ouais. Peu let's go, hein. Let's go. Attendez, ouais, je reviens. Mais je vous laisse sélectionner pour la revanche. Ça marche. Vous... Nain, roi des tombes, là? Je pense. Ils sont en train de se mettre. Pokémon, ok. Bon, alors pour le moment, Endwalker, c'est vraiment, vraiment bien. Est-ce que y a un kiff? Parce que je suis passé un peu sur le... Bah, je crois que oui, je l'avais host. Et apparemment, je savais pas qu'Antoine, t'étais si fan de FF14. Je ne savais point. Enfin, il me semble que tu m'en avais peut-être touché un mot là-dessus. Mais je savais pas que c'était à ce point. Du coup, je me demandais si ça lui plaisait pour le moment, l'extension. Les serveurs, c'est la galère avec la release. Ah oui, c'est vrai. Et nous, on rejoue le 7. Ça va être quelque chose. Il passe ses nuits sur FF. Ah ouais. Putain. La vache. Ah ouais, écoute, moi, j'aimerais passer mes nuits sur Age of. Ah, le seul problème, c'est que, bah... Relique en ont rien à foutre de la faction que je joue et ils l'ont détruite. Et ils l'ont pas patché. Donc je m'amuse beaucoup. À jouer à d'autres jeux, du coup, maintenant. J'aime beaucoup. Perso, j'adore, mais c'est la mort de ta carrière si tu le fais en stream. Ben oui. Parle pas d'AOE, please. Non, mais c'est un enfer. Aïe, aïe, aïe. Non, mais oui, il faut que j'arrête de parler d'AOE. Je souffre trop, là. Bah oui, connard. Merci, Antoine, encore pour cette alerte sub légendaire. Mais bienvenue, en tout cas, installez-vous. Tu jouais pas chinois? Si, mais moi, maintenant, je joue Sultanat de Delhi. J'adore. Et ils l'ont détruite. La faction est morte. Elle est full buggée. Ils s'en foutent. Ils ont fait un hotfix aujourd'hui. Ils ont même pas mentionné la faction. J'ai envie de die. Mais bon. Du coup, on joue à d'autres jeux. Voilà. On a peint aujourd'hui. On a peint. Vous voulez que je vous montre? Je vais vous montrer ce que j'ai peint aujourd'hui. Regardez, c'est incroyable. Je sais même pas si vous allez pouvoir voir. On y croit. Vous allez peut-être pouvoir le voir. Attention, mesdames et messieurs. Setup de fou. Vous voyez rien du tout. On a peint ça aujourd'hui. Ah, c'est flou. Ah, c'est flou de dingue. Allez. Ah, c'est très très flou là. C'est extrêmement flou ce qui se passe. C'est pas clair ce qui se passe, les amis. Pourquoi c'est flou? C'était pas flou avant. C'était pas flou du tout. Ah, là c'est moins flou. On a peint ça aujourd'hui. Mais putain, c'est toujours flou là. J'ai envie de die. Je vais vous montrer ce que j'ai peint. Ah, voilà. Ah, c'est toujours flou. Non mais par contre, il y a un vrai problème. Pourquoi est-ce que c'est si flou? Ah, voilà. J'ai peint ça aujourd'hui. On a peint des petits maraudeurs et tout. On a fait ça. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment la full journée nerd. Full journée nerd, on peint des Warhammer et on joue à Warhammer. Voilà. C'est très flou, mais c'est beau. Je posterai ça sur Insta. Mais ça a été le programme aujourd'hui, du coup. C'était plutôt chill. C'est le dimanche, quoi.
C'est le dimanche après-midi. Il y a eu un hotfix today. Ouais, ouais, ils ont hotfix les bugs vraiment gênants. Par contre, ils en ont rien à foutre de Daily. La peinture de fix, j'ai commencé il y a un mois environ, je peux plus m'en passer. J'ai bientôt mes 2K points de rook là. Ah, let's go. Let's go. Je me lève à 6h demain. Bon courage, Allo. Merci Tanaka pour les 4 mois. Merci la Cucaracha pour l'année de sub. Shuri pour les 34 mois. Dazon. Merci beaucoup. Nidog le Nain aussi pour l'année de sub. Zorbelk aussi pour le T1. Roliaco pour les 4 mois. Iravenor, merci pour les 63 mois, mec. Merci à toi. Madlox aussi pour les 2 mois. Théolir pour les 18 mois. Loupin, merci pour les bits. Drekio aussi pour le Prime. Emericou, merci pour les 18 mois. J'ai vu de la lumière, j'ai vu du Total War Warhammer 2. J'ai mis les streams sur l'écran. Ils viennent de quelle boîte, les maraudeurs? Ils viennent de Warcry. Ils viennent de la bande des Spire Tyrants sur Warcry. Trop bien, 2v2. Ouais, ça va partir sur un petit 2v2, là. C'est quoi le problème avec ce sultanat de Delhi? Je t'encourage à aller sur le Reddit de Age of Empires 4 et regarder la vidéo Bug Tier List pour le sultanat de Delhi. En gros, ils ont des recherches qui prennent beaucoup trop de temps à rechercher alors qu'elles ne devraient pas. Le dernier patch a détruit la manière dont leur early game se jouait et leur late game se jouait. Bref, ils ont pris nerf sur nerf, plus des bugs extrêmement gênants qui ralentissent de fou leurs recherches. Donc globalement, c'est une sieve troll pick actuellement. Tu peux gagner, mais tu peux gagner en faisant des rush béliers, quoi. Si tu essayes de jouer une game normale, c'est non. Les Total War ont toujours été des jeux ultra intéressants pour moi. Je suis fort en gestion, mais je suis une quiche en tactique militaire. Bah, tu sais, ça s'apprend, ça. Hein. Ça s'apprend. Hein. Bon, alors, côté sans sous, ça va partir sur une compo contre vampire avec 3 chevaliers de sang. Ah ouais. Ah ouais, il veut flanquer, hein. Côté Eventis, je sais pas. Ça part sur peau verte. Peau verte contre vampire contre Skaven au elf. Ah, c'est de la saloperie dans tous les sens, sauf côté O-Health. Il a dit on parle pas de AO, mais je rêve où il en parle. Oui, non, mais je sais. Merci, je vise mal. Merci pour le Prime, bienvenue. Merci à toi. Oui, les tutos de Maf sont très bien sur Total War, si tu veux apprendre à jouer. Ça tombe bien, il est avec nous ce soir, Maf. Monsieur Total War en France. Comment apprendre et où? Bah ouais, chez Maf Gaming, hein, il a des super bons tutos. Sinon, si tu parles anglais, Zerkovic, très très bon tuto. Il a fait de très bons tutos en anglais. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant les vidéos de Zerkovic. Donc ça va aider. Si t'es prêt à apprendre, ça va aller. Skaven ou Elf, drôle d'alliance. Oui, bon, faut pas être trop regardant, vous savez. Faut pas être trop regardant. Ça compte si je me lève à 6h pour avoir une chance de jouer FF14 à cause de la file de 7000 personnes sur les serveurs. C'est quoi, c'est 1000 personnes par heure, en gros, sur FF14? Moi, je me demande, en fait, si je vais devoir... là, le 7, quand je vais jouer... On a notre deuxième live. Je me demande si je vais devoir me lever vraiment tôt pour me connecter. 3000 par heure? 2000 par heure, d'accord. Les belles infos de chat. Alors côté Eventis du coup, ça part sur de l'orc du Hard Boys. Ça c'est quoi? C'est de l'orc costaud ça, je sais plus. Non, c'est pas de l'orc costaud, si? Non, ça c'est de l'orc costaud. Non, c'est du Boys ça. C'est du Boys de base. On a un orc noir... On a l'orque noir de renom. Ensuite, on a des gobelins. Ah, on a une idole. Incroyable. Unité de fou. On a les Doomdiver catapultes. Ça va jouer Wurzag. Je crois que c'est ça, c'est Wurzag, ce lord. Non, c'est pas Wurzag. Lui, c'est le chaman, là. Le mec... putain, je sais plus le nom. Je suis nul en peau verte. Je le connais pas bien. Ouais, l'idole élite qui tire des rochers, elle est trop bien. Cette unité est trop stylée. Si, c'est Wurzag. Ok. Ah, c'est pas Azag. Je confondais avec Azag. Lui, c'est Wurzag et l'autre, c'est Azag. C'est ça. Exactement. Les files d'attente sont entre midi et minuit. Le matin, t'auras aucun souci. Bah, nous, on commence à 14h. Donc, je pense qu'il faudra qu'on essaye de sco vers midi, midi et demi, quoi, au moins. Ok. Mesdames et messieurs, nous sommes partis. Nous sommes partis. Dans cet affrontement épique entre Maf, Melkor, Eventis et Sans Sushi. La revanche. Hein. Pour le moment, dans ce BO3, nous sommes à 1-0 pour Eventis et Sans Sushi, qui ont eu une belle victoire tout à l'heure en jouant Roi des Tombes et Nain. Et cette fois-ci, ça va jouer contre Vampire et Orc face à O-Elf et Skaven pour Maf et Melkor. Maf et Melkor qui tout à l'heure jouaient Brotoni et Elf Sylvain. Alors... Oh, on a deux White King, roi revenant.
sur Canasson. On a un petit nécromancien. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah. Oh, attends, c'est Snitch? C'est Maître Assassin Snitch que je vois? Oh putain, oui, il a pris Snitch. Il a pris Naruto! Il a pris Naruto! Regardez-le, le rat Naruto! Le Naruto, on va l'appeler comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme compo du côté de Maf? Beaucoup de Skaven esclaves, quelques guerriers des clans, des vermines de choc. Voilà, infanterie un peu plus solide que l'infanterie de base. Oh, on a des mortiers avalanche. Alors ça, c'est extrêmement puissant. Ça, c'est une unité qui est sacrément vénère. Et on a une saloperie d'abomination. Saloperie d'abomination. Ranuto. Ah oui, Ranuto, c'est pas mal. Ranuto, c'est pas mal. Oh, on a des Jezail. On a les Sniper Skaven aussi, mesdames et messieurs. Qui vont être très très adaptés pour venir choper des kills sur des unités bien planquées au loin, là. Les Jezail. Jezail à Malpierre. Et puis Snitch, va falloir s'en méfier, hein, parce que ça, c'est un tueur de héros. C'est le maître assassin pour une raison, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup? Côté O-Elf. Ça doit faire bizarre à ces O-Elf de se tenir près de ses rats. Hein. Ils doivent être en mode « me touchez pas ». Garde argentée pour Melkor. Ok, alors garde argentée, c'est pas une unité qu'on voit souvent. Je veux dire, c'est une unité qui a une bonne défense magique. Mais ça s'arrête là, hein. Globalement, c'est des lanciers avec une bonne défense magique. Chose dont t'as pas forcément beaucoup besoin. Beaucoup d'archers classiques du côté de Melkor. On a des sœurs d'Avelanche. Oh, on a des gardes phénix. Ah oui, on a sorti de la compo qui coûte cher côté Melkor. Hein. Les gardes phénix qui sont positionnés. Les sœurs d'Avelorn aussi qui vont être déterminantes sur le DPS magique notamment. On a deux escadrilles. Ah, on a deux de sœurs d'Avelorn et on a Tyrion. Tyrion à cheval. Tyrion à cheval qui va être le meneur de cette armée aux elfes. Cette alliance un petit peu étrange. Ah oui, il a deux gardes phénix. Ah oui, non, mais quel crack. Moi, je suis pas convaincu de la compo de Melkor. Hein. Pas sûr. Hein. Vraiment pas sûr. Côté peau verte, du coup, on a du boys. Du boys en slip. Pas content. Bien énervé. On a de l'orque noir. Ah, on a les Crimson Killers. Je crois que c'est ça, les tueurs pourpres. La meilleure infanterie du jeu, quasiment. Ça tape en AOE, en plus, cette saloperie. C'est vraiment hyper, hyper vénère. Ça fait du boucan, hein. Eagle, hein. Oh, l'idole. L'idole de pierre, mesdames et messieurs. Elle est là. Ça va être marrant, ça. Ça va être très marrant. Ça fait du dégât, je vous le dis. On va la surveiller un petit peu parce que ça, à mon avis, ça va faire des gros trous, notamment dans les rangs des gardes phénix. On a un peu de cavalerie ici. Bah voilà, les chevaliers de sang, les vampires. Les vampires à cheval qui vont être une cavalerie extrêmement violente sur les flancs. Qui vont faire très très mal. On a des orques noirs ici positionnés aussi sur le flanc du côté de Eventis. Et pour ce qui est de cette idole de pierre, c'est parti mesdames et messieurs. Ok, le focus commence. On se sort un caillou du cul. Oh putain. Oh, les sœurs d'Avelorn. Non, c'est pas les sœurs d'Avelorn, c'est les archers qui ont pris. C'est pas les sœurs d'Avelorn, va falloir changer les focus. Oh là là, on a pris deux tirs là. Je sais pas d'où venaient les autres tirs là. Ah oui, il y a les Doomdiver catapultes. Regardez les petits gobelins là. Les petits gobelins qui volent. Oh vous. Oh, ça fait mal, hein, ça fait mal. Cependant, mesdames et messieurs, les Jezail. Hein, les Jezail vont être un très très bon focus face à cette idole de pierre. Les deux armées se foncent dessus. Et regardez-moi ça. Les canons à malfoudre Skaven là. Qui sont en train de faire très 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 mal à cette idole. Là, on a beaucoup beaucoup de tirs de Jezail face au... oh là 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 là. Les mortiers. Les mortiers Skaven qui sont en train de faire un carnage dans ces orques noirs. Alors ça, c'est très 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 problématique. Putain, les tirs de Jezail là, ils sont vraiment pénibles. On sent que cette cavalerie est embêtée par ça. Et il va y avoir les premiers affrontements au milieu, mesdames et messieurs. Ça y est, les zombies qui sont au corps à corps. Attendez, je rêve ou il vient de perdre... Attends, il vient de perdre un revenant là. Il vient de perdre un revenant d'entrée de jeu là, sans sushi. Il a perdu un roi revenant, j'ai pas compris comment. Oh, le pied d'orc. Oh ouf. Ça fait mal. Ça fait un petit peu mal là ce qui vient de se passer. Les Jezail qui sont toujours peinards ici de leur côté.
Oh là là, c'est dur, hein. C'est dur ce qui se passe pour Eventis et Sansu là, qui prennent très très cher. Les Jezzels qui sont en train de pulvériser ces orques noirs ainsi que ces chevaliers de sang qui savent pas trop quoi faire pour le moment. L'idole ici qui continue de se faire focus par les canons à malfoudre. Arrêtez de me taper, ça m'énerve. La pauvre. Ok, comment se passe ici la fronte? Les gardes de Phoenix sont au corps à corps avec les gardes des cryptes. Ouais, on a du garde des cryptes, on a du zombie, on a du Skaven. L'affrontement fait rage, mesdames et messieurs, mais clairement, ça va donner plutôt l'avantage aux gardes de Phoenix, infanterie d'élite, qui va largement dominer ici. Oh, attention, ça va balancer un spell, là. Oh, invocation de zombies ici, dans le dos, qui pourrait un petit peu aider pour venir contester ces archers. Mais là, le problème, c'est que ces Jezzels, ils sont free, hein. Les Jezzels sont free, regardez-moi ça, les orques noirs qui n'ont rien fait du tout. Eventis qui les a oubliés, je crois. Les Jezzels qui font un carnage. Et malheureusement, ces chevaliers de sang qui ont été un peu trop deny. On n'a pas pu vraiment se trouver une bonne ligne de flanque là pour ces chevaliers de sang. En plus, on se fait flanquer encore une fois par des Skaven. Les Doomdiver catapultes continuent de faire du dégât. Enfin, on a l'abomination en plus Skaven là du côté ici de Maf qui va faire un carnage dans ses sœurs. Ah non, dans les sœurs d'Avelorn. Ah non, bah non, il est allié, je suis con. Ah, j'ai du mal un peu parce que les bannières ont des couleurs un peu chelou. Ah oui, mais c'est des chariots à Snotling ça. Ah, les chariots à Snotling qui font un bon travail face à ces sœurs d'Avelorn, mais elles vont pas tenir longtemps, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on a des focus qui sont propres, qui arrivent à deny bien? On a des chevaliers de sang là qui sont dans le dos, qui pourraient faire beaucoup de dégâts là face à ces Jezzail. Ah ouais, là clairement, les Jezzail qui vont prendre très très cher face à ces chevaliers de sang. On a l'idole de pierre qui continue de faire le dégât. Oh, attention, le spell! Aïe 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 aïe, ça fait mal ça, ça fait mal. Les gardes des cryptes qui se font un petit peu défoncer par ce spell. L'abomination qui est dans la mêlée, qui fait encore beaucoup de travail. Est-ce qu'on a du flanking en particulier qui fait mal? Ah, bon focus là sur les chariots à loup gobelin. Qui sont AFK, qui ont été un peu oubliés sur ce côté-là. Ça, c'est un autre chariot à pompe snotling. On a des zombies qui viennent essayer de deny cette artillerie, mais c'est bien joué. On a des vermines de choc qui sont là pour les intercepter. Et globalement pour les découper. Oh, le pied de Mork! Oh la vache! Ah, ça a un peu calmé les ardeurs. Hein. Ça a clairement calmé les ardeurs tout de suite. Il y a une autre charge de chevalier de sang ici, mesdames et messieurs, qui pourrait faire la différence. Pour le moment, c'est encore assez serré. Hein. Oh là là là, les archers qui vont prendre très très cher. Oh, aïe aïe aïe, la charge tonitruante des chevaliers de sang vampires ici, qui viennent pulvériser ces archers. Il va falloir essayer de trouver... Une ouverture pour se débarrasser aussi des sœurs d'Avelorn. Bataille très très serrée pour le moment, mesdames et messieurs. Qu'en est-il des héros adverses? Mourzag est toujours full HP, aucun problème là-dessus. Du côté de Tyrion, on est toujours plutôt bien. On est dans la mêlée avec ses orques noirs. On est au contact des Crimson Killers. Alors c'est un peu dangereux comme situation pour Tyrion. Même si il va leur faire beaucoup de dégâts, les Crimson Killers, ça rigole zéro. Hein. C'est une des meilleures infanteries du jeu, donc il va falloir faire attention aux DPS qu'on va recevoir en se débarrassant d'eux. Alors on a les petits flanking là de cavalerie des gobelins là, mais bon, ça va pas faire des dégâts de fou non plus. Qu'en est-il des héros? On a un grand chef gobelin ici. Ah, on a le héros ici là, le maître assassin Snitch. Je sais pas s'il a fait un gros taf pour le moment, mais il est dans la mêlée avec du zombie. Il les détruit tranquillement un par un. Il va aussi devoir se affronter des orques noirs. Bon, ça devrait pas être un problème pour lui, mais attention à pas prendre trop de dégâts pendant ce temps-là. On est en train de prendre l'avantage du côté, j'ai l'impression, de l'équipe de Sansu et d'Eventis. Contre toute attente. En tout cas, la jauge est plutôt en leur faveur. Qu'en est-il de l'idole? L'idole est vraiment tranquille, là. Elle a plus beaucoup de munitions. Mais depuis le début, elle est plutôt peinard. On va voir son prochain tir, où est-ce qu'il va partir. Probablement, elle hésite. Elle est pas sûre. Ah. Attention. Yeet. Oh, les gardes phoenix! Oh, ouf! Ah oui, dans les gardes phoenix, c'est clairement value. Hein. Value town, les tirs dans les gardes phoenix. Ranuto, je sais pas où il est. Ranuto, c'est... Il était là-bas tout à l'heure. Ouais, il y est toujours. Ah, regardez, il est en train de détruire ses orques noirs. On est en train de prendre l'avantage. Hein. Oh, le pied de mort! Oh, ouf! Alors là, c'était bien casté de la part d'Eventis, là. Hein. Après, c'était contre des unités de merde, donc à voir si ça va vraiment aider. Oh, très très belle intervention de la part des esclaves Skaven qui vont se débarrasser de ces Doomdiver catapultes.
fini d'envoyer des gobelins sur le champ de bataille en mode Batman. Très très bon contest là. Là on va... Ah bah c'est marrant, leur morale est merdique alors que c'est eux qui sont en train de prendre l'avantage, ça me fume. Non c'est bon, le moral s'est stabilisé. Cependant on a une intervention de la part de Wurzag sur son petit facochère. Il est pas d'accord, il veut intervenir. Alors où est-ce qu'on en est niveau des unités essentielles? On a Tyrion qui est toujours dans la mêlée. Tyrion qui est dans une position difficile. Les chevaliers de sang font un travail exceptionnel. Hein. Regardez-moi ça, encore une très très belle charge là qui va venir un peu annihiler tous ces Skaven. Une autre charge ici, épaulée par les chariots à Pumpling, les chariots à Snotling. Ah là là là, Tyrion, ça m'inquiète pour lui, on n'a plus les canons à Malphos. En termes d'unité d'élite, qu'est-ce qui nous reste là du côté des hauts-elfes? Les gardes phénix sont décimés, il en reste un petit peu, mais très 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 peu. Tyrion est dans la mêlée là actuellement, il essaye de faire ce qu'il peut, mais c'est très difficile. Il essaye de focus, oh là, il y a un cast de spell là. Oh, invocation de zombies, mesdames et messieurs. Mais là, c'est trop dur. C'est trop dur côté maf et Melkor. Là, on est complètement en fuite, là. Il y a eu vraiment... On a tellement bien tanké, je trouve, l'assaut de maf du côté de Sansu et Ventis. Et je les voyais très très mal au début. Et puis au final, ils sont revenus. Et les chariots, les chevaliers de sang ont vraiment, vraiment fait la différence. Canon à Malpierre. Oui, c'est ça. Canon à Malfoudre. Oui, bon, mal. Canon mal. Oh, les quatre gardes phénix qui sont complètement trempés de sang. Ils savent pas trop quoi faire, là. Ils hésitent. Ah là là, je vois pas trop comment ils vont revenir. À moins d'un miracle. Peut-être Tyrion qui fait la surprise. Tyrion qui tente. Oh, on a une autre invocation de zombies en plus, là. Quel enfer. Mais il n'y a pas de problème pour l'abomination de Malphos. Elle va arriver à s'en débarrasser sans aucun souci, je pense. Oh là là, il y a eu un petit trait de feu là qui est parti dans ces unités. Mais ça n'a pas fait grand-chose. Je crois que c'était un cast de l'objet de Tyrion. Tyrion qui a fait un bon travail. Oh, regardez-moi ça! Ouah, Tyrion qui a fait un triple kill sur les chevaliers de sang en une seule attaque. Putain, Tyrion qui rigole pas, il en a encore sous le capot. Et bam! Et hop, on fait tomber ce chevalier de sang. Tyrion qui massacre du vampire un par un. Là, il est dans le season finale de sa propre série Netflix. Là, il donne tout. Il donne tout, Tyrion, là. On va essayer de venir contester ses autres chevaliers de sang. Allez, Tyrion, donne tout. Hop là. Putain, la vache, il les massacre un par un. C'est impressionnant. Oh, on va peut-être perdre cette abomination. Je crois bien qu'on va la perdre. Ah, si on la perd, par contre, ça va être dramatique hein, pour Maf. Ça va signer la fin, je pense. Oh, l'assassinat! L'assassinat ici sur le nécromancien de la part de Ranuto. Non, Ranuto. Ranuto, c'est de l'autre côté. Ranuto. Oula. Ah, il l'a eu. Putain, il l'a eu. Ranuto, incroyable. Qui l'a empoisonné, je sais pas trop quoi. Et qui a réussi à se faire le nécromancien. Très bel assassinat. Mais là, les orques noirs qui vont essayer de faire le dégât sur notre ninja assassin préféré côté Skaven. Il se fait bolosser, le pauvre. Il se fait rouler dessus en boucle. Oh là, oh là! Attendez, c'est quoi cette jauge qui vient de remonter de ouf, là? Oh là là, il est en train de tout donner, là, par contre, Snix, là. Il est en train de faire très très mal, j'ai l'impression. La jauge vient de bouger énormément, là. Ce n'est pas terminé, mesdames et messieurs. L'abomination est toujours vivante. On a encore quelques vermines de choc. Oh! Oh! Oh, ça fait mal, là. Cependant, ça aurait pu être pire. Mais ça a fait quand même très très mal. L'idole de pierre est encore en vie. On a encore de la cavalerie. Ah, ça va être difficile. Hein. Ça va être quand même très très difficile. Il reste peu de choses. On a Snitch là qui est aux prises avec ses zombies. Il est un peu englué là-dedans. C'est un peu emmerdant pour lui là. Il faut trouver une solution. Ce qui serait bien, c'est qu'il puisse choper Wurzag. Mais Ventis va jamais le laisser s'approcher. Cependant, Tyrion face à Snitch peut-être. Non, Tyrion qui a raté. Non, Tyrion et Snitch ils sont ensemble. Putain, c'est trop chiant leurs alliances. C'est trop dur à lire. Les bannières bleues avec barre de vie rouge et bannières rouges avec barre de vie rouge. Putain, c'est un enfer. Les elfes sont avec Skaven dans cette game. Les elfes sont avec les Skaven. Oh là là, il a pris un rocher sur la gueule ou quoi? C'est vrai que l'abomination peut se soigner, il est vrai. Il est vrai que ça peut se jouer là-dessus. Oh là là, on va faire fuir ici ces araignées. C'est pas idéal. Cependant, on a encore un petit peu des troupes. Hein. On a encore des gardes des cryptes ici, je crois. Tout à fait, gardes des cryptes ici pour Sansushi. Qui peuvent encore intervenir.
On a encore beaucoup. Hein. En fait, le vrai problème, c'est l'idole de pierre. Mais attendez, on est d'accord que lui, il continue d'avoir des munitions, mais il se fait des dégâts lui-même pour en avoir, c'est ça? Je crois que c'est ça, non? Bon, là, par contre, la jauge, elle commence à être un petit peu sans appel. Il n'y a plus de seigneur. Ouais, côté vampire, il n'y a plus de seigneur, en effet. On a vraiment perdu tous les seigneurs. On a perdu le seigneur côté vampire. C'était qui, le seigneur? C'était pas le nécromancien. Il avait deux rois revenants et un nécromancien. C'était le nécromancien? Ah, c'était Kemmler. Ouais, c'était Heinrich Kemmler. Ok, ok. Ah, je croyais que c'était un nécromancien de base, mais oui, en effet, c'était lui. Ok. Bon, Tyrion, là, tout repose sur toi un peu, frérot. Hein. Oula. Ouais, c'est dangereux, ça. Ah, il veut essayer d'intercepter ses ghouls. Oh! L'assassinat, ici! On va essayer de se débarrasser du grand chef gobelin. Alors là, pour le moment, les dégâts sont pas dingues. Oh là là, sinon, les dégâts sont vénères, les dégâts sont vénères. Est-ce qu'on peut essayer de sniper le grand chef gobelin? Je crois que oui. Il est en train de fuir. Oh là là là. Par contre, Snix, là, il va falloir se planquer. Du côté de Tyrion, mesdames et messieurs, c'est en train de donner tout face à ses gardes des cryptes qui vont tomber. Et Snix qui n'aura pas réussi à assassiner ce grand chef gobelin, malheureusement. Mais là, qui va faire un petit carnage avec ses chariots à loup. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'ils peuvent revenir? Là, le vrai problème... Oh là là, attention, attention! Tyrion qui est dans la mêlée, mais qui est un peu low PV. C'est pas évident pour Tyrion qui a pris des coups, des sales coups, là. Hein. C'est pas bon du tout pour lui. Attention, le grand chef gobelin, là, qui est en train de fuir. Voilà, on va le faire reculer. Tyrion qui va essayer de le poursuivre. Hein. Tyrion qui peut lui faire très très mal. Il peut peut-être le tuer. Ah, là, en plus, il est dans une bonne animation de poursuite. Est-ce qu'il va choisir de le poursuivre? Je ne suis pas sûr. Ah, l'abomination de Malphos, là, qui est en train de faire un carnage sur ses boys orcs. On a encore Snitch, hein. On a encore Snitch chez Tyrion, hein. En gros, c'est ce qui reste des forces, je crois, de Maf et Melkor. Tyrion, Snitch et une abomination de Malphos. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre actuellement. Et en face, on a une idole de pierre. Oh, on va focus l'idole de pierre. On va y aller. On va y aller, mesdames et messieurs. Les trois héros. Oh, il l'a pris de plein fouet. Oh, la vache, il l'a pris dans le crâne. Oh, putain. Allez, allez, Tyrion. Il n'a plus de munitions. L'idole de pierre n'a plus de munitions, hein, officiellement. Snitch qui va aller au corps à corps. Il y a Wurzak qui est en train de surveiller la zone, la scène de son côté. On a des petits des igouillards gobelins qui vont tenter d'intercepter, mais ils en ont rien à foutre. On a Tyrion au corps à corps. Oh, il va se faire écrabouiller. Non, Tyrion va pas mourir pour le moment. Oh, l'idole de pierre qui va tomber, mesdames et messieurs. L'idole de pierre qui va tomber potentiellement. Oh, l'interception de la part de Snitch qui est en train de massacrer ici Wurzak. Et on va peut-être perdre cette idole. Est-ce que Tyrion est encore en vie? Je crois que Tyrion est tombé. Non, Tyrion s'est enfui. Tyrion s'est enfui. Il est là-haut pour le moment. Wurzak qui est obligé de s'éloigner aussi. L'idole de pierre qui va fuir à son tour. Mesdames et messieurs, la jauge d'équilibre qui est en train de repasser. L'idole de pierre qui tombe. Snix qui vient de faire un vol plané. Je sais même pas pourquoi. Tyrion est en train de revenir, mesdames et messieurs. La jauge qui est en train de s'équilibrer. Et qui va peut-être bien revenir en faveur de nos trois derniers héros. Une alliance très très peu probable. Tyrion, l'abomination de Malphos, ainsi que Snix. Le maître assassin. Vas-y Naruto. Vas-y Naruto. Les gobelins qui vont tomber, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, ces trucs-là? Galère tellement. La jauge qui est en train de s'effondrer, mesdames et messieurs. C'est terrible. C'est terrible. L'abomination qui s'est tellement heal en plus. Elle est intuable maintenant. Tyrion qui est encore dans la game. Wurzak qui est dans les fourrés. Là, il se cache. Mais là c'est perdu. Hein. C'est perdu. Hein. Regardez-moi ça. Snix qui est en train de massacrer ses gobelins. Ces petits zigouillards là qui sont en train de fuir un par un. Est-ce qu'on a de quoi éventuellement revenir? Ok, quels sont l'état des forces ici dans la forêt? Ok, on a quelques... Boah, c'est pas clair. Hein. On n'aura jamais assez. Hein. Ah, c'est dommage en fait parce qu'ils les ont tenus un peu trop éloignés, je trouve. Ou alors peut-être qu'ils essayaient de chase des unités en particulier, je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. On va se débarrasser de ces zigouillards juste... Ouais, bah là, clairement... là, c'est... cakewalk. Aucun problème. À côté orc, là, on n'a plus rien du côté de Sansushi. On a tout perdu. On a tout perdu maintenant qu'il n'y a plus que Eventis qui va envoyer ses troupes de face. Tenter le tout pour le tout, mesdames et messieurs. Snitch ainsi que l'abomination. J'aime bien le fait que l'abomination tank pour Snitch.
Oh la vache, il a détruit instantanément un chariot, je crois. Attention, hein. Cependant, Snix, oh, Snix, qui pourrait fuir là-dessus. Non, son moral revient. Quoique. Oh, si Snix fuit, il y a un monde où ça peut se jouer. Tout n'est pas encore fait, mesdames et messieurs. Oh, attention, ici. La tempête de lames, ici, qui a été envoyée par Snix. Oh, le mot... Oh, il lui a fait un drift dans la gueule, il a pas compris. L'abomination, cependant, qui est en train de massacrer ses araignées. Le moral est pas bon, hein. Le moral est pas bon du tout. Peut-être que Wurzak peut essayer de terminer Snix, je ne sais pas. Faut essayer de claquer les cooldowns. Faut essayer de lui forcer les cooldowns. Oh, Tyrion qui a un point de vie, mesdames et messieurs. Tyrion, actuellement, il est à combien? Tyrion qui a 59 HP. 59 HP pour Tyrion, il pourrait tomber maintenant. Il pourrait tomber maintenant ici, le prince aux elfes. Va-t-il tomber maintenant? Oh putain, est-ce qu'il va tomber? Oh, oh là 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 là, mesdames et messieurs, Tyrion, va-t-il tenir? Tyrion donne tout. Tyrion qui est entre la vie et la mort face à ses araignées. Oh, il fait tellement de dégâts. Snix aussi. Oh, Wurzak peut-être. Oh, Wurzak qui arrive avec la frappe. Watch out. Tyrion qui s'est fait assassiner par un coup de hache de Wurzak dans le dos, là. Très, très belle charge ici. On va tenter de venger Tyrion avec l'abomination, mais ce n'est pas le cas. Et là, la jauge est toujours compliquée, mesdames et messieurs. Pouah, le coup de hache tord, le qui coupe dans la trachée, là. Oh, c'était vicieux. Vicieux, là, de la part de Wurzak, là. Brutally cunning, comme on dit. Oh, attention, le moral qui est pas bon pour Snix. C'est peut-être l'occasion de faire une charge déterminante pour le Wurzak, ici. Le boss orc qui pourrait éventuellement venir sceller le destin. Oh, le coup de hache. Bam. Attends, il l'a eu ou pas? Non, il l'a pas eu. Snix est encore en vie. Oh, oula. Attention, cependant, le sigil qui vient d'être POC. On est route du côté de Wurzak. Snix qui va arriver dans la mêlée. Ah, Wurzak qui essaye de partir. Oh, le sprint. Oh, les dégâts. C'est dur pour le chef orc là, qui en plus n'a plus de morale, qui va peut-être fuir ici. Non, ça va, le moral va revenir. Tramé Snix et l'abomination de Malphos, seul contre le monde, qui sont en train de tenir pour le moment. Tramé, cette abomination, c'est un vrai problème, hein. Il faut absolument que les araignées orques reviennent. Les araignées gobelins, là. Putain, il a combien de HP, Snix? Maître Assassin Snix, 547 HP. 2200 HP pour l'abomination. Tandis que du côté de Wurzak, on a 1260 HP. Ah, c'est compliqué, hein. On a plus que deux unités pour Eventis, mesdames et messieurs, je crois. Aïe, on va se faire intercepter, peut-être. L'animation de charge. Ah, c'est pas bon. Non, on s'est pas fait intercepter, mais... Oh! En fait, il cherche. Le problème, c'est qu'il est furtif, Snix. Il n'arrive pas à le trouver. Et ces araignées vont pas pouvoir intercepter. Aïe. Là, c'est l'abomination. Ah, l'abomination va se retourner, je pense. Oh là, elle se contorsionne bizarrement, là, l'abomination. Voilà, oh, là. Non, c'est trop dur. Wurzak qui va peut-être se sacrifier, là. En tentative désespérée. Face au boss de fin. Oh la vache. Oh, non. Là, l'abomination, elle va le défoncer. Et c'est perdu, mesdames et messieurs. C'est perdu. Quel comeback de fou, mesdames et messieurs, pour Maf, ainsi que Melkor. Et B... Le chèque est parti gratos. Oh là, j'en pouvais tellement plus. C'est un ennui, les fins de game. Oh là là. Mec, t'es ouf. C'était ultra serré. Genre, quand vous avez perdu. Enfin, en vrai, on pensait vraiment que c'était vous qui alliez gagner. Hein. Ah, nous aussi, hein. On était aussi convaincus que c'était plié au début. On est zéro tueur de héros et Tyrion, au secours, comment il a tanké. Ouais, et bah, Tyrion est là beau. Hein. Mais Tyrion. Il a fait des triple kills et tout de Tyrion, de chevalier de sang. Oh. Mon gars, Tyrion, il rigole zéro. Hein. Il avait combien de kills, j'ai pas vu à la fin. 154. Ah ouais, non, mais... Par contre, le petit coup de qui coupe de Wurzak dans la trachée de Tyrion à la fin, qui est arrivé dans le dos en mode « Allez, tiens, toi, là !» Vraiment, il l'a fini de manière tellement genre vicieuse, Eventis, c'est vraiment un punk. Ah, mais moi, j'ai ragé sur ce moment-là, parce que ça faisait 30 secondes que je cliquais comme un malade sur le chaman d'Eventis, et Tyrion, il bougeait pas.
il attendait son coup de kick dans la gueule. C'est ça que je... Genre vraiment, enfin moi je suis vraiment pas fait pour ce jeu parce que... Ça me rend vraiment con les trucs où t'es en train de cliquer. Ouais, ça réagit. Et t'as l'impression de jouer une EHPAD quoi. Genre les mecs sont en mode quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Et y'a rien qui réagit. Ça me rend fou. Vraiment. Ah ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. J'avoue, un petit Krell là, ça aurait pu être pas mal. Et il se dégrade avec le temps donc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, et l'idole sauvage des Ventis par contre, je vois. Wow. Ouais, l'idole, on avait rien pour aller la chercher. Hein. Ouais, 247 kills. Mais au début, vous l'avez tellement bolossé. Genre, je me suis dit, ouais, l'idole, elle va pas jouer de la game. Et au final, elle était tellement loin, elle arrivait quand même à faire des bons dégâts. T'as bien joué de la mettre en arrière, Eventis. L'idole, comme elle était là-bas derrière et qu'elle balançait des trucs, j'étais obligé de focus mes deux canons dessus. Et vu qu'ils ont pas réussi à la tuer, c'était vraiment ressource utilisée à rien. Bah si, parce que du coup, pendant tout le temps où ils ont focus, elle tirait pas gratos sur tes units. Donc c'était quand même bien. Si elle tirait. Si elle a tiré, hein, bah, mais... Ouais, mais il l'a fait reculer. Les canons t'empêchent pas de tirer. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu l'as pas fait reculer, Eventis, ton idole, quand elle s'est fait voler? Si, mon idole, dès le début, elle est partie... En fait, je l'ai fait dans la bac, histoire qu'elle perde le focus des canons, et je pense que ça a pas été micro, et ensuite elle était tranquille. Ok. Bah, c'est juste qu'avec les chauves-souris et les chevaliers de sang qui sont arrivés sur mes canons, j'ai pas pu les défendre. Donc ils sont partis. Eh ben, c'est un petit un partout dans le BO3, alors. Moi, je vais être très honnête, je vais arrêter là parce que je prends zéro plaisir à jouer, en fait. Ok, bah, pas de soucis, Ventis, écoute, pas de problème, tranquille, c'est pas grave. Non, mais désolé, mais genre, vraiment, c'est... Non, mais je préfère laisser la place parce que, genre, juste... Enfin, non, mais t'inquiète. Non, mais faut pas te forcer à jouer, hein. J'ai juste l'impression de me battre contre un software que je comprends pas et ça me saoule. Mais tu disais pas ça avant? Nouveau ça? Non, bah en réalité non, mais Total Warhammer 2 ça a été un jeu, c'est toujours un jeu que j'ai kiffé avec les potes, mais genre j'ai... Ok, on n'est pas tes potes, on a compris. On a compris, on n'est pas tes potes. Le message était clair quoi, là il est parti d'un coup là. Plus clair, ouais. Aïe. Et c'est pas pour rien que je joue les nains, hein. Au moins les nains j'ai pas besoin de les micros, je clique et je regarde quoi. Au moins c'est joli. Non mais c'est vrai que c'était Alpha qui disait ça au niveau de la réactivité, c'est vrai qu'on... Sur Warhammer 3 j'aimerais bien qu'il bouge et qu'il y ait de la vraie réactivité. Oui, clairement, hein. Oui. Si sur le 3 il y a de la réactivité, ça me ferait plaisir parce que là vraiment genre c'est... Ah non mais t'inquiète, moi aussi, Tyrion qui écoutait pas ce que je lui disais, j'étais fou quoi. Ah faut spammer hein. Ah oui. Faut spammer. Vas-y je vais jouer Kwe moi. Bon, allez. On change pas les équipes un peu ? Si vous voulez. Moi ça me va, on peut... C'est vrai que j'ai pas joué avec toi, Maf, ce soir. C'est vrai que j'ai pas joué avec toi, Maf. Oui. En effet. Allez. Attends, j'ouvre un truc, comme ça tu peux... Ouais. On peut switch. Toc. Voilà. Parfait. La map. Ah, celle-là, elle est encore pas mal. Oh ouais, elle est assez fun. Allez. Alpha, tu veux jouer KO? Ah bah oui, hein, j'ai peint des maraudeurs toute l'après-midi, je joue KO. Hein. Alors, je t'accompagne. On va faire le remake de la campagne de la Chaos Corp. Au secours. Morgue est moins pété. Aussi cheaté. Non, il est moins pété qu'en campagne. Ah. Il est fort quand même. Bon, bonne game, les gars. Ouais, oui. Un bon game. Attendez, je me swap. Swap. Hop, rue. Hop là. Alors, Empire aux elfes. Alors,
Ouais, Empire aux elfes. Ouais, je reconnais, je vais me faire plomber le cul, moi. Oui, on va se faire plomber le cul. Va falloir du monde pour les contourner. Ça me fait penser ta figue, la figue que t'as peinte, les maraudeurs du chaos là, les effets de sang que tu fais, ils sont trop bien faits. Ça, en fait, c'est con, c'est tout con, c'est de la peinture rouge avec du lavis, pas du lavis, du merde. Comment ça s'appelle? Ah, dilué. Du vernis. Avec du vernis dedans, et du coup, ça fait un effet très brillant sans frais. Ouais, bah ouais, c'est ça en fait. Donc, ouais, c'est vraiment bien comme truc. Ça rend super bien quoi. Quand je voyais, c'est sur les boucliers ou sur la lame. Tiens, ça rend vraiment bien quoi. Ah, c'est cool comme effet. Si tel était cool. Bon, alors, moi, du coup, je me prends quelques élus. Hein, quand même. Oui, hein. Armes lourdes. On va avancer. On va essayer d'avancer sans s'arrêter. Bah, ouais, hein. Moi, ça me paraît bien. Hein. Ah, moi, ça part sur de l'elfe noir, Melkor. Je vais prendre une vraie ligne de front, moi. Ah, y'a ta voix qui bug encore un peu. Ah bon? Bah ouais. À croire que ton PC a du mal avec les trucs vocaux. Bah non, bizarre. Mais je pense qu'il y a un... C'est Discord qui déconne ce soir, je pense. Bah Discord et TS. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on sortirait un petit Jabber Slit? Je l'ai jamais essayé en multi, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ah ouais. Ah ouais, ça peut être funky ça. Avec ses dégâts directs, avec ses dégâts de zone au corps à corps, il peut être bien casse-couille. Bon, je vais prendre beaucoup de mobiles. Moi, je vais être en full front infanterie. D'accord. Bah, du coup, justement, moi, je vais avoir pas mal de mobiles, du coup. Moi, je vais être là-dessus. Mais je vais manger un petit truc. Je reviens. Ça marche. Plus d'attaque, plus de défense. Ouais. Plus de commandement aussi. Je vais me faire trouer le fion. Mais non. Ah merde, j'ai pas de mage. Ah, les réflexes. En vrai, ouais, c'est ça, je joue nain et empire. Ah, nain et empire maintenant. Oh. Ouais. Ça va être dur, hein. Prends quoi comme magie? Moi j'ai Arcachon. Ah ouais. The fire. J'ai Arcachon. Vas-y, moi je vais tenter comme ça. Avec vraiment full front, faut vraiment que t'aies full agression toi. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de mobiles. Je vais prendre une invocation de Manticore en plus, la petite lance d'ambre. T'aimes bien la lance d'ambre toi, non? Ouais, bon, c'est toujours fun. Ça n'a pas toujours des très bons résultats, mais c'est fun, c'est festif. C'est la festivité, la lance d'ambre. C'est pour ça que j'aime bien. Comme les têtes enflammées dans les murs. Bah oui. Quel cauchemar, ça. Tiens, j'espère que ce sera fixe sur le 3 aussi. Oh, j'arrive à 0. Incroyable. Allez go! Bah moi je suis à... Non, je suis à 16, ça me dégoûte. Ah, 0, c'est le bon signe. Les maraudeurs vont servir à quelque chose. Bien sûr, ils vont mourir avec gloire. Avec gloire, avec panache. Par le feu sacré de l'artillerie de l'Empire. Alors... Ils vont avoir une petite position défensive qui vont... autour de laquelle ils vont sûrement s'articuler. Oui, c'est sûr, ça. Mais c'est un peu un piège, hein, ce truc, parce que tu peux pas en bouger non plus. Ils vont jouer la camp, peut-être. Ouais. Oui, à mon... Bah, nain, empire, il y a des chances, oui. Ouais, ouais.
Imagine, ils nous surprennent et ils font une compo full déplacement. Que des cavaliers. Non, je déconne. Mais imagine. Que des cavaliers et des unités de nains sur les épaules de joueurs d'épée. Ah, je peux planquer, mais. Ah ouais, mais j'avoue, moi j'ai tout, mais. J'ai masse déploiement d'avant-garde. Oh là là. Ah oui, bah tu fais ce coin-là. Ou alors on on va tous dans ce coin-là. Non, mais moi je vais mettre sur ce coin-là. Quel enfer. En vrai, moi je pense que ça va pas être si terrible que... Moi je vais juste utiliser mes maraudeurs. Ça va être un cauchemar à micro-gérer mon armée, mais ça va être rigolo. Ok, moi j'ai cette partie de mon armée. J'ai Arcachon. Arcachon. Moi je peux complètement avancer sur la fronte avec mes maraudeurs. Hein. Pour prendre les coups à la place de Théâtre de Gore. Hein. Ouais, ça marche. Ouais, mais Gore, ils sont surtout là pour faire un peu peur et faire un peu de pression au centre, mais ils sont pas là pour faire vraiment du dégât. Je sais pas s'il va sortir beaucoup de caves de son côté. Ouais, bonne. Toi, Camille, prêt ? Non, c'est eux. Oh, en plus, okay. Ils se mettent prêts le plus vite possible, les salauds. Non, non, c'est moi qui ai mis le deuxième. Ah, ok. Bah je vais le mettre aussi moi. Allez. Ah ils ont du nombre quand même. Ah ouais, quasiment autant que nous. Ah ils ont des chevaliers du soleil flamboyant. Ah ils campent vraiment sur la... Mais vraiment hein, j'ai envie de les insulter. Ouais mais par contre là ça va leur faire très mal. Hein. On a beaucoup trop de mobiles qui va arriver derrière. Bonjour à tous. Petite tête enflammée, salut à tous. Oh là 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 là. Ils vont pas du tout aimer ce qui va leur arriver là. Oh oui, je confirme, ils vont prendre tarif là. Allez, je vais les intercepter là. Un sorcier de la lumière, tiens. Oh merde. Ça va rien ça. Alors, est-ce qu'il y a... Je crois que ça va aller assez vite. Ah ouais, tu les défonces ? Bah écoute, là, leurs tireurs sont complètement à la ramasse, quoi. Leur front est neutralisé, quoi. Ah ouais, bien. J'aime bien entendre ça. Allez, la petite pluie. Ça va les calmer, les arcs. Oh putain. Oh, je les ai détruits. Bon, Arcachon, il s'amuse bien. Oh. Allez alors. Oh la petite lance d'ambre. Oh la petite lance d'ambre. Piou. Oh petite lance d'ambre. Ah t'as fait un carnage. Oh là là. Oh ouais là là. Elle a fait mal. Ça c'est la lance d'ambre que j'aime ça. Ça c'est ma lance d'ambre d'amour. Ça c'est la bonne lance d'ambre. Ah, j'ai perdu un. Et la bonne lance d'ambre et la mauvaise lance d'ambre. Exactement. Oh j'ai perdu toute ma cave. Bon, mes petits élus du chaos, là. Oh, que je les aime. Oh, qu'ils sont beaux.
Oh, Volkmar. Ah, le petit Volkmar. Allez, chevalier du soleil flamboyant, ils vont se faire bouffer. Ok, ça revient. Ah, il les a micro au bon moment. Ouh non, pas ça. Aïe, 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 aïe. Ouais, finalement, je croyais qu'ils étaient finis, mais pas tellement. Ah ouais, mais toi, y a ton infanterie qui arrive seulement sur... Ah, je suis sur leur... Ah, ils ont le truc, là, les lions noirs, là. Oh là là, le bannissement. Allez, là. Mais Chosen, là, par pitié, là. Paf ! Allez hop, deuxième lance d'ambre qui est bien parti là. Oh, Morgur, comment il tient au centre ? Oh. C'est beau ça. Allez, les canons, ça va tomber. Oh là là, le Jabber Split qui fait des roulés. Ça va faire mal là, le. Regarde ça. Ah, c'est sur ton héros, désolé, c'est sur ton héros, hein, mais c'est pour la science. C'est pour la science, c'est sur ton général, mais c'est pour la science. Wouhou ! Ah, secours ! Ah, putain. Oh, le cas. Tu auras fait mal là. Ils ont pas trop aimé, non. Volkmar, il. Aïe, aïe, aïe. Le petit Volkmar, il est où ? Eh ben, il me fait mal. Bon, si je neutralise pas ces trucs aussi, ça va être pas évident. Ok. Je vais essayer d'intercepter les lions noirs, moi. Ah oui. Ah, ils se baladent toujours, là ? Ils sont où ? Ouais, ouais. Ah, merde ! Attends, je pourrais essayer d'y aller aussi. Oh, il y a du buff et du debuff dans tous les sens. Ah, quelle saloperie, les lions noirs. Je vais essayer d'aller les chercher. Non, mais c'est bon, je suis dessus, moi. Ok. Voilà, c'est plus qu'une question de formalité, mon cher. Ils ont des trucs qui reviennent, hein. Il y a quoi, là ? Ah, il y a du tueur de géants. Ok, il y a de l'arquebusier là-bas. Je vais essayer d'aller les chercher. Bon, bah, c'est bon. Complètement intercepté, leur... Thorgrim the Great. On va voir ce que ça donne, Thorgrim the Great, face à des élus du chaos à armes lourdes. Bon courage, mec. Ah ouais, ça c'est. Bon, je suis en train de choper les lions noirs, là. Parfait. Ok, il y en a un détruit. Hop, les lions noirs, ça fuit. Ah là, ils ont perdu des grosses unités, quand même. Ouais, là ils ont. En fait, la map était bien pour nous parce que on était vraiment direct dans leur bouche, quoi. Et puis les spawns. La map est assez petite, ouais. Les spawns dans leur dos, c'était pas mal, quoi. Ah oui, oui. C'est sympa, les spawns dans leur dos. C'est confortable. Ah, ça nous met dans une posture agréable. Hein. Eux, non. Hein. Nous, oui. Hein. Eux, non. Hein. Agréable, c'est pas comme ça que je qualifierais le truc, non. C'est pas le mot. Ok, les lions noirs sont morts. Ah, il y a Volkmar, le petit... Ah non, Thargrim. Putain, Thargrim, il fait du travail. Eh, mes maraudeurs ont survécu. Ouais, c'est gagné. Il est costaud. Hein. Incroyable, c'est gagné, les amis. Ouais, là, c'était le rush un peu violent, quoi. Ah bah là, pour le chaos. Hein. Bah oui, bien sûr. Pour le chaos. Ouais, je pensais vraiment qu'on allait se faire péter de la tronche, mais non, ça va. Ça s'est bien passé. Alors là, l'agression si tôt sur leur ligne de tir, ils l'ont pas kiffé du tout. Pas des masses. On va voir s'ils ont passé un bon moment, hein, écoute. Écoute, on les entendra. Ils ont insulté éventuellement. Ils ont quitté. GG. GG, mec. Belle game. Belle agression chaotique. Archaon, oh putain, il a fait 20 000 de dégâts quasiment, Archaon. 132 kills. Ah, il s'est fait plaisir.
Il a fait 170, mon chaman. Tu vois la petite lance d'ambre, là? Ah ouais. Ah, ça croustille bien, la lance d'ambre. Si tu lances ça dans un blob niveau 2, ça tape, hein. Ça tape, hein. À ne pas mettre entre toutes les mains. C'est ça. Attends, je vais nous swap. Ouais. GG, ouais. On voulait pas se faire tirer dessus. On a foncé. On a bien vu. On a bien vu. La map, elle voulait pas nous laisser tirer non plus. Bah la map, ah oui, pour le coup, là... était plutôt en notre faveur, ouais. Mais bon, ça, ah, au moins ça change. Elle était spawnée sur nous. Ouais, il y avait des spawns dans les coins. C'était... Ouf. Ah putain, j'avais 666 hommes restants. Ah oui, oui, j'avoue. Le chaos RP jusqu'au bout. C'est beau. Eh ben GG, messieurs. Ah, et les arquebusiers, je sais pas, je pensais qu'ils allaient tirer là, sur leur petite butte. Mais apparemment, non, il y avait un dénivelé de trop et les mecs, ils ont dit non, on tire pas. Ah merde. Ça vous dit de faire un petit FFA pour finir? Ah ouais, tiens, c'est vrai que ça existe aussi, les FFA sur ce jeu. Ah ouais. Ouais, vas-y. Vous êtes chaud? Oui. Allons-y. Moi, ce sera Malast. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Salim. Seul contre tous. Celle-là, elle est encore rigolote, je trouve. Ouais, avec le gros cratère au milieu, là. Le fion terrestre. C'est plutôt thématique, on va dire. Qu'est-ce que je vais jouer, moi? Qu'est-ce qu'on va jouer? Allez, pour faire plaisir à Alpha. Quoi? Pourquoi ça me ferait plaisir, les hommes lézards? Un petit Gorok. Non, oh, putain, je te déteste. Je le hais. Je le hais. Les spasmes de douleur. Putain, quel enfer, Gorok. Putain. Ah là là. Ouf, ah oh, c'est cher ça. Waouh. C'est vrai que les unités hommes lézards, ça coûte, hein. Comment ça chiffrer, quoi. C'est ça. La réflexion est à son comble, madame et monsieur. Effectivement. J'ai envie de faire des trucs débiles, mais... Moi aussi. Bon, allez, les free-for-all, c'est fait pour ça. Bah oui, hein. Voilà, faut y aller, hein. M'a tout en fait. M'a tout en fait. Allez, on va se faire défoncer le fion pour la cinquième fois de la soirée. Ah, j'avoue, Melkor, toi, ça a été full des... Oui, j'avoue. Non, t'as eu une victoire. Ah oui, on a eu une victoire, oui, on a eu une victoire à l'arraché, c'est vrai. Je vais tenter ça, moi. Les elfes Sylvain Durif. Ça aurait été bon. C'est dommage, Troma, au final, il m'a dit go, et puis il est pas venu, et puis il m'a laissé dans le vent. Super. Ouais. Super, quoi. Super, fois, les, hein. Super les potes, super les amis.
Tu perds les alliés. Des amis. Non mais ça c'est parce que t'as pas joué contre lui Warhammer 40 000. Oui non mais je crois que tant que ces custos ne seront pas sortis de la vitrine, Troma nous considérera comme ennemi public numéro 1. C'est fini. Mais le pauvre, il est tellement chaud. Laissez-le ah oui. jouer cet homme. Ah mais Alpha sera chaud hein, quand le codex sera sorti. Voilà. Il peut venir jouer à Kill Team, hein, y'a pas de soucis. Et hein. surtout que j'avance petit à petit, hein, je fais un Pathfinder par un Pathfinder. Mais j'avance petit à petit. T'en es à combien de points là à peu près? Bon, en vrai, je devrais avoir assez pour jouer, hein, mais si je socle ma Riptide. Mais, Même sur ta Riptide, je pense que t'as assez pour du 750 et du 1000 points. Ah oui, oui, pour du 750, j'ai large assez, oui. Oui. Bah, pour une première game, c'est bien. Ça suffit, hein. Non, clairement, clairement. J'ai ce qu'il faut. Moi, je suis content, je me suis. Là, avec le Gladiator que j'ai fini cette semaine, je suis à 2100 points de Space Marine. Petit Gladiator. Des fois, j'ai envie de tester une liste avec 3 Gladiators. Ah oui! C'est fort! Non, Gladiator, c'est pas si fort que ça, mais je sais pas, des fois je me dis, le Gladiator Lancer, en fait, il peut avoir tellement de. Des fois, il arrive tellement à mettre des patates de fou, que je me dis, en avoir 3, c'est pas si cher que ça en points. Tu peux avoiner des personnages ou des chars adverses. Je sais pas. À 2000 points, j'ai envie d'en avoir 2. Mais plus pour le côté double Predator, un peu à l'ancienne, mais version Primaris. Ouais. C'est horrible à tomber. Un anti-infanterie, quoi. De quoi? Apparemment, c'est horrible à tomber un gladiateur. Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Le répulseur est pire. Comparé à un Devil Fish. Ouais, mais Devil Fish, ah, c'est oui. une boîte en carton. Mais c'est combien de points, Devil? Ouais, mais Devil Fish, t'as beaucoup plus d'armes dessus. Non, oh. non, y'a rien. Hein. C'est des guides. Ah bon? C'est un transport. C'est un bus Apple. Un bus. C'est le bus. C'est un Apple Store volant. C'est une caisse qui vole avec 2-3 guns dessus, mais surtout. Et c'est climatisé par contre à l'intérieur. Ah. Et, et ça sent bon. Il y a des vendeurs. Il y a des vendeurs Apple à l'intérieur qui vous vendent des carabines à impulsion pour peu cher. Mais en gros, Maf voit ça comme un rhino volant. Ah, mais avec une meilleure isolation, bien sûr. Et... Ouais, je comprends. Et mieux, un design largement supérieur. Voilà. Comparé à votre grosse boîte de conserve dégueu qui pollue là. Eh oh, te moque pas là. S'il y a plus d'écologistes pour se plaindre derrière, il y a plus de problème. Et... il ouais, y a plus de planète. La solution. C'est bon, Lesbo. Nous avons trouvé la solution au problème de l'écologie. La période de solution, s'il n'y a pas de problème. Ils vendent des high guns. C'est ça, ils vendent des high guns. Ah la vache. Ceci est une révolution. Le Eigen est incroyable. Alors, let's go. Allez, eh bien, après, allez tous crever, voilà. Eh oui, bah, ouais. Crevez bien. Ouais, ouais, je tenais à dire avant qu'on commence que je vous déteste tous. Ouais. Voilà, cordialement. Personne vous a jamais aimé, moi je tiens à vous le dire. Ouais, allez, tout ce que j'ai fait, c'était par intérêt. Voilà. Je tiens à rappeler. Ça me paraît logique. Wow. Sauf pour mon allié. Ah, quand même! Ah, ça y est, si on voit des messages, ah. Bah, bien sûr! Oui, non, mais d'accord. Vous êtes quel côté, Ali? Vers la droite. Ah, okay, c'est bon, je vois. Melkor, je tiens à te dire que j'ai vraiment rien contre toi dans cette game en particulier. Sur Dawn of War, je sais pas, j'avais pas confiance. Mais là, je me sens plus en confiance avec toi, tu vois. D'accord, non, mais moi aussi, j'avoue que j'ai pas mal de confiance aussi. À l'aide? Je sens le plan cul là. Je sens le plan cul tout ça, là, je reconnais. Oh là là. N'oubliez pas que pour gagner à FFA, faut juste gagner des points. Ah oui, c'est vrai ça. Faut pas nécessairement être le dernier survivant. Oui. Je suis prêt moi, messieurs. Ça me fume. Je suis prêt de même. Beastmaster 69. Pardon. Vas-y, eh bah, que le. Oula! Oh, mais c'est que vous avez un déploiement. Qu'est-ce que c'est que ça là? Son sushi, il a fait que des halous. Il a fait des halous pareil. Partout. Quoi? Ah putain. Son sushi, il a fait que des halous. Putain,
Putain, cette arène, je l'avais jamais faite, je sens que ça va être folklore. Ah, c'est particulier. Hein. Ah oui, ça se règle instant de là-bas, là. Ah ouais, bah y'a pas le temps, on a pas le temps. Ah, regarde ça, les points qui grattent, là. Ça me va pas, ça. Oh, la Bastiladon, c'est pas rigolo, ça. Aïe. Ok, je rigolais. Ah, je repars. Je m'en vais. Aïe. T'es censé perdre en précision quand je te touche. Mais qu'est-ce que... Don't mind, je participe un peu. Je vois. Je participe un petit peu, moi, ça ne vous dérange pas. Mais really? Quoi? Ah mais putain! Mais... Quel sac. Comment quoi? Ah oui, non, mais d'accord! Allié. Ah, c'est... Ah, non, mais c'est pas, pour... c'est pas sur vous que je visais! Ah ouais? Ah putain! Ah bah c'est raté, hein! Ah bah d'accord! C'est bien raté, même, merci! Hein, excusez-moi, je ne visais pas sur vous! Oh, ça, ça a fait des points! Bon bah GG. Quoi? Oh là t'es... Là non mais me dis pas que t'es mort comme ça. Bah mec j'ai plus rien. Mais j'ai mis une abîme de noirceur. Tu l'as mis sur tous mes... Tu lui as réglé son armure. Tu m'as mis sur tous mes flanqueurs, du coup il a tous ses archers qui sont free, je suis baisé. Attends, je vais mettre une abîme de noirceur sur ses archers. Non. Putain la trahison, je suis désolé. J'ai juste plus aucun... Ah c'est tout, t'es ralou compris. Yes. Ah merde. Plaisir. Mmh. Non mais après, vous cherchiez les problèmes, non? Il a marqué des points quand même, hein. Oh, Rider crossbows, destroy! Cold-blooded killers! By Drakira, moving out! C'est encore le Tyrion des Enfers qui veut pas crever. Bah, c'est pas le genre de la maison. C'est juste qu'il a pas envie de mourir, c'est pas pareil. Il a pas envie de participer! A bonk. Alpha, il fait plaisir en tout cas. Orders going. Maul. Pull back. We are ready. Hack cut. Ah, c'est dur là par contre. Oh mais sans souci. Battle ready. Attack. Lord Merciless. Kill. Shenlu, kill everything. End them. Striking out. Ready. The merciless host. Into position. Carnage awaits. Oh putain, Gorok, Nick. On sent un léger traumatisme. Je le hais. Moving out. Battle ready. Chariots! Onward! Carnage awaits! Death! Eager! Setting forth! Ah ouais, mais les unités qui sont pas réactives, ça dégoûte quoi. Ouais, ça peut être assez chiant. Oh, je te laisse, hein. je vais regarder comment ça se passe chez eux. J'en chie! J'en chie, ça casse les couilles! Ah, je vois que ça a l'air compliqué en effet. Les sacs à main n'ont pas envie de se laisser faire. Non. Venez, vous verrez, on est bien. Je vous assure, on est vraiment bien dans notre nation. Putain, mais Sansou, il est tellement bien en point. Ah ouais, bah il s'est fait plaisir. Il s'est fait suicider un peu.
Ouais, il a été aidé, faut, on va pas se mentir. Au secours. Moi je fais des zooms. À l'aide. Ça a l'air compliqué, mon cher Alpha. Grog de ses morts là. Il y a une momie aussi à détruire. Ah, je fais pas des masses de points en attendant. Ah non. Ah la momie là. Ok Khan, la momie, elle nous emmerde tous là. Merde. Elle est morte. Oh let's go, oui. Et la momie. Pourquoi il monte au ciel là, c'est ça? Il monte au ciel encore. Une deuxième fois. Bon bah y'a plus que Gorok. Ça se passe pas très bien mon cher Maf, j'ai l'impression. Non, je fais pas assez de points. Ah, Gorok fait de l'acupuncture, j'ai l'impression. Ah oui, bah oui. Évidemment. Ça a l'air compliqué sans Sushi niveau armé. Je fais tellement pas de points. Bah Alpha il en a fait des points. Oh ouais. Du ping, du ping, du ping, du ping. J'ai pas de DPS moi en fait. Enfin si mais lent. Ah ouf. Ah non d'un fion. Ah, oui. Coucou. Bah dis-toi que ça, sans sou, il a pas aimé. Non, mais j'apprécie moyen aussi. Bizarrement. Aïe aïe aïe. Étrangement. Allez les sacs à main. Ah oh, comment il m'a ouvert. Let's go. Et Gorok, t'es le next. T'es le prochain, ça vous prie. On sent une petite vengeance là quand même. Tu vas crever, oui. Il va m'ouvrir la gueule maintenant, je vois. Tu lui as mis ses améliorations, j'espère, moi. Oui. Par contre, elle est où l'autre armée? Attends, elle est où l'armée? Bah attends, mais ils sont où les autres? Oh putain. Les autres sont morts. Voilà, mais il se fait bolosser. Oh, mon leader se fait déchirer. Bah oui, il fait Gorok quand même. Allez. Ah, il a plus de morale. Non mais cherche pas en fait, il y a plus d'armée. Nah. Là, il se fait plomber le cul. Ces sombres traits de leur mort. Ah, les sombres traits, j'adore. Aïe, aïe. Let's go. Bah, Sansu, il est encore là. Ah oui. Sansu, il prépare sa vengeance contre moi. Putain, bah malgré tout, j'ai vraiment pas fait de kill. Hein. Regarde, je suis à 7000 points. Ouais, j'avoue. Après, c'est peut-être la valeur des kills qui est importante. Je pense que c'est la valeur des kills, ouais. Ouais, mais même, je t'en ai pas fait beaucoup, quoi. Oh putain, mais il a encore des troupes, mais à l'aide. Mais attends, Gorok, il va se reformer. Non. Non, je veux pas, non. Sûr. Allez, quoi, t'es pas joueur. Non. Il est mort, il est mort. Arrête de faire l'enfant. En fait, tu veux sa tête dans ton... dans ta salle de stream, c'est ça? Exactement. Je veux ça suffit. Ça suffit, laissez-moi tranquille, monsieur. C'est de l'acharnement. Je veux sa tête. Prochain cadeau pour monsieur Cast. Ah non, mais moi je le laisse pas partir, c'est hors de question. Ah non, mais il me lâchera pas. Ah non, à moi c'est bon, hein. Gros car un HP, je veux pas revivre deux fois ça. Mais là, s'il lui reste un HP, il le lâchera jamais. Sansu pourrait détruire l'armée de Alpha tant qu'il arrive à tuer Gorog. Attends, mais... Ah, parce que Melkor s'est fait tuer. Mais... Ouais, Melkor, il est éliminé. Putain, mais Sansu... Mais l'armée de Sansu est où, en fait? Caché. Ah, oh là là, c'est terrible. Le cadavre gisant dans le sable. Il avait donc une limite. En fait, il fait la sieste. Et là, il va se relever, il va aller péter la gueule.
Ah mais là il va me mais sans sous. Ah mais il m'a éclaté d'ailleurs. Sans sous qui vient de nulle part. Ah ouais mais sans sous il a masse. Mais c'est perdu là. Par contre, attends, il a vraiment réussi à se renvoler de son sorcier alors que je l'ai immobilisé au sol? Ah, ça arrive parfois, ça. En fait, c'est une question d'animation. Si tu balances le sort alors que l'animation était lancée, il décolle quand même. Oui. Les animations sont un peu lentes parfois. Destroy! Oh là là. Bon, de toute façon, là, vu les scores, ça... Allez, mon bon vieux garde-noir, là. Ouais, c'est vrai que Sansu putain, reste... c'est une maître assassin, à l'aide. Je pense que là, Sansu, il arrivera pas vraiment. 12 000 sur 16 000, ouais, c'est compliqué de j'ai revenir. Tout le commandement qui se perd. Ouais, là, c'est terminé. En plus, il se fait niaquer le cul par la Manticore. Let's go. GG Alpha. Et ben GG, oui, la petite abîme de noirceur. Et moi, j'aime trop Vincent en FFA. Alpha, le gratteur d'abîme. Et tu sais que ça m'a fait 3000 points gratos. J'ai fait 3000 points d'entrée de jeu. Sans même claquer n'importe quoi. Let's go. Et ben. Allez, GG. Cralala. Ah, les elfes noirs. Toujours un petit plaisir, les elfes noirs. Les chars à cours et les arbalétriers à répétition sur cheval, là, c'est vraiment fort. Ah ouais, ils ont fait combien tes chars à cours Mes chars à cours, ils ont fait 7000 de dégâts, 9900, et les arbalétriers, 14000 et 11700. Arbalétriers à répétition, wow. Cavalier noir, c'est trop bien, je trouve. C'est si fort. Ouais. 10000. Ça plombe de ouais, chez les elfes noirs, c'est très très fort. Ça plombe le cul de ouf. Et 30000 pour ta sorcière. C'est deux fois plus que Croak. Secours. Ah ouais, mais magie de l'ombre, hein. Moi c'est mouah, magie de l'ombre, j'adore. C'est ouais, bien. En plus t'étais sur Pégase, y'avait personne pour te contester les cieux, du coup t'étais bien tranquille. Oui. Quoi. Ah ouais, non, mais sortir sur Pégase, moi j'aime trop. Hein. C'est vraiment bien. En free for all, tu m'étonnes. Ah bah bonjour, ouais. Je vais vous prendre 3000 points ici, c'est ça, également en fait, 2000 c'est genre... là. Quand je vous ai vu vous régler un stand, j'étais en mode oh let's go. Genre c'était vraiment oh let's go, c'est gratuit. Le grid, ça. Quoi. Genre c'est deux, pour moi ça. Les deux, tu sais la mêlée comme ça et puis tu sais j'imagine trop les deux soldats qui se tapent dessus. Genre, attends mais on a pas de mage. Ah les mecs se font défoncer. La sorcière en haut est en mode allez je m'en vais. Ouais non c'est trop fort de pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que tu mets le bol hein. Mais c'est le FFA. Ah oui on a bien vu oui. C'est le gros. Mais j'avais fait ça je crois, je sais plus contre Trauma peut-être et toi je sais plus avec Archaon. Où j'avais ramené Archaon au début de FFA et j'envoyais des têtes enflammées dans la gueule des gens. Et après je me cassais en courant. Quel enfer. Ah c'est marrant de faire ça. C'est très marrant. Ah là là. Eh ben messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment ce soir. Ah ouais, c'était bien fun. C'était bien rigolo. Mais moi, je serais bien chaud d'organiser une petite bataille 4 armées avec genre peut-être plus de monde la prochaine fois. Histoire de faire des petites rotations et tout. En mode, on enchaîne les batailles. Parce que c'était bien cool. C'était bien, bien sympa. Ouais. Moi, j'ai passé un moment. On a un peu organisé la va-vite, quoi. Mais... Oui, ça s'est vraiment organisé le jour au lendemain. C'est ça. Littéralement, oui, du jour au lendemain. Mais bon, c'est bien aussi. Hein. Oui. Bah ouais. De ouf, de ouf, de ouf. Et sinon, si vous voulez refaire un peu de Edge of cette semaine entre nous, ça peut être. Moi, ma chiffre n'étant pas cassée, pas de soucis. C'est plus facile. Écoute, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Non, mais entre nous. Non, mais bien sûr. Non, mais oui, carrément. C'est vrai que c'est sympa entre nous. Si vous êtes chaud, franchement, ça s'organise. Ouais, je vais vous laisser aussi, moi. Moi ouais, ouais, bah, merci à tous pour les games. Ouais, bah ouais, carrément. Très très cool. Bisous. Right. Et bon. Pas de soucis. Allez. Des bisous. Ciao les gars. Salut à tous. Merci. Bonne nuit. Ah là là. Bon, c'était fort sympathique. J'espère que vous avez passé un bon moment ce soir. C'était la grosse journée, soirée Warhammer. Ça fait du bien de temps en temps. Merci Slayer pour les 16 mois, Noctafight pour les 21 mois, Warku, merci pour les 7 mois, Artefion pour le Prime, Tekilama pour les 3 mois, Raikiketsu pour les 11 mois de soutien, Valentot Chat, merci pour les 14 mois, Skaraeo, merci pour le Prime, bienvenue à toi, Clem pour les 15 mois, Warsoft, Morbiflet, Je vise mal, merci beaucoup, merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment ce soir en tout cas. On se retrouve, nous, moi demain après-midi, je serai pas en live, mais je serai chez Ava pour Demon's Souls.
Voilà, donc je serai en coaching Demon Souls chez Ava, donc rendez-vous sur son stream demain après-midi pour les aventures de notre duo. Ça va être très marrant, je pense qu'on va là commencer à attaquer les boss un peu plus vénères. Donc ça va être cool. Donc rendez-vous demain après-midi pour ça. Et sinon, en soirée, je crois qu'on va se faire du Prop Night. Prop Night avec Eventis et d'autres potes. Donc rendez-vous pour ça demain soir. Voilà, voilà. Donc demain, normalement, pas de Age of non plus. Oui, je sais, je boude Age of, mais j'ai le droit. J'ai le droit, c'est mon droit. C'est mon droit de bouder Age of actuellement, là. C'est mon droit. Bref, moi j'ai passé un très bon moment, en tout cas. Je vous embrasse et je vous emmène chez qui? Je vous emmène chez qui, tiens? Dans les copains qui sont en stream, là. Il y a... bah tiens, il y a Trivia. Poti stream. Allez. Allez faire la bise à Trivia, les copains. Hop. Hop, le raid part. Merci Slayer HC pour les 16 mois. Merci à tous. Et voilà. Je vous embrasse. Bonne soirée chez Trivia. Je sais pas si elle part. Je crois qu'elle est encore en live. Non, mais elle va continuer de stream un peu. Allez, des bisous, les copains. Bonne nuit à tous. Bye. Et à demain soir. Ou demain après-midi. Bye bye.